T'entends Et toi, est-ce que tu m'entends Gabriel, est-ce que tu m'entends Ah, y a-t-il un petit problème M'entends-tu Il semble que Gabriel ne m'entende pas, Est-ce que toi, tu m'entends, par exemple Voilà, comme ça, on sera un peu fixé sur au moins une des données du problème. Euh, je vais lui écrire... Je vais lui dire que je ne l'entends pas. Plutôt que lui il ne m'entende pas, parce que moi, j'entends ces petits bruits. Ah, tu oui, bah oui, oui en fait, c'est normal. Moi aussi, je l'entends je l'entends gratouiller son micro, mais lui, visiblement, ne m'entend pas. Ça fait plusieurs fois que je l'interpelle et il a dû merdouiller au niveau de son casque. Gabriel, tout à l'heure, nous conversions et euh... c'est embêtant. Euh... Comment lui signifier <laughs> Je lui ai envoyé un petit message sur le chat de PDO Ninvia. Alors, tu entendu le alors eux, puis plus rien. Bah là, j'entends un souffle. Le souffle d'une bête. Qui laisse supposer qu'il est dans les parages. Brouillon. Mais pas chiant. du tout. C'est pas brouillon. C'est bien organisé. Là, c'est pas moi. C'est Gabriel qui a dû tripoter. Il a tripoté son casque, par exemple. Comment le lui dire Comment le lui signifier Je vais peut-être lui dire par Discord. Est-ce qu'il regarde son Discord Ça m'étonnerait, là. À mon avis, euh, tu as dû couper ton casque. Voilà. Andouille, je lui dis sur le Discord. Alors j'ai dû couper mon, j'ai coupé mon casque. Ben oui. Bah mmh, mmh. ben oui oui, je te parle. Et je coupais mon <laughs> casque. Oui. Je te parle et tu ne m'entends pas. Alors, tout le monde t'entend, mais mais toi, pardon. Alors, Gabriel, qu'as-tu fait On est censé être en sa compagnie. Il est revenu... Ben oui, il n'était pas parti, en fait, hein, mais... Euh... Si lui ne m'entend pas, ça va être compliqué, le dialogue. Je pense qu'on va aller vers un vrai dialogue de sourds. Qu'est-ce que tu fous Ah Qu'est-ce Qu qui s'est passé Gabriel, salut Danny comment vas-tu Bon, on est en train de, de rencontrer quelques petits problèmes. Gabriel visiblement ne m'entend pas, pour des raisons mystérieuses. Alors, que se passe-t-il On faire un petit saut sur le Discord, on va bien voir. Hein. Qu'as-tu fait Alors ah, euh, oui, euh, oui. J'ai indiqué sur Discord que euh, de mon côté, j'ai testé sur vidéo. Ouais. Euh, et le, le j'entends le son sur vidéo. Si je si je clique sur test. Oui. Donc. Euh, Alors d'accord. Alors. <laughs> Salut Xaïn Bon on est, on a un tout petit euh, problème technique pour des raisons mystérieuses. Gabriel avec qui je dialoguais sans difficulté tout à l'heure ne m'entend plus. C'est que je vais... je vais me euh, déconnecter de vidéo. D'accord, déconnecte-toi et, et reviens. D'accord, on va faire ça. On va faire ça. Alors s'il se déconnecte en revanche on n'aura plus de son pour lui. On va voir ce qui se passe. Bon vous inquiétez pas, ça va s'arranger. En général, ces problèmes techniques sont assez simples à résoudre. Ça n'est rien du tout. Alors Test Tess, est-ce que tu m'entends Moi, moi je t'entends. Il a l'air de ne pas m'entendre. D'accord d'accord, alors je suis en train de te parler et ça c'est la merde. et, ouais, et euh, là il vous parle. Attendez, il y a un vrai truc qui va pas. On va faire un petit truc. C'est que même lui il a disparu pour vous. Alors que euh, il n'est pas censé avoir disparu pour vous. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Ça y est, il parle et on voit son petit bazar qui bouge. Donc, je pense que vous l'entendez aussi, mais pour autant, euh, il ne m'entend pas du tout. Bon, c'est la merde et je ne sais pas du tout comment résoudre ça. Alors, je vais regarder ici ce qui se passe. Euh, Est-ce que ça pourrait être ici, dans le merdier de, de vidéo Est-ce qu'il y a un seul bazar qui rendrait accès audio source audio blablabla blablabla bla, 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 est-ce que tu m'entends je t'entends oui je t'entends ah <laughs> enfin alors. Alors, -ce que passé ah bah alors ça j'ai regardé dans les inputs de vidéo j'étais regardé les paramètres et bizarrement euh, mon entrée audio c'était décoché c'est-à-dire celui qui correspond à la carte son donc on a tout tout va bien d'accord parfait Suze, ne commence pas, vilaine. <laughs> Quelle est vilaine. Alors, tout va bien. Audio input, audio output. Bon, cette fois-ci, ça fonctionne. Voilà. Bon, bah, écoute. Euh... Un peu de cohérence quand même, Suze. Si entendre Laurent, entendre Laurent ça peut pas être une vision. <laughs> enfin, quand même. <laughs> C'est vrai, ça s'use enfin un peu de croyance. Enfin, Alors, de, de, mais qu'est-ce que... C'est brouillon tout ça, c'est brouillon, c'est brouillon. Voilà. C'est aussi brouillon dans la tête dessus, c'est brouillon partout en fait. Le brouillon a, a contaminé euh, l'univers entier, du monde sensible. Ça, le cet monde, univers est brouillon. Cet univers est brouillon. Nous vivons dans un immense brouillon. Voilà. Est Dieu est passe, brouillon. Lui-même. Es... C'est bien connu. Dieu est approximatif. Alors, on en était où On en était page 88, je crois qu'on avait lu ça. Cependant, je voudrais dire que l'énoncé de ces directives à partir en propre à Picasso, car cette formule est celle d'un être social qui évolue dans un contexte culturel donné. Je crois que c'était ça. Ah là 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 là. Je relirai la toute dernière phrase de ce chapitre qui pourra amorcer celui que nous allons lire aujourd'hui. Bah, le revendiquer euh, ne, ne vient pas un titre de noblesse pour autant. Euh, c est, c est... Oui, c'est comme, comme, comme les personnes qui euh, se dédouanent euh, de leur connardise en disant qu'au moins elles, elles sont sincères. C est, c est... <laughs> oh je suis un connard, mais je le sais, au moins. Euh... Voilà. Bah non, ça dédouane pas, ça dédouane pas de l'éthique. Le peuple assaisonné, c'est plat de brouillon cum. <laughs> <laughs> ça commence alors qu'elle -il, il est 36 mais je suis con il est 36 c'est tout à fait le moment de commencer à envisager euh, de démarrer un petit oui, moment oui. quand même c'est bien joli comme ça de t'as même pas mis le, le compte à rebours hein ici il y avait le compte à rebours ah, il y avait le compte à rebours pour moi. à dessous tu veux dire sous le on commence bientôt donc je l'avais pas mis effectivement euh, oui, on, on, sans doute, il ne faut pas déconner, on ne va pas dé dépasser les bornes à ce point, il n'y a, a aucune... Alors, bon, euh, je vais essayer moi d'être un peu, un peu au clair et sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, vous vous en souvenez, la dernière fois, la conversation avait beaucoup tourné autour de ce que vous voyez là, c'est-à-dire les prémices euh, d'une approche... Historique, comment on pourrait dire ça, une approche contingente finalement de l'émergence de ce tableau, ce tableau de Picasso, le portrait de Canveyla. Donc on avait fait un large périple qui nous euh, faisait aborder les conditions de naissance en gros de ce tableau euh, dans l'œuvre de Picasso par rapport à d'autres œuvres et puis euh, dans le, le cadre dans lequel il évoluait avec ses amis. On avait vu un peu qui était ce Canveyla, euh, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là en France et en Europe artistiquement. Qui pouvaient conduire à l'émergence de certains choix euh, stratégiques, artistiques et, et euh, poétiques. Et on va poursuivre aujourd'hui. Si on va poursuivre ça où, on va poursuivre ça dans le même bouquin, dans Les formes de l'intention. Un livre de Michael Baxandal, dont on s'était rendu compte la dernière fois avec Gabriel et avec un certain dépit qu'il bah, n'était pas trouvable en fait. Que ce, ce bouquin euh, se monnayait euh, sur euh, les sites des bibliophiles extrêmement cher. Oui, des, des, mais vraiment, hein, pour, pour un bouquin, euh, pour un, un poche, un, ce qui est un poche grand format, tout moche. Euh, oui. Euh, un poche à moche. À, à plusieurs centaines d'euros. Il faut quand même voir à pas de déconner. Voilà. C'est ça, forme de l'intention s'avère être un super bouquin mais quand même faut pas, faut pas abuser donc ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas réédité en france il est trouvable pour le prix d'un demi rsa nous dit oui, voilà c'est oui, ça c'est vraiment c'est l'ordre de prix en plus c'est ça donc franchement de quoi se plaint on donc aujourd'hui on va poursuivre sa lecture on était rendu donc euh, à peu près au premier tiers du bouquin et on avait basculé entre les deux chapitres d'un univers qui était un univers très préparé à l'advention d'une un, pièce par euh, des questionnements techniques, à savoir la construction d'un pont, euh, euh, pont ferroviaire, le pont sur le 4-3, Salut Strega, qui était un, une prouesse à la fois euh, de construction, d'invention technique, également un, une espèce de coup de force esthétique réalisé par Baker pour remplacer un pont qui s'était effondré quelques années auparavant, un pont construit par euh, Bush, Thomas Bush. Et euh, l'articulation entre ce passage et celui euh, qui désormais euh, allait constituer la suite du livre, voilà, tout à savoir celui qui allait aborder des questions artistiques comme euh, autour de, du portrait de Kahnweiler par euh, Picasso, tout ça, ce terrain-là a été préparé pour, que, pour rentrer dans un questionnement de plus en plus précis sur la notion d'intention, étant entendu qu'il avait été rendu par le livre de Baxendal assez clair qu'on avait très peu de moyens finalement de mettre si facilement que ça en évidence la question d'une intention euh, susceptible de nous éclairer sur la, la, la destinée d'une forme et on pourrait dire la fatalité de cette forme euh, euh, par rapport à des contingences et des déterminismes sociaux ou historiques. Et euh, d'où l'intérêt hein, d'avoir commencé par un truc technique, c'est que si ça marche pas pour, euh, pour une invention dont on pouvait se dire, ah oui, quand même, grâce à toutes les séries de nécessités, finalement. Oui, voilà. Bah, Il y a quelque chose... Euh, un, un, voilà, avec l'idée qu'un pont, c'est un pont. Il n'y a pas 36 manières de faire des ponts. Bon, voilà. bonne année hein. On, on aurait pu anticiper. Eh bien non. C'est ça que le, le livre avait mis en, en place dans la, la, la première partie du bouquin, c'est que cette forme définitive ne se justifiait que faiblement, finalement, d'explications de, euh, basées sur euh, la raison, au sens euh, la cause évidente de, de la la cause évidente de la mise en branle finalement d'une invention, d'une construction. Ça ne suffisait pas du tout pour pouvoir anticiper euh, les chemins qu'allait prendre un créateur pour donner cette forme et pas une autre à sa création. Et si c'était si compliqué pour un pont, Baxendal nous dit, vous imaginez du coup à quel point ça peut être improbable de mettre le doigt sur un réseau d'intentionnalité quand on va aborder la question d'une œuvre picturale, un tableau. Le portrait de Campbell. Alors, comme euh, Pax sandal veut pas complètement nous abandonner à rien, il a choisi un portrait de d'un marchand d'art. Ça veut dire qu'on va avoir de la biographie, voilà, on va avoir un argument euh, représentatif, euh, un argument de figuration ben, qu'on pourra étayer de la petite histoire, on dirait quand même, on n'est pas dans le néant. Imaginez qu'il est commencé tout de suite avec des pièces beaucoup plus complexes, -à -dire que, qui finalement ne se rattacheraient à aucun élément euh, figuratif, euh, historique, euh... c'est ça, euh, social, euh, immédiatement saisissable, on serait d'autant plus dans la merde. Donc avec le portrait de Khan Baylor, il nous aide un petit peu à avancer euh, dans, dans la question. Je vois ah. que oui. Il y a, il y a, euh, on pourrait aussi avoir la tentation de, de transposer euh, les, les contraintes euh, de, la, euh, de la conception et de la construction d'un pont à un autre endroit de, euh, euh, de, de la création d'une œuvre, c'est-à-dire aussi à l'ensemble des, euh, des contraintes techniques euh, qui sont... Euh, euh, qui sont inévitables. Je pensais, euh, 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 on en avait parlé une fois, mais le, il y, y a un certain style graphique de bande dessinée après guerre, euh, qui est celui, par exemple, euh, qui est celui, par exemple, de Hugo Pratt, qui est lié à des contraintes techniques de l'époque, de ce que tu m'avais dit, des contraintes d'imprimerie, de euh, 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 du, du du fait du manque de moyens euh, euh, du, du manque de moyens dans l'après-guerre alors, euh, que ce soit, alors même, euh, même avant ça, hein, enfin, le, comment dire, le, les difficultés auxquelles euh, on dit, euh, on prend souvent cet exemple plutôt pour ERG que pour Pratt, dans les difficultés techniques, on pense qu'en grande partie, le, ce qui avait euh, conduit à faire des choix euh, extrêmement linéaires, pâteux, sans détail, et en faisant sauter à peu près toutes les nuances à degrés, c'est-à-dire les traits trop, les plus fins, auraient été des conditions euh, comment déterminantes pour euh, la construction par R.G. une forme stylistique susceptible de, bah, de faire une économie de moyens avec la certitude que on allait pouvoir rendre imprimable assez simplement, le plus simplement du monde, sans grand risque de trahir l'original, ses dessins. Donc, ça n'allait pas boucher, ça n'allait pas empâter. Salut et émi euh, per Bienvenue à bord et puis merci pour ton follow. Merci. Donc, euh, cet argument euh, mis en place, c'est un argument qui semble très rationnel, mais en fait, il n'a pas de sens du tout. Dès l'instant où on prend simplement un peu de recul, on se dit Oui, mais enfin, il n'y a pas que Verger qui publie euh, euh, en 1940 ou euh, dans les années 30. Ils sont des centaines et des centaines en Europe. Et euh, lui, il va vers ça. Et pas les autres. Et en fait, à bien y regarder, si on observe autrement qu'avec des fantasmes, avec la vraie loupe de la vraie vie sur les vraies pages imprimées, certes, le papier est de plus mauvaise qualité euh, à cette période, dans bien des cas, il y a vraiment une pénurie. Hein. Je crois que le, la grosse pénurie, c'est plutôt dans la guerre précédente d'ailleurs. Elle avait vraiment euh, euh, rendu difficile l'accès pendant toute une période de guerre à, à du, du matériel autre que l'abominable papier ultra poreux qui servait à faire des journaux. Pour autant, ces choix n'ont pas été faits euh, de façon générale euh, à ce moment-là. Donc ces choix étaient motivés par plein d'autres raisons. Mmh. Euh, même quand on dispose d'un argument technique, en fait, on dispose plutôt de peu d'arguments. Et a fortiori, parce que la question de la technique, euh, on la prend à l'envers. C'est-à-dire que euh, la plupart du temps, on suppose que les artistes... Se mettent à faire telle ou telle chose parce qu'ils disposent enfin des moyens de les faire. Et ce n'est pas comme ça que ça marche, du tout. Dans l'histoire de l'art, euh, quand les artistes n'ont pas les moyens de faire un truc mais qu'ils en ont l'idée, ils le font. Ils le font mal, ils le font en bricolant, ils le font bizarrement, mais ils le font quoi qu'il en coûte. Et peu importe. Ce qui fait, par exemple, que le cinéma est en couleur dès le début du XXe siècle. Il est intégralement en couleur. Ça veut dire que. Des milliers de petites mains au pochoir euh, mettent en couleur euh, les films de celluloïdes euh, avec des petits pochoirs de couleur chromatiques pour euh, mettre tous les films en couleur et c'est tout il n'y a pas de pellicule couleur mais on fait des films en couleur on n'attend pas d'inventer une pellicule couleur pour avoir des films couleur tous les films sont en couleur sinon vous ne pouvez même pas en comprendre certains il y a des, des films qui sont rigoureusement incompréhensibles euh, les films muets euh, que vous voyez en noir et blanc euh, si vous les voyez en noir et blanc alors qu'ils euh, étaient colorisés vous ben vous les pigez plus euh, si c'est des films de vampires par exemple parce que toutes les scènes nocturnes elles étaient rendues nocturnes par des pochoirs bleu nuit vous, vous voyez comme en plein jour, vous dites, bah, pourquoi il a un problème, ce vampire Il a l'air d'être malade, il a quoi Qu'est-ce qu'il a chopé quoi Vous ne pouvez pas imaginer qu'il soit touché par euh, la lueur du, euh, du jour au passage de la nuit au jour, puisque c'est la même scène pour vous. Quoi. Vous venez de voir deux scènes, l'une était éclairée, il va bien, l'autre est éclairée, il va mal. Que se passe-t-il ouais. il, euh, euh, il y a eu un effort il y a quelques années de, de remontrer les films. Euh, alors, ce que j'avais vu, c'était en fait avec... Euh en montrant que les, les pellicules étaient teintées, en fait. donc pas, pas, pas forcément avec des... Enfin, je sais pas quelle est la technique utilisée, mais après, je ne sais pas si c'est avec des pochoirs ou, ou si c'est la, euh, la pellicule elle-même qui est teintée. Euh, euh. Mais bon, donc il y a, y a des, euh, effectivement des efforts pour euh, intégrer la couleur. Euh, oh oui. Oui, c'était bah des petites mains qui prenaient. Il euh, faut quand même comprendre qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence à, à cette époque entre l'appareil de projection et l'appareil de capture. Pendant longtemps, ça va être les mêmes dispositifs qui vont servir à, à capturer la, sur pellicule sensible une fois que celle-ci est développée à, à projeter. Donc, déjà, on n'est pas dans une pensée matérielle qui est vraiment la même de, de la machine cinéma. Enfin, il y a une porosité plus grande entre le fait de regarder le, et le fait de montrer. Et euh, euh, c'est directement sur les pellicules développées qu'on met effectivement les couleurs avec des petits pochoirs. C'est la technique qui va être en usage pendant des années. Tout ça, c'est valable pour euh, toute l'histoire de l'art. En fait, très régulièrement, si vous observez euh, la production des œuvres, notamment quand elles sont techniques, hein, dans tout, toute l'histoire assez complexe de euh, la, la céramique, de la faïence, euh, vous verrez que euh, les, les artistes mettent en branle des dispositifs techniques extrêmement compliqués pour obtenir des résultats qui les hantent comme vision. Et puis évidemment, tôt ou tard, ce que font les techniciens, ils y voient une opportunité de développer un marché. Donc ils inventent hein, la, la chose qui manquait. Pour les artistes, et évidemment un nouveau marché s'ouvre qui va faciliter la vie à tout le monde. C'est plus dans ce sens-là que ça marche. Donc l'hypothèse selon, selon laquelle le dispositif technique existe et puis bon d'une certaine manière la création dépend, est une hypothèse très insatisfaisante. Ça ne veut pas dire que les choses euh, dans ce sens-là n'existent pas, mais quand elles existent, et c'est surtout une Enfin, une grande propriété du XXe siècle d'avoir développé cette relation-là à la production, c'est euh, comme contrainte excitante, finalement. Euh, L'idée qu'il y ait une limite à une production matérielle et que de cette limite, on puisse tirer une espèce de, de jeu de contraintes est très, très, très euh, fréquente dans le XXe le, dans le siècle. Euh, mmh. Voilà. Bon, après ça, évidemment, il y a, y a eu, euh, tout au long de l'histoire, des moments où ça coinçait entre le désir et la possibilité de le mettre en branle, mais je voulais au moins qu'on ait tous et toutes en tête l'idée que ce pas du tout un mouvement unilatéral à penser euh, depuis la disponibilité technique jusqu'à la création, ce qui donnerait un cadre explicatif satisfaisant pour bien des choix esthétiques, mais hélas, euh, ça tient très très peu devant la réalité des faits et de la production. Est-ce que tu as souvenir de choses euh, qu'on n'avait pas abordées la dernière fois que tu voudrais qu'on aborde avant de se plonger dans le texte Il y a rien qui me vienne en tête là tout de suite. D'accord. Alors les gens, est-ce que le son est bon Est-ce qu'on peut partir Est-ce que vous êtes prêts donc pour euh, qu'on continue la lecture de forme de l'intention Est-ce que ça va pour vous aussi Moi, le, je sais pas, -ce de retour y a sur les coups. Parce que je sais que c'est, ah, c'est parfois c'est quelque chose que vous nous révélez euh, <laughs> à mi-chemin du stream et qui est qui est une source de très grande frustration. <laughs> le son est bon, nous dit Sud. Ok, très Merci bien. Suze. Merci Sud. Et B, euh, très bien les gens, donc écoutez, bah, bienvenue à bord. J'espère que vous allez passer un bon moment. On va poursuivre le travail donc sur euh, ce bouquin formidable qui est « Forme de l'intention » de Michael Baxendal. Et euh, bah, j'espère qu'il va continuer à vous passionner comme il nous a passionné euh, la dernière fois. Je voulais juste la dernière phrase euh, de, euh, du chapitre précédent, qui était le 3, pour qu'on se remette un petit peu dans le bain. Donc on, on avançait lentement vers le questionnement de Picasso euh, relativement à son environnement immédiat, social, amical, historique, etc. On va vers le chapitre qui s'appelle Entre le peintre et sa culture, euh, le troc, et ça se s'achevait comme ça dans le chapitre 3. La relation qui se noue entre Picasso et la culture, à laquelle il appartient, est en fait extrêmement délicate à traiter. La difficulté tient à la structure même de cette relation. Elle implique une souplesse et une réciprocité qu'on a envie de sauvegarder. Alors, on y va. Entre la pein le peintre et sa culture, le troc. Nous avons tout intérêt, me semble-t-il, à nous tourner vers la théorie économique et à lui emprunter quelque chose qui se rapproche du concept de marché. Voilà, cette euh, comparaison euh, va beaucoup fructifier puisqu'il euh, va vraiment se développer aussi à partir de ce moment-là une certaine très économiste du marché de l'art. Je ne dis pas que le marché de l'art est une invention du XXe, pas du tout. Mmh. Euh, C'est une invention ancienne, en fait. C'est une invention plutôt... Euh, si je vois les remous de la fin du 15e et du début 16e autour de la production des œuvres, et qui vont d'ailleurs être assez déterminants pour la Réforme, par exemple, dans sa, sa rage de destruction des œuvres d'art, l'argument économique y est pour beaucoup. Est le, toute l'Europe du Nord et de l'Ouest est un gigantesque marché de trafic d'œuvres d'art, et tellement imbriqué aussi à la vie spirituelle en créant des nouvelles... Des obligations d'une certaine façon, enfin, tout un, un petit monde comme ça d'objets qui étaient fabriqués, qui envahissaient le tout de la vie, euh, c'est très bien décrit par Huizinga dans l'automne du Moyen Âge. Sur la base des textes contemporains de, du Moyen Âge de, de Gerson, euh, il y avait des ce qu'on appelait, je crois, des sacramentalia absolument partout dans l'Europe, c'est-à-dire des, des manifestations culturelles de tout ordre, de toutes sortes de breloques qui occupaient tout le territoire visuel euh, quotidien des Européens à ce moment-là. En fait, il y avait une dépense assez folle euh, faite en production, des ateliers dans toute l'Europe qui servaient à Alimenter la machine à produire des objets d'art. Et, euh, et là-dessus, euh, comment dire À partir du moment où on pouvait rentrer dans une espèce d'économie très somptuaire, dans laquelle la possibilité de faire don euh, à l'église, euh, que ce soit pour en fabriquer, pour fabriquer des chapelles ou fabriquer des œuvres qu'elle allait décorer, où cette activité-là était déterminante pour votre salut, vous imaginez bien, euh, tout ce que qu'il les... qu pouvait y avoir de fructueux pour le marché de l'art à mettre en branle comme ça un, un, une machine à produire des images qui portaient sur elles-mêmes leur richesse puisqu'en portant cette richesse en portant leur valeur de façon ostentatoire elles étaient si vous voulez euh, des sortes d'analogons de, euh, de, de, euh, de la dévotion de ceux qui les faisaient fabriquer et rajouter à tout ça un, une immense production euh, dans Minure, parce que les comment les, les familles nobles euh, commandaient énormément de, de, de livres d'heures ou des choses comme ça, euh, ça faisait partie aussi hein, de la construction d'un territoire de richesse euh, extrême. Euh, Je sais pas les détails là, de, mais c'est des troupeaux entiers de moutons qu'il fallait pour faire un livre et des des enlumineurs par atelier, euh, euh, mobilisés pendant des mois, des mois, voire des années, pour produire un seul livre. Donc là-dedans, il y a toute une industrie extrêmement féconde de l'art et un marché euh, de la représentation qui est euh, extrêmement important. Donc le, 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 les œuvres d'art rentraient dans le... Euh, enfin, le marché des, des œuvres d'art faisait... Partie de, de du, du trafic des, des indulgences. Bah, carrément. À partir mmh. du moment où euh, à partir du moment où on faisait savoir qu'on euh, qu'on avait dépensé pour mmh. habiller telle église euh, une fortune colossale pour faire peindre un, un tableau, euh, tu te doutes bien que euh, les nobles qui euh, qui faisaient ce genre de dons en retiraient euh, auprès de l'église euh, des garanties particulières pour leur mmh, propre oui. euh, tu vois des garanties eschatologiques en fait. <laughs> C'est assez bizarre à imaginer, mais euh, oui, c'est le cas. Euh, euh, ça fait partie, en tout cas, des, des choses qui euh, ont largement euh, constitué le, le procès que la Réforme a intenté à l'Église catholique, romaine et apostolique. Voilà, le trafic d'œuvres d'art et, euh, et cette, euh, cette folie furieuse qui, en plus, pour les protestants, représentait clairement un pas vers l'idolâtrie. Que là, il a, le processus dévotionnel était euh, clé, complètement saturé euh, du truchement des images euh, et ça exaspérait complètement euh, les, les luthériens, enfin, Luther et ceux qui l'ont suivi. Salut à toi, Claire. Salut, Dr Wack. Donc, ce marché n'est pas du tout une invention du 20e siècle ni du 21e. Pour autant, il a changé de forme du jour où il est devenu euh, un marché de, on peut dire, dont la valeur principale n'était plus une valeur de représentation des œuvres pour, euh, comment dire, euh, pour dialoguer avec une, une valeur supérieure à laquelle ils étaient, euh, d'une certaine manière, euh, enfin, sur laquelle ils étaient gagés, la valeur spirituelle, ce genre de choses, ils deviennent un transport de leur propre valeur. Ça aussi c'est assez nouveau, celle du Kleinmaus. Dans son sens technique, ce terme marché signifie qu'il y a un contact entre producteur et consommateur d'un bien en vue de l'échange de ce bien. Là c'est pareil, hein, les collectionneurs d'art, ils n'apparaissent pas du tout au XXe siècle, hein, les collections, c'est quelque chose qui commence à se constituer dès le XVIe siècle. C'est un mode de relation où deux groupes de personnes disposent d'une liberté de choix dont découle en retour tout un système d'interaction. Dans le cas le plus fréquent, ce modèle implique une certaine concurrence entre producteurs d'une part et consommateurs de l'autre qui n'ont pas besoin de mots pour communiquer entre eux. Chaque groupe peut s'adresser à l'autre en lui faisant du pied en quelque sorte, c'est-à-dire en participant ou en s'abstenant. Tout marché par ailleurs peut se définir par le genre de produit qu'on échange à travers lui et aussi par la géographie qui le sous-tend. Donc on peut dire en gros le, le marché français ou le marché des œuvres d'art, donc définir soit par le territoire, soit par les produits. Le plus souvent, on a affaire à une imbrication de sous-marchés spécialisés. Donc le marché de l'objet d'art, qui est un sous-marché marché de l'art, euh, en Espagne par exemple. Si la relation qui unit le peintre à sa propre culture, doit pour les besoins de l'analyse être ramené à un type de rapport bien particulier, nous devons, me semble-t-il, pouvoir nous contenter de cette notion de marché. Ce que nous devons retenir, c'est que s'il y a un choix des deux côtés, tout choix opéré par l'un ou l'autre groupe influe sur l'ensemble des choix offerts à chacun des deux. Il faut immédiatement ajouter que cette relation est beaucoup plus diffuse que celle dont parlent les économistes. Ces derniers s'intéressent à un marché où le producteur est et dédommagé par de l'argent. L'argent va d'un côté, les biens ou les services de l'autre. Je baisse un petit peu le petit chauffage d'un point Alors que dans la relation qui s'établit entre les peintres et les cultures avec lesquelles ils sont en contact, euh, l'argent est loin d'être la seule monnaie d'échange. Il faut compter aussi avec des facteurs tels que l'approbation des autres et le sentiment de se nourrir intellectuellement auxquelles viennent s'ajouter plus tard une confiance accrue en soi, des colères ou des énervements porteurs d'une énergie nouvelle, une certaine façon d'articuler les idées, des capacités visuelles élaborées au cours d'expériences quotidiennes, euh, l'amitié et, point essentiel sans doute, une histoire qui est celle d'un individu dont les actes perpétuent aussi un certain passé. Et aujourd'hui le fait d'être, comme on dit, payé en visibilité. Ah, par exemple ça serait exactement ça rentrerait dans cette chaîne qu'on pourrait appeler une tentative là par ben de de voir plus clair dans euh, cet aspect particulier de la production des œuvres d'art qui est fondamental qui est le déplacement de la valeur. Ce déplacement, il est sur un nombre assez considérable de registres et il repose aussi pas seulement sur euh, les forces de déplacement de la valeur. Celle-là, par exemple, quand il parle des énervements porteurs d'une énergie nouvelle ou les amitiés, on pourrait dire des forces productrices qui travaillent à prendre des décisions pour donner telle ou telle forme euh, au gré de ces forces, mais évidemment euh, assignation de la valeur dans les rapports euh, d'échanges euh, directs avec euh, les autres productions culturelles ou les autres productions artistiques environnantes, et euh, on pourrait dire de valeur à valeur, cette réinstitution de la valeur qui est la production contradictoire de valeur artistique devant des valeurs sociales, par exemple. Ça, c'est tout le caractère critique qui est au travail de la production artistique. Est-ce que le déplacement de la valeur, c'est de restaurant en restaurant C'est exactement ça. Quand l'argent vient en surcroît, il agit à la fois sur un plan symbolique, en marquant la présence de tel ou tel aspect, et comme un moyen de continuer à produire. C'est vrai qu'il peut marquer plein d'aspects, et à l'intérieur de celui-là, ben, euh, il devient constitutif d'une espèce de capacité du marché, euh, des échanges culturels, à redonner... Euh, on pourrait dire un supplément de valeur à euh, ce qui a été d'un seul coup touché par cette assignation d'un parti ou d'un autre. Par exemple, de la valeur amicale qui se rajoute à de la valeur symbolique, qui se rajoute à la valeur d'échange financière, euh, une valeur culturelle portée par exemple par le regard côté l'artiste porte sur. Une culture à laquelle, jusque-là, en Europe, personne n'accorde d'importance, qu'il injecte de façon plus ou moins habile dans son travail, eh bien, il va y avoir une espèce d'un seul coup de partage de valeurs et de réévaluation à la fois de la cause et du mouvement qui consiste à s'intéresser à cette cause. C'est-à-dire, par exemple, on a évoqué hein, l'orientalisme assez fétiche euh, en, en Europe qui va exploser à la fin du XVIIe, début du XVIIIe et qui va énormément s'étendre avec l'orientalisme du XIXe. Et la, la fascination pour les masques africains. Et, et la fascination voilà, pour les masques africains. Donc là, on voit bien à quel gigantesque diagramme des euh, assignations et des, euh, comment, des déplacements de la valeur se euh, donne ce livre, ce marché qui est là. Et pensé dans son rapport hein, culturel, on est d'accord, il fait un parallèle avec le marché économique. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment les échanges, l'économie euh, libidinale, en gros, hein, qui existe entre un artiste et la culture dans laquelle il est pris. L'échange de biens, ici, passe moins par le tableau lui-même que par l'expérience dont il est l'occasion. Expérience qui représente à la fois... Un gain et un plaisir. Le peintre peut préférer connaître tel type de compensation avant tel autre. Pour certains peintres, il est beaucoup plus important finalement de toucher à la reconnaissance par ses pairs que de vendre une toile. Et comme le dit Sus, l'argent chez les artistes, comme la guérison chez les analysants, ça vient de surcroît. <laughs> Évidemment. Le peintre peut préférer donc ça. Ainsi, le sentiment d'occuper une place dans l'histoire de la peinture peut compter davantage pour lui que sa reconnaissance, que la reconnaissance de ses contemporains ou l'argent. D'ailleurs, on peut accepter artistiquement de vivre euh, dans le différé de façon permanente, c'est-à-dire de différer l'éclat de son travail, savoir qu'on est un artiste de niche, parce que sur cette niche repose au moins fantasmatiquement, la capacité à reconnaître la valeur là où une société ne sait pas encore le faire. Euh, là, je, je parle de choses qui sont pas seulement... Euh, pas assez... Dans, dans tous les métiers, vous pouvez les métiers hein, créatifs. Et je sais s'il y en a beaucoup qui le sont. Hein, enfin, euh, les physiciens, euh, les physiciens les plus inventifs du XXe siècle, je pense, étaient parfaitement conscients de, de leur euh, capacité de bouleversement. Je ne doute pas une seule seconde que que que, que Niels Bohr ou Einstein aient eu une parfaite conscience du caractère. Euh, transformant de l'époque, de leur œuvre, même à un moment où elles ont pu n'intéresser qu'une poignée d'intellectuels et de scientifiques. Euh, là, j'ai encore entendu euh, Pierre Gagnère, qui est un extraordinaire chef euh, cuisinier, dire il y a peu, bah, vous savez, euh, il y a 30 ans, personne ne comprenait ce que je faisais. Phrase que disent souvent les artistes, mais bah, qu'on peut entendre aussi dans la bouche d'un grand chef cuisinier. Et pour autant, pourquoi a-t-il continué bah, Il n'a pas attendu la gratification du contemporain. Je pense qu'il a rencontré à ce moment-là la gratification de trois pelés, mais pour lesquels euh, sa, enfin, sa confiance était telle que ça lui suffisait amplement. Et, et ça fait partie de la question de la valeur aussi. Hein. C'est. Euh, qui l'a fourni. Et donc, euh, bon, ça, du coup, ça devient très différent de l'économie hein, parce que euh, clairement, un, un, on s'en fout un petit peu de savoir. Euh, euh, enfin, il n'y a pas un surcroît de valeur d'un billet de 100 euros s'il vous a été euh, filé par un travail euh, euh, stupide ou donné par votre grand-mère, euh, il vaudra toujours 100 euros. Il y aura peut-être de la valeur pour vous hein, parce que c'est votre grand-mère, mais euh, par contre, sa valeur d'échange ne va pas tellement changer. Quoi. Alors que là, dans le cadre qui nous intéresse, euh, comme la valeur en question est purement euh, une valeur symbolique, elle, elle croît énormément selon euh, qui la distribue. C'est un Stéphanois, Pierre gagnon, je ne sais pas, Suze, je ne suis pas chauvin. Contrairement à certaines que je ne nommerai pas. Alors moi, je préfère le chef Pierre Belin parce que c'est un breton. <laughs> Suze... Et le consommateur, de son côté, peut préférer tel type de gratification à tel autre également. Mais quelle que soit la nature des choix de l'un et de l'autre, ces choix ont une action sur l'ensemble du marché. Il s'agit d'une forme de transaction qui concerne donc des biens essentiellement intellectuels. Pour garder trace de cet échange, tout en différenciant la tracation à laquelle se livre le peintre du marché strictement monétaire dont s'occupe l'économie, nous parlerons, puisque nous sommes pour l'instant à Paris, hein, d'une forme de troc. voilà Parce il euh, y a plein de choses qui vont évidemment être très très différentes dans, dans les rapports d'échange avec l'économie de marché habituelle. Et euh, notamment, euh, ce, qui, ce qui peut bouger tout le temps dans le cadre de ce type de regard hein, sur le, le, le grand dispositif de valeur dont nous parle Baxendal, c'est euh, comment on pourrait dire ça sa perceptibilité. Ce jeu de valeurs n'est pas perceptible à une échelle générale et immédiate. Et euh, mieux encore, ces valeurs sont hyper locales et hyper circonstancielles. C'est-à-dire qu'elles sont invisibles. Et un inutilisable par ailleurs, euh, dès que la distance, par exemple, euh, gagne euh, entre le lieu de construction de cette valeur et euh, celui depuis lequel on le regarde. Donc, euh, tel. Euh, valeur symbolique ou charnelle ou affective ou même d'échange dans tel milieu intellectuel là à Paris ou dans les années 10 devient dérisoire si elle est regardée depuis une académie qui tient pour méprisable les inventions d'avant-garde ou euh, tel autre groupe d'avant-garde qui tient pour méprisable celui-là, etc., etc. Donc toutes ces choses-là exigent des sortes de points de contact presque immédiats dans le temps et dans l'espace pour conserver finalement, euh, pour conserver sa son usage, sa, oui. voilà, son efficacité. Salut à toi, Clint. Alors cette citation, Suisse, bien entendu, étant complètement hors contexte et très tresse, hein, sera nettoyée. <laughs> Je tiens beaucoup à ne pas donner à cette notion de troc un caractère trop rigide sur un plan méthodologique. Ce qui m'attire en elle, c'est justement sa simplicité et sa fluidité. Ce n'est rien d'autre qu'une forme de relation. À l'intérieur de laquelle deux catégories de gens appartenant à une même culture sont libres d'échanger des biens selon leur choix. Tout choix, cependant, modifiant la structure entière du marché et donc le profil de ceux qui y participent. C'est un peu le, le même genre de porosité euh, euh, qu'on peut voir comprise par Marx quand il fait ses, ses essais, hein, ses, les thèses sur Feuerbach, où euh, pour comprendre ce qu'est le matériau largement idéologique d'une société, euh, Marx se penche. Avec attention, euh, sur la praxis, au moins autant que sur la poésie, c'est-à-dire sur la capacité de comprendre euh, la force de construction à l'intérieur de ceux qui construisent et pas simplement des objets qui sont produits par la poésie. Quoi. Et là, on comprend bien ça, là-dedans, dans l'image qui nous envoyé, est envoyée, c'est que les acteurs de, de ce jeu, en eux la puissance transformante de l'époque euh, indifféremment je dirais ou presque hein, à la possibilité qu'on aurait de sculpter tout ça uniquement depuis les objets qui sont produits. Donc au-delà de la question euh, euh, matérielle de la production telle qu'on l'entend habituellement, il y a ce que produisent les corps comme réalité euh, sociale et du coup aussi également en l'occurrence comme, comme valeur. Hein. Ouais. Peu, on peut dire un groupe d'artistes est une valeur, par exemple, euh, évidente dans ce milieu-là et pas seulement à travers les objets qu'elle produit, mais bien au-delà de ça, en fait, comme une réalité, une force matérielle en soi. Quoi. Euh, mais ce n'est pas du tout les citations qui déplaisent, ce sont les citations très, très, <laughs> qui, euh, qui décontextualisent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Euh, ça ne se fait pas, c'est très mal de faire ça. On pourrait certainement définir cette forme de relation par un symbole mathématique, mais ce modèle est trop vague pour avoir une valeur générale, il n'a pas été conçu dans cet esprit. Il s'agit d'une simple formule qui devrait nous faciliter la tâche lorsque nous appliquerons la méthode de la critique inférentielle à des cas particuliers. Quelques remarques s'imposent cependant Il faut d'abord souligner que le langage dans lequel les consommateurs s'adressent aux producteurs au cours de cette opération de troc a un caractère à la fois générique et historique. Leur demande ne saurait donc susciter la création d'un tableau aussi spécifique que le portrait de Kahnweiler. Voilà, est, euh, on, a, on a bien compris dans, dans ce cadre. Euh, la demande d'ailleurs poserait un problème de fond. Hein. C'est comment pourrait-elle être formulée c'est effectivement, on peut toujours dire, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de la commande au Moyen-Âge. J'ai envie de faire un petit détour par la question de la commande parce que je pense que c'est une question qu'on fantasme beaucoup. Et euh, je vous ai amené un petit document qui va vous permettre de mieux comprendre ce que c'est, quelle forme ça prend. Et comme ça, on arrêtera de fantasmer, on saura exactement à quoi ça ressemble. Mais dans les faits, on retrouve un problème qu'on a déjà rencontré... Euh, philosophiquement dans euh, le parallélisme très illusoire entre discours et images euh, à savoir que on ne peut pas remplacer une image par quelque opération de discours prétendant la décrire que ce soit et si cette question, elle se pose pour une éphrasie, c'est-à-dire pour un compte rendu d'une image euh, dans, dans la longue, longue histoire de la description des images, euh, depuis que c'est devenu une marotte, c'est-à-dire en gros depuis euh, deux ou trois siècles avant l'art chrétienne, euh, si ça pose problème dans ce sens-là, vous imaginez que ça pose un problème absolument insoluble dans l'autre sens. Si on fait commande de quelque chose, eh ben on doit accepter l'idée que la commande est impuissante. À formuler le tableau dans sa forme, n'hésite pas à rajouter des trucs. Hein, oui, oui euh, c'est que euh, en fait, j'attendais depuis euh, pas mal de temps de voir euh, où est-ce qu'il allait avec la notion de troc et il n'y est pas encore arrivé. C'est vrai, il n'y est pas encore. Voilà, parce que j'aurais il y a pas mal de trucs à dire sur, sur cette notion et des. Euh, euh, des... Des, des, des analyses relativement récentes sur ce qu'a été, qu été le troc et comment il s'agence j'attendais qu'il la développe parce que j'ai l'impression qu'il euh... qu va dans la même direction et ça pourrait être intéressant sinon sur... enfin, par exemple sur la, sur la question de euh... sur la question de la commande euh... Euh, euh, oui, là c'était plus, c'était plus de l'ordre de, de, de l'anecdote, c'est que là, la... euh... il y a un grand, euh... il y a un grand pouvoir aussi de, de l'artiste euh, euh, sur, euh, sur ce qu'est la, la commande, c'est le, le, le rapport. Euh, euh... Le rapport n'est pas, pas strictement hiérarchique, notamment je pense à la, à la très célèbre scène de, de Léonard de Vinci, où c'est assez documenté que les, la, la relation entre euh, euh, Léonard de Vinci et ses commanditaires pour euh, la peinture de, de cette scène ont été assez houleuses, et où euh, Léonard de Vinci à un moment a fini par dire que euh, si... Si ses commanditaires ne, ne, ne se calmaient pas, il allait se servir de la ressemblance de l'un d'entre eux pour euh, faire le portrait de Judas. <laughs> le troc, c'est ce que font les Trollin' de <laughs> Ah, mon Dieu. Alors... Le consommateur peut répondre ou ne pas répondre à certaines catégories de choses existantes, qui incluent aussi bien la catégorie des portraits cubistes que la catégorie des toiles considérées comme des œuvres innovatrices ou l'ensemble des tableaux de Picasso. Bien sûr, il faut tenir compte de la réversibilité de la situation. Ainsi, l'initiative appartient au peintre qui peut œuvrer presque à volonté à l'intérieur des multiples catégories que lui ouvre la directive d'ensemble qu'il suit. Il y a aussi les, toutes les directives que l'on suit sans savoir qu'on les suit. Hein. Je pense qu'on n'est pas forcément conscient absolument de euh, comment dire de notre porosité à, à des aux d'une époque. On se rend compte généralement beaucoup trop tard. Quoi. On peut regarder ses propres travaux et dire oula, mais c'est terriblement années 80 ce que j'ai fait là. <rire> et <rire> ah bon, c'est quelque chose d'assez compliqué à, à saisir sur le moment, vraiment. Et je pense qu'il en a toujours été de même, et selon, je dirais, le, le degré de combativité, la disponibilité à la combativité dans laquelle se trouve tel ou tel artiste, la porosité peut aller croissante. Voilà. Beaucoup de choses dans le langage du marché peuvent dépasser la compréhension du consommateur. De même, l'intérêt que le critique d'art porte aux caractéristiques et au développement d'un genre s'enracine dans une série de faits qui ont orienté le travail de l'artiste. Mais tout ceci est trop évident pour qu'il soit nécessaire d'insister. Il faut dire aussi que la peinture n'a pas la pureté de l'art de la construction des ponts et que son comment est beaucoup plus clairement lié à son pourquoi. Alors, alors, en quoi le lien du comment et du pourquoi sont liés dans, dans l'art C'est-à-dire que la motivation à apparaître d'une forme, elle contient en elle-même comme réponse cette forme. Euh, je vous ai souvent dit que souriot disait donc un des euh, un des comment dire un des hommes qui a le plus travaillé à la question de l'esthétique au XXe siècle pas bah, qui vaut ce qu'il vaut. Enfin il y a plein de choses intéressantes. Mais bon c'est de l'esthétique quoi donc ça en a aussi les défauts. Donc, je disais que chaque touche est un jugement. Je vous l'ai dit assez souvent, mais cette remarque est assez judicieuse euh, et elle est claire, évidemment, d'un un jour euh, radical. L'exaspération de Basquiat, hein, le jour où lui fut demandé euh, Mais pourquoi du bleu Là où il avait mis du bleu, question complètement stupide, puisque peindre, c'est peindre, justement. Et ne pas comprendre que peindre, c'est peindre. C'est-à-dire que euh, la question du comment et du pourquoi sont assez. Euh, ben réduit l'un à l'autre, complètement subordonné l'un à l'autre, c'est assez fondamental en peinture de comprendre ça. Voilà. Dans le cas du pont sur le force, nous avons pu définir deux épisodes distincts, au prix de quelques contorsions. Le premier relevait des compagnies ferroviaires qui devaient décider s'il fallait ou non construire un pont. Donc déjà, faut-il ou pas hein. Le second était du ressort de Benjamin Baker et concernait la question de la forme qu'il allait falloir donner à ce pont. Vous voyez toute la parallaxe qu'il y a entre ces deux questions, elles sont très disproportionnées l'une à l'autre. <laughs> Il y en a une qui se résout euh, assis à un fauteuil euh, et dont la réponse est oui ou non, mmh. et, et l'autre, <laughs> c'est un monde qui s'ouvre. <laughs> ces deux épisodes ne pouvaient être totalement dissociés l'un de l'autre. Dans le principe même, ils ne cessaient de s'entrecroiser. Mais en pratique, on pouvait traiter le comment comme un épisode à part, sans rien perdre en intelligibilité. En revanche, Picasso décide seul à chaque instant du pourquoi et du comment. J'aime bien le à chaque instant. C'est à ça qu'on voit que Baxandall est un très grand historien de l'art. C'est pas dans l'intelligence générale de tout ça, c'est dans des petits détails du à chaque instant. Il est parfaitement conscient qu'un tableau n'est pas un objet, mais est pris dans une immense durée, que l'objet n'est que, on pourrait dire euh, le. le la matérialisation testimoniale de tout ce qui a précédé. C'est quand même très différent. Ça, il en est vraiment très conscient. Et ce, 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 à chaque instant, on peut presque... Enfin, ce, ce serait même, on peut presque le comprendre, mais ce serait réducteur de le comprendre comme hein, à chaque touche, oui, pratiquement. À chaque touche, à chaque moment de la vie, parce que le, le tableau se fait et se défait aussi. Bah, quand on va boire des coups, quoi, entre deux couches qui sèchent. Ça, on a évoqué la dernière fois. Donc, euh, oui, à chaque touche, si on en suit souriau, chaque touche portant en elle-même d'une certaine manière témoignage pour euh, les jours de cuite qui ont précédé, euh, <laughs> les échanges de conversation avec les copains, euh, les rencontres avec telle toile qui fait dire ah mais non, je ne vais pas aller vers là et c'est vers là que je vais ah bah non, etc. etc. Salut Quentin. Tu arrives à chaque instant. C'est très beau d'arriver à chaque instant. <laughs> si nous voulons réellement comprendre le sens des directives qu'il s'est fixé, nous devons chercher à savoir pourquoi. En 1910, on peignait et consommait des tableaux, comme le portrait de Kahnweiler. Alors, consommer, le verbe n'est pas très juste, mais peut-être qu'en a... anglais ça marche et en français pas du tout. Hein. Parce que ce que vous consommez, euh, ça devient du caca. Donc, ça. Alors que... Voilà. Euh, euh... Alors, vu que. <laughs> Clint a eu le, le bon goût de mettre à disposition le, le texte anglais. On peut vérifier le texte anglais Ah, pourquoi pas. T'as quel chapitre C'est le petit chapitre 4, « Entre le peintre et sa culture, le troc », et c'est aux oh, quatre pages à peu près après le, le départ. Euh, un petit paragraphe, donc, euh, euh, qui commence par « En revanche, Picasso décide seul ». Donc pourquoi on peignait et consommait des tableaux comme le portrait de Cavalier Non mais je plaisante à peine. Mais quand on... ce que vous consommez est détruit, voilà ce que je veux dire par là. Donc le terme de consommation pose un vrai problème intellectuel pour être attribué à une œuvre d'art. Euh, ce que vous consommez, s'il n'est pas détruit, est réduit par votre consommation. Il s'use. Un tableau ne s'use pas quand vous le partagez. Hein. Donc euh, une œuvre d'art ne s'use pas d'être utilisée, utilisée et réutilisée. Euh, ce qui est consommé s'use de votre consommation, se diminue de votre consommation, voire s'il s'agit effectivement d'alimentation, devient du caca. Euh... La question étant cependant, et j'y reviendrai plus tard brièvement, de savoir jusqu'où il faut aller de ce côté-ci de l'environnement du peintre pour comprendre comment le portrait de Kahnweiler a pris la forme qu'il a. Oui, c'est ça, quand il dit, consommer des tableaux comme le portrait de Kahnweiler, euh, le comme est problématique, bien entendu. Ça me fait penser à une phrase... Euh, euh, de sortie de Le Paltoquet de Michel Deville, où euh, je crois que c'est Bourringer qui est, essaie de séduire euh, comment, euh, Fanny Ardan. Euh, je ne me souviens pas du nom des personnages qu'ils incarnent, donc je vais prendre le nom des acteurs, il faut pas m'en vouloir. Et il lui dit Vous savez ce que j'aime chez les femmes comme vous Elle répond Non. Et il lui dit bah Les femmes comme vous, il n'y en a pas, il n'y a que vous. Alors forcément, c'est vous que j'aime. Voilà, là, c'est pareil. Euh, L'idée de faire des tableaux comme le portrait de Kahnweiler porte en soi euh, cette difficulté. Est-ce qu'il existe avant le portrait de Kahnweiler des tableaux comme le portrait de Kahnweiler Non. Une œuvre d'art ne s'use pas. Une suse ne s'œuvre d'art pas. Notons encore que le troc qui en soit est une relation simple et fluide se trouve pris dans chaque cas particulier dans le jeu d'institutions qui représente un marché beaucoup plus complexe. La forme de ces institutions a sa part, dans les directives que suit le peintre, dans la mesure où elle incarne toute une série de présupposés sur ce qu'est la peinture. Inutile d'y chercher la pure expression d'un élan esthétique qui naîtrait spontanément d'une culture. On connaît la force d'inertie des institutions. Elles ne font souvent que prolonger le souvenir d'autres époques. De manière générale, pour ma part, hein, quand on essaie de superposer euh, comme si c'était une évidence les notions euh, d'art et de culture, on a euh, tendance à, à supposer que, que cette superposition va de soi et euh, pas du tout. J'aurais plutôt tendance à dire que la culture vient toujours après, que euh, c'est sa principale faiblesse. C'est-à-dire que les questions culturelles sont toujours... D'une certaine façon, devant la question artistique, une question de gestion euh, du trop tard, de ce qui est arrivé malgré la construction culturelle, qui est jamais rien d'autre qu'une construction institutionnelle des devenirs, mais dans le régime des, euh, de leur constatation. Donc il y a tout ce que nous produisons et euh, qui s'organise dans un fantasme de lecture sociale, de lecture historique et qui s'appelle culture mais euh, qui n'est pas la même chose ce qui veut dire euh, également que euh, a priori de la culture les artistes devraient a priori oui, n'avoir euh, absolument rien à foutre ça ne les concerne pas voilà que les œuvres d'art finissent tôt ou tard pas tomber sur la coupe régulatrice de la compréhension du monde, de son organisation, de la patrimonialisation, en gros tout ce qui fait les comptes des activités humaines pour désigner euh, les opérations dites culture pour bricoler comme ça une espèce de panorama de société et d'histoire euh, prétendument intelligible et lisible. Bon, toutes ces choses ne concernent pas la création qui se fait a priori contra culturellement. C'est-à-dire les livres ne sont pas faits pour la, une société, ou comme reflet d'une société, ou comme euh, représentation d'une société, mais bien contre et malgré une société. Alors, euh, soit dit en passant, c'est bien euh, consumed euh, qui est utilisé en anglais. Donc, qui, par, euh, on est bien sur un mode de euh, le, 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 la traduction française. Euh, bah, D'accord. Euh, bon. peut-être que pour Baxendal, ça collait. Moi, je trouve pas ça ouf. Mais bon. Mmh. Donc on parle de la force d'inertie des institutions, quand on répondra donc un peu mon neveu. Parfois elles traduisent des procédures et des pratiques qui, si elles n'ont que peu à voir avec la peinture, sont en revanche courantes sur d'autres marchés qui concernent l'échange de produits et de biens tels que les vêtements, les antiquités, les métaux précieux, les conférences sur l'art, les vins, les opossums pour décorer les verres à dents et ainsi de suite. Je note juste un truc. Non, évidemment, vous doutez bien que les opossums c'est apocryphe. Et Je vous le dis parce que, comme vous avez confiance en moi, vous êtes capable de croire tout ce que je dis comme connerie. J'étais. <laughs> voilà. J'étais. J'avais. Au moment où tu l'as dit, j'ai rouvert le PDF pour voir qui est, qu est en train. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'opossum Mais qu'est-ce qu'il raconte ne qu sais pas Comment Pardon. Ah, d'accord. Je suis. Euh, je pense que Baxendal est un, dernier, un des derniers iconophages, selon la grande tradition qui consistait à gratouiller et à manger des icônes à la période byzantine. Ah, peut-être que c'est ça, suce. À l'époque de piro de la Francesca, certaines peintures, et non des moindres, faisaient l'objet d'un marché qui prenait la forme tranquille des transactions qu'on appelle la commande d'un produit. La forme de ces institutions représente, après tout, la quintessence intellectuelle d'une culture, au même titre que la législation et le langage. Alors, parlons-en un peu de cette commande, parce qu'on a quelques documents assez précieux. Et euh, c'est intéressant d'arrêter de la fantasmer, de voir quel pan de réalité est représenté par ces commandes, puisqu'on a la chance de posséder euh, le prix fait de ce tableau que je vous montre. Alors, le tableau que je vous montre, c'est. Euh, comment. L'extraordinaire couronnement de la Vierge qui se trouve au petit musée. Je crois que le musée s'appelle Musée Pierre de Luxembourg. Il fait partie des collections du prince, je crois. Euh, bon, j'en fous. Dites-vous juste que c'est le petit musée de villeneuve les Avignon. Donc, villeneuve les Avignon, c'est à côté d'Avignon. Euh, en guerre en carton, c'est un peintre génialissime du XVe siècle. Alors, peintre génialissime dont on possède pas grand-chose. On a ça. Ah, c'est une très très belle chose. Ce qui est le courant de la bière, c'est un. dans bière en carton Il y a des cartons Dans bière en carton Oui, Q-U-A-R-T-O-N. Tu voulais faire un calembour, peut-être, Gabriel J'ai un jeu, et, mais alors, je me suis. Ah, D'accord. <laughs> <laughs> C'était bien essayé, mais il aurait peut-être fallu l'amener autrement. Donc, c'est un très grand tableau. Alors, je ne sais plus quelle est son envergure, mais dans mon souvenir, il fait à peu près 2 mètres. Hein, on le regardera un peu plus dans le détail parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Hein. Euh, on ne sait pas énormément de choses d'Enguerrand. Il euh, y a des tableaux que vous connaissez peut-être. Ce que je peux vous dire, c'est que des tableaux, on n'en a pas beaucoup. On a cette merveille. On a cette autre délicieuse petite chose que vous pouvez voir pas loin de Villeneuve-les-Avignon, c'est à Avignon, au Petit Palais. C'est une vierge, vierge en trône, une espèce de sainte conversation, où elle est entourée à gauche visiblement de Saint Jacques le mineur et à droite d'un Saint-Évêque que je n'identifie pas. Euh, sur un fond, vous voyez de brocart, comme ils sont pratiqués pas mal dans la peinture de cette époque, dans ce coin-là, dans ce, coin ce qu'on a appelé la deuxième école euh, d'Avignon. Euh, euh, Celui-là est petit. Ah oui. Sur mètres Ok, donc j'étais pas loin avec mes deux mètres d'envergure. Oui. Euh, là, c'est un, un tableau de, beaucoup plus modeste. Donc, c'est le deuxième tableau qu'on connaisse dans Guérin sarton celui-là, vous le connaissez peut-être parce qu'il se trouve au Louvre. C'est la grande Pieta qui est sublime, qui est très grande également. Alors elle doit faire deux mètres cinquante de là, je pense. Euh, c'est un magnifique panneau sur fond d'or, hein, comme ils s'en pratiquaient encore un peu hein, au 15e siècle. Euh, donc là aussi, on va faire, si vous voulez, un petit tour dans le détail parce que ça mérite quand même. Si vous ne connaissez pas un en carton, euh, ça vaut le coup de voir ça de près. Euh, et est-ce que c'est tout est -ce que ah oui, bah, il me manque un. un... Petit tableau qui se trouve au musée Condé à Chantilly. Visiblement, je ne l'ai pas. S'il est là, voilà, c'est la Vierge de Miséricorde. Voilà. Ça, ça se trouve au... Alors, On a parlé du musée Condé euh, de Chantilly. Euh, et, ben, je crois au dernier live hein, à propos du portrait de Cimonetta Vespucci par euh, Piero di Cosimo. Et on a parlé peut-être du petit euh, de l'enfant et de la Vierge de Raphaël qui sont sublimes et des trois Grâces. Donc on a parlé déjà de ce musée génial. Euh, et ben il possède un des rares tableaux d'Anguier en carton. Et ben, dites ben d'où vient là? Que vous venez de voir toute l'œuvre connue de Hangar en carton. Voilà. Euh, il n'est pas le seul de son espèce à ce moment-là. Cette deuxième école d'Avignon est un peu connue, un peu documentée. On y associe euh, des noms. Euh, pareil, je suis pas sûr que vous connaissiez ça, mais là, ce petit tableau, pourquoi je vous l'ai choisi C'est parce qu'il est dans la même salle que euh, le comment à la fois le retable de Bouleblon qui est anonyme, mais que la Pietà d'enguerrand que vous venez de voir. Donc allez voir cette salle française. C'est un petit tableau que je vais vous grossir. On ira voir les autres après. De Barthélemy Deike. Euh, C'est un tableau absolument fascinant, minuscule, <laughs> d'une toute petite chose de, de quelques centimètres. Vous voyez, vous retrouvez la composition sur cette espèce d'étrange fond de, de brocart. Euh, et là. Vous avez le dernier zozo que je connaisse, moi, je ne connais pas bien euh, dans les détails, hein, cette école avignonnaise. Hein, euh, lui, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai, ai vu, il euh, bah, y en a à, au petit palais aussi à Avignon. Il y a celui-là que je connais bien parce qu'il est également dans cette salle du Louvre. Donc, je vous le répète, allez voir cette salle, allez voir les Français du 15e. Il y a de très belles choses. Il hein, y a le grand retable à Saint-Denis, euh, céphalophore, là, qui est absolument incroyable. Euh, bon, bref, on s'en fout. Allez dans cette salle et. Euh, Là, euh, l'autre zozo, c'est euh, comment euh, C'est Joss Lifferinx. Il a un nom à coucher dehors avec un billet de logement, mais bon, voilà, c'est ça, c'est Joss Lifferinx. Et donc, ce n'est pas des gens, enfin, ils sont de l'école dite d'Avignon, la deuxième école d'Avignon. Euh, ils viennent souvent d'assez loin. Hein. Euh, Joss Lifferinx, lui, il vient euh, probablement de Cambrai. Euh, le petit Barthélémy Day, comme son nom euh, l'indique, bah, n'est pas du coin et il est euh, Peut-être euh, De Liège, euh, et puis même notre ami, comment en guerre en carton, il vient de l'an, euh, c'est-à-dire il est picard, quoi. Alors à l'époque, la Picardie recouvre pas tout à fait hein, le l'actuel, enfin, c'est pas le, le département de la Picardie, c'est beaucoup plus grand là. Ce qu'on appelle la Picardie à l'époque, c'est ça, contient évidemment Beauvais-Land, Amiens. Euh, comme je, le département actuel, je ne crois pas que les Hauts-de-France existent pour moi, enfin, en tout cas, ils n'existent pas. Voilà, la Picardie existe encore. Euh, et à l'époque, ça implique une partie de. Enfin, il y a Arras, Douai, puis ça va jusqu'à l'actuelle Belgique, jusqu'à Tournai, en passant par l'île. Donc, c'est ça, la Picardie, un vaste territoire. Et donc, les peintres dont je vous parle sont des peintres qui viennent travailler en Avignon, mais qui sont en vérité euh, des peintres du Nord. Voilà. Euh, si ça vous intéresse, je vous ai trouvé un petit euh, truc, une petite, petite page qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est assez simple et pas trop mal foutu pour que vous y voyez plus clair si vous voulez en savoir un peu plus sur enguerrand Donc Voilà, c'est ceci. Euh... Hop, on va aller voir ça ensemble. Voilà, si, si jamais sa peinture euh, vous intéresse. Ah ben non, je suis con. C'est ça. Donc là, il y a un petit détail de la, la grande pieta alors qui se trouvait au départ à Villeneuve les Avignon. Elle a été conçue pour Villeneuve, bon, qui est désormais euh, au, en Franc, au, comment, au, au Louvre, dans la salle des Maîtres français. Hein. Donc là, on le voit bien. Voilà. Alors, bon ça ça n'a rien à voir, c'est Van der Weyden, mais bon, peu importe. Euh, ça c'est le grand couronnement de Villeneuve. Et la petite page, je vous raconte, ça ça n'a rien à voir, c'est un franc Angelico euh, qui se trouve d'ailleurs à San Marco. Ah non, c'est peut-être celui du Louvre par ailleurs. Oui, oui, il y en a un qui lui ressemble un peu à San Marco. Voilà, ça c'est Enguerrand. La Vierge, avec donc, comme je vous l'ai dit, c'est une sainte conversation avec deux saints et euh, au pied, vous voyez au pied, euh, vous voyez en prière euh, deux donateurs, comme c'est souvent l'usage, hein, euh, notamment dans la peinture du Nord. Euh, vous verrez ça bah, chez Hugo van der Goes par exemple, une magnifique euh, triptyque portinari qui se trouve à Florence euh, dans la salle des Botticelli. Bref, on s'en fout, euh, cette page dont je vous ai donné l'adresse décortique un petit peu hein, le, le peu qu'on sache de Enguerrand et elle vous racontera des petits trucs. Euh, voilà. Ça, va vous, ça peut vous intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous parler du prix fait de ça. Donc, on va la regarder ensemble. Donc, on va regarder ensemble ce, ce, grand, euh, ce grand tableau. On va déjà zoomer un peu dedans. Voilà. Donc, vous voyez comment c'est constitué. Vous avez des, des, sables, des assemblées euh, de comment vous avez des prophètes, vous avez euh, des, des figures importantes de l'histoire de l'Église, vous avez en bas euh, des rois, vous avez les, euh, les docteurs de l'Église. Euh, vous avez euh, également euh, ici euh, saint et sainte, euh, bref, euh, une assemblée su surplombée par une théorie angélique. Et au cœur, le couronnement de la Vierge, dans cette espèce d'hypersymétrie si caractéristique d'Enguerrand. Euh... On oh, t'a bien fait de zoomer, j'avais pas vu qu'il petit... y avait un petit Jésus en dessous du couronnement de la Vierge. Il est tout petit. Euh... Oui, ouais, tout en bas. Il y a un petit, ouais, ici, ouais, il y a une passion. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent en bas, on va pouvoir le regarder. Cette hypersymétrie qui est extrêmement intéressante, même théologiquement, puisqu'elle fait euh, la part belle dans les trois hypostases entre père et fils, une espèce d'absolue consubstantialité troublante, comme on la marque peu. Elle donne un statut euh, particulier au Saint-Esprit qui a l'air de sortir de leur bouche, euh, comme c'est l'usage hein, dans les trônes de gloire, par exemple, chez Masaccio. Ou et et c'est chez... une... C très belle manière de rendre compte de la, de la citation de Jésus « Qui m'a vu a vu le Père ». Ah bah oui, complètement. Qui va servir d'ailleurs de matrice hein, à la pensée de l'image chez Athanase, euh, chez les Pères, les pères de l'Église. Effectivement, « Qui a vu le père, a, a vu le Père », on pourrait dire que c'est l'invitation par ce mouvement même de devenir une religion de l'image, hein, clairement. Euh, Donc ça... Euh... Alors vous voyez aussi l'espèce de sanction de l'espace supérieur par les trois nimbes crucifères, donc porteurs de croix. Euh... Alors ça peut vous sembler bizarre, que je vous parle de nimbes et pas d'Auréole, mais c'est qu'en fait, l'auréole, c'est plutôt censé être le halo qui entoure l'intégralité du corps. On parle plutôt de nimbes si on parle de cette partie qui a juste au-dessus de la tête, et qui est là, est strictement identique. Donc il y a vraiment une volonté d'enguerrant d'insister sur cet aspect de la consubstantialité des hypostases, et à, au registre inférieur dans le monde... Disons, on a vraiment un plan là, de coupe très très fort hein, entre le, le monde spirituel et le monde temporel, et euh, au-dessous du monde temporel, vous avez euh, les enfers, lequel, qui est un fait un, encore plus écrasant. Et ce qui est assez génial, c'est que ça peut sembler disproportionné et mal foutu, mais en fait, ça donne un aperçu. Tout à fait nouveau un regard sur l'enfer qui est complètement différent de ce qu'on a eu l'habitude de montrer euh, jusque là on montrait toujours l'enfer comme des grands espaces de destruction euh, angoissant etc et, euh, et là en fait en guérant, on fait un espace complètement écrasé étouffé par la puissance spirituelle et, et on, on regarde l'enfer comme un endroit de suffocation quoi. je trouve ça je trouve que c'est une trouvaille géniale il y a évidemment euh, dans cette construction parce en général quand vous voyez des tableaux représentant un dialogue comme ça entre un plan spirituel et un plan temporel, mais il y a plutôt une tendance symétrique. En gros, il y avait souvent une théorie angélique, une Assomption dans un ciel qui est plus ou moins à part égale avec la partie terrestre dessous. Or et on comprend enfin, par carton la, comment on peut donner une disproportion de puissance, finalement, d'importance, de démesure hein, entre deux plans. Et ça rend à la fois le dérisoire de, de l'existence terrestre et euh, évidemment le, le caractère absolument étouffant. De euh, la partie inférieure. Alors là, on peut voir ici, en tout petit à gauche, que je pense être une messe de Saint Grégoire, puisque là, on voit le Christ qui apparaît sur un hôtel, euh, la ville, je ne sais pas laquelle c'est, mais je suppose que ça nous sera dit. C'est probablement à l'époque celle d'Avignon. Bah, sinon, bah, un grand classique, euh, libération des âmes, enfer, etc. Mais comme on a le préfet, on eh ben, on va pas voir, savoir ce qu'on lui demandait au petit père. Donc le préfet, Et en gros, c'est le bon de commande, si vous voulez. D'accord? Euh, que dit Glitch, moi aussi je peux sortir des, sortir des colombes du Saint-Esprit de ma bouche. Alors avec une IA, je ne doute pas que tu en sois capable. Alors, cette symétrie, je, pourquoi je vous ai montré d'autres tableaux d'Enguerrand C'est que vous voyez bien, à la fois dans la Vierge de Miséricorde, donc c'est cette Vierge qui se trouve au, au, comment, à, au petit palais, euh, non, au musée Condé, celle-là. C'est ça qu'on appelle une vierge de miséricorde. Hein. C'est une vierge qui étend son maforion, son voile, pour protéger une assemblée. Donc ça peut être la foule, mais là, moi bon, c'est plutôt l'église qui est protégée. Et vous voyez bien cette espèce de plan symétrique, là, avec euh, à gauche, bah, vous reconnaissez, j'imagine, euh, Jean le Baptiste. Hein. Voilà, avec Agnès Pascal sur le livre. Et là, vous reconnaissez sans doute l'autre Jean, le jeune Saint-Jean. Voilà. Donc là, composition extrêmement symétrique, et ici aussi, donc vous voyez, chez Carton, c'est fréquent. Quoi. On a, donc c'est quelque chose qui habite euh, clairement sa peinture. Et voilà ce qui lui est dit. Alors, je ne sais pas si je vous fais le préfet tout entier parce que c'est long, mais je pense que c'est intéressant de voir ça. Donc, le, ça commence évidemment par la commande elle-même, le 24 avril 1453, maître en guerre en carton du diocèse de l'an, peintre et habitant d'Avignon, a établi pacte et convention avec le seigneur Jean de Montagnac, ici présent pour peindre un retable dont la forme et tout ce qui le compose a été détaillé point par point sur papier, écrit en langue française, et dont. Son... <laughs> Carrément. Hein, et dont s'en suit le contenu. Alors, ce, ce préfet, quand je dis qu'on le possède, le voilà. Voilà une partie comme ça. Vous voyez même la gueule que ça a. Oh. Je vous bichonne. Hein. Oh, on est gratté. Vous êtes gratté. il <laughs> oh, y a même le petit tampon. Il y a même <laughs> le, le petit tampon d'une notaire qui est, de, est ça. probablement... Euh... Un petit peu plus récent. Oui. Alors, on retourne sur... Euh... Voilà, de... S'ensuit l'ordonnance du retable que mes sergents de Montagnac chaplain fait fermer. Donc voilà. On va voir maintenant la description. Alors on comprend que la, la commande est plus ou moins faite, enfin est faite par un ordre de Chartreux. Euh, Mettez-vous en tête qu'elle n'a pas vocation à, euh, à être visible publiquement. C'est important parce que ça veut dire que le degré de complexité, je pense, de la commande et de la pensée du truc est tout à fait démentiel. Euh, est lié au fait que ce soit voué à la dévotion privée des euh, de l'ordre lui-même. Donc c'est quelque chose qui va être vu par les moines et pas par euh, n'importe quel Pékin euh, dans une église. Voilà. Premièrement, il doit être la forme du paradis. En ce paradis doit être la Sainte Trinité et du Père au Fils. Ne doit avoir nulle différence. Et le saint hespéry en forme d'une colombe, et Notre-Dame, devant, selon qu'il semblera mieux au dit maître Enguerrand. Donc on lui dit, en gros, ce qu'on veut, et à chaque fois, vous verrez, il lui dit on vous fait confiance pour le reste. Pourtant, on lui donne beaucoup de détails. C'est intéressant de voir que c'est tout le temps formulé, et pour le reste, M. Enguerrand, on lui fait confiance. Parce qu'il y, y a aussi un vrai. Enfin, la place des artistes au XVe siècle, elle est importante et on leur accorde un certain crédit aussi dans la capacité à, à penser la matière théologique qui leur est fournie. « à laquelle Notre-Dame, la Sainte Trinité mettra la couronne sur la teste ?» Premièrement doit figurer le paradis. Dans ce paradis, on doit voir la Sainte Trinité sans aucune différence entre le Père et le Fils. C'est dit deux fois. Ah non, c'est parce que c'est con. On traduit. Il n'a pas besoin de traduire. Mais, ah d'accord. Dans, dans la version que j'ai. Ils ont euh, traduit du français... Euh, de... Bon, excusez-moi, je vais virer euh, toutes les conneries en français. On s'en on branle complètement, on comprend très bien ce que ça dit. Item, les vêtements doivent être riches. Celui de Notre-Dame doit être de drap de damas blanc, figuré selon la vie du 10 enguerrand en Guérant. Et alentour, la Feinte Trinité, doivent être chérubins et séraphins. Donc tout autour, on doit avoir des chérubins et séraphins. Donc que vous voyez là, euh, on peut aller regarder ici. Voilà. Ce sont les assemblées rouges, comme ça, que vous voyez. Ici, vous avez des archanges. Et il n'a fait que des chérubins, je ne vois pas de séraphins. Euh, et il n'a pas fait le manteau blanc comme il lui est demandé. Il a été très fourbe, il a fait un manteau blanc, mais dessous. Alors, vous avez le revers blanc qui ah, est là. Et il l'a couvert ensuite de couches de tissu lourde. En trichant d'une part... Euh, pour montrer un maforion plutôt bleu dont euh, le blanc n'apparaît qu'à un certain endroit, pour pouvoir poser un brocart riche, comme on l'aimait beaucoup dans, dans, dans ce coin de, de la, cette, ce moment et cet endroit de la peinture du XVe siècle. Et. Pour euh, s'épargner d'avoir donné une sensation de blanc, il y a participation, euh, qui est presque une participation substantielle, quoi. entre la couleur euh, somptueuse euh, du, des manteaux rouges de gloire euh, du Père et du Fils, et la Vierge qui a l'air d'être habillée par leur manteau. Voilà, ça c'est très malin. Donc, on Alors, peut dire quand, le, quand le préfet demande à ce que la toile soit de Damas, est-ce que c'est un type de toile ou est-ce que c'est aussi un motif particulier qu'ils qui ont en tête les, les Chartreux Eh bien, je ne sais pas. On peut regarder ça si tu veux, si complètement regarder. Qu'est-ce qu'on appelle toile de Damas Est-ce que c'est un motif Je ne sais pas. Le Damas est une étoffe de soie monochrome avec une armure satin. Donc, ce qu'ils veulent peut-être, c'est une brillance et des reflets spécifiques. Mmh. C'est peut-être ce qu'ils cherchent. Bon, de ce point de vue, on peut dire qu'ils l'ont eu. Mais on peut pas dire qu'il soit blanc. <rire> non. <rire> on peut dire que ce n'est pas vraiment blanc, blanc, blanc. Très joli, les roux doudous au bord des drapés. Des roux doudou. <laughs> des roux doudous au bord des drapés C'est un terme technique, je pense. Hein, oui, oui, oui. Ah, bah ben, si, je disais qu'il n'y avait pas Séraphin et, euh, et comment. Euh... Comment. Euh... Ah, chérubin, mais si, il y a les deux, on les voit là, avec leurs couleurs respectives en rouge et en noir, vous voyez ici, en haut et en bas. Je n'avais pas vu la partie inférieure parce que j'avais été trop vite en besogne. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ce travail bah, C'était brouillon, ben voilà. Voilà. <laughs> Alors, item, d'un côté de Notre-Dame doit être l'ange Gabriel avec un groupe d'anges, et de l'autre côté, Saint-Michel avec un même nombre d'anges selon la disposition qui lui semblera le mieux à mettre Enguerrand. Donc Enguerrand choisit de mettre l'archange à gauche, et quelque chose de quasi-symétrique à droite, effectivement. Ouais. Item de l'autre part, Saint Jean-Baptiste avec autres patriarches et prophètes, selon la vie du maître Enguerrand. Donc, on a vu le Baptiste hein, tout à l'heure apparaître. Alors, dans l'assemblée, où est-il ce couillon Il est là, voilà, on le voit ici. Dessous, vous avez des, des saints beaucoup plus contemporains. Ça, c'est pas le fait que Saint Jean-Baptiste. Il et prophète selon, euh, euh, selon la volonté d'enguerrand on, on lui laisse quand même énormément de marge sur qui est-ce qu'il va mettre à côté de la figure du baptiste ouais alors, ce qui est marrant, c'est que par cette décision, les Chartreux associent pleinement Baptiste à un prophète. Effectivement, oui, il y a une tradition euh, historico-théologique dans laquelle euh, il est bien cela. Il est le descendant d'Élie et euh, le fait même qu'il baptise, c'est là euh, comment la réactualisation d'un rythme euh, lustral qui avait disparu de, de la tradition juive et qu'il remet au goût du jour. Donc, euh, Et puis bon, il, il prêche euh, comment il prêche dans le désert euh, à, à des foules entières et effectivement il est considéré comme prophète euh, par une partie de l'Église. Euh, euh, il, il me semble que dans les évangiles il est, il est mentionné comme étant le, le nouvel Élie. Euh, C'est la... ça ouais, C'est la réactualisation d'Élie, ouais, effectivement. C'est quasiment une réincarnation hein, d'Élie. Oui, j'ai hésité à utiliser le terme non, mais... parce qu'il est bizarre. Euh... Oui, il est bizarre. <laughs> oui, pour parler de, de la Alors, culture hébreuse de cette époque, mais. Euh, bizarre il y a... ou pas, parce qu'il y, y a vraiment une métampsychose juive, c'est-à-dire qu'il y a une pensée hein, du retour sur terre euh, mm. euh, dans euh, certaines traditions juives. Donc, ce n'est pas forcément une, une hérésie totale. C'est bizarre, parce que ce n'est pas comme ça qu'on qu voit le judaïsme en général, oui, oui. mais c'est un, un aspect qui ne s'est pas perdu dans toute la tradition juive. Il y a encore un, quelques enseignements qui, euh, qui, qui euh, continuent à véhiculer ces conceptions métampsychosiques. Donc, c'est aussi étrange que ça paraisse. Alors, des ailes semblent se déployer sur toute la hauteur de son corps avec cette astuce de revers. Oui, oui, c'est complètement stupéfiant ce choix. Il est d'une polysémie à, à, assez ahurissante, à la fois visuelle, poétique, théologique. Ça, et puis, on l'a clairement, si vous voulez, s'il y a bien une chose qui a pu être reprochée par les protestants aux catholiques, c'est de faire une part beaucoup trop grande à la Vierge en la divinisant quasiment. On peut dire que le, le tableau d'Enguerrand euh, n'est pas protestant de ce point de vue. Allez. Clairement pas Bon, bah c'est normal, on est au 15e siècle. Hein. Le protestantisme, c'est 1520, 10-20, donc 20, je crois. Euh, Luther, je crois que c'est 1520. Et ben, bah, bon, au on n'en est pas encore là. Mais, euh, en tout cas, ce tableau ne fait pas mystère du culte marial du tout, quoi, de son goût. Pour... Alors... Items du cousteau droit doivent être Saint-Pierre et Saint-Paul avec certaines quantités d'autres apôtres. Donc côté droit, ce serait ici, il devrait y avoir Saint-Pierre et Saint-Paul que je ne vois pas. Donc je pense qu'une fois de plus, Enguerrand n'a fait qu'à sa tête de cochon, qu'il nous les a foutus à gauche. Voilà. Euh, S'il nous les a foutus, ce con. <laughs> bon, enfin. Mais qu'as-tu fait où sont Saint-Pierre et Saint-Paul en Enguerrand. en est-ce qu'il est qu a été est-ce qu'il a été farceur et il les, a, il, il les a cachés ailleurs dans le tableau je sais pas là il y a les apôtres ah oui c'est le vous pouvez passer Charlie euh, version <laughs> Alors, du côté droit doivent être un Saint-Pierre et Saint-Paul, comme avec un groupe d'apôts. Donc, je ne les ai pas vus, mais c'est peut-être parce que ma repos est une mauvaise qualité et que je n'y vois pas grand-chose. Item, coucher Saint-Pierre, doit être un pape martyr auquel l'ange tiendra la tière sur le test, donc la, la tière sur la tête. Ensemble, Saint-Etienne et Saint-Laurent. Donc les Saint Pourquoi Étienne et Laurent Parce que c'est des proto-martyrs. Hein. Je crois les aller voir ici, là, au deuxième registre, à partir de. Là. Attends, je vais vous les montrer. Euh, en habit de diacre cardinaux, avec d'autres saints martyrs à l'ordonnance du maître. Donc, là, les saints martyrs, ils sont là. Vous les vous voyez voilà là vous avez Saint Etienne a priori et euh, comment est Saint Laurent ça doit être ça alors euh, le truc c'est que c'est bien parce que j'ai une vague habitude des types d'habits sacerdotaux et de tonsurs qu'on fout à Étienne et Laurent que j'en déduis que c'est eux c'est-à-dire que euh, en guérant, euh, se garde bien d'être précis pour les attributs qu'on rend généralement très visibles des saints on va dire il y a une certaine liberté il compte beaucoup pourquoi il compte beaucoup à votre avis elle compte beaucoup parce que c'est destiné à la dévotion des Chartreux. Il n'y a pas besoin de leur raconter grand-chose pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. En fait, mmh. euh, je pense que s'il y a une telle retenue euh, dans euh, l'intelligibilité, euh, on pourrait dire aider, euh, assister de la configuration générale et euh, des, euh, des figures qui sont là, c'est probablement parce que les Chartreux bah, connaissent ça comme leur poche, quoi. Alors, je ne vois pas euh, à côté de Saint-Pierre de figurer un pape martyr avec un ange qui doit lui tenir la chair au-dessus de la tête. Hein. Alors, est-ce que ce serait là à droite On a vu qu'il y avait un deuxième ange, donc c'est peut-être là. Euh, je dirais bien mon cul. Je ne vois rien de tout ça. <laughs> J'ai l'impression que le préfet Enguerrand, c'est en euh, comme, comme il veut quand il veut. Hein. Euh, il en a, mais tellement rien à foutre de ce qu'on lui demande, c'est impressionnant. Bon. Écoutez, je ne sais pas. Bah, Qu'est-ce que je mets tu il doit être Donc c'est contre... il il est... un tableau qui est un tout petit peu protestant, parce que, bon, d'accord, il y a la Vierge, mais il n'y a pas le pape. <laughs> bah, ou alors, il y a plein de papes. Voilà. Il y a d'autres papes. Parce que là, tu vois, il y a une chair pontificale quand même ici, puisque est... Euh, il y a une triple couronne, donc il y a un pape. Alors, ça veut... Et derrière, il y a probablement euh, Saint-Jérôme, c'est si bien possible, en tout cas, à moins que ce soit. Celui-là, c'est compliqué. ah euh, Non, non, pas du tout. Euh, là aussi, il y a un autre pape, comme tu vois ici, puisqu'on a une triple couronne. Non, là, c'est plutôt les quatre docteurs de l'Église. Et c'est probablement parce que Grégoire a été pape, c'est un des quatre docteurs qui a été euh, pape, donc je pense qu'il s'agit plutôt de ça. En revanche, là, bah, on a un autre pape, donc euh, je suis désolé pour toi. Tu dois être donc, très. C'est donc vraiment un tableau catholique. Il y a deux papes. Partout. Il y a, il y a un des un papes nouveau. partout. Il y a un encombrement de pape. <laughs> C'est ça. Ah, exactement. Je suis désolé. En tout cas, il n'obéit pas beaucoup. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Alors, item, item du couste Saint-Jean-Baptiste seront les confesseurs. C'est à savoir Saint-Grégoire et la forme d'un pape. Donc, on l'a vu comme dessus, et deux saints cardinaux, un vieil, un jeune. Et Saint-Agricole et Saint-Hugues et Vesque. Euh, Saint-Hugues en habit du Chartreux. Donc, on les, on les a vus, les Chartreux, ici. Là. Hop, hop. Là, vous avez un franciscain à lavant plan un dominicain, un chartreux. Donc là, vous avez plusieurs ordres euh, ici. Alors, on reconnaît bien saint François, un petit détail. C'est que là, là, nous avons clairement les, euh, je dirais les, les attributs du petit père, puisqu'on a là hein, les stigmates. Vous voyez que son flanc est percé, ou, euh, le tissu est percé pour montrer son stigmate ici. Et ses mains sont étendues pour nous les montrer. Donc voilà, vous avez euh, ici euh, plusieurs ordres. Et Saint-Tuc en évêque et d'autres saints selon l'avis vie de Maître Enguerrand. Donc il n'est pas question de François, mais visiblement ils l'ont mis. Euh, item du cousté Saint-Pierre doit être Sainte-Catherine avec certaines autres vierges selon l'avis du dit Maître Enguerrand. Voilà, on va voir ça. Donc les femmes ont été placées ici, à droite du tableau. Voilà. Alors, je ne vois pas. Pas d'attribut qui m'aiderait beaucoup à, à savoir à qui on a affaire. On a des saintes probablement plus récentes, celles qui portent cette espèce de voile, qui pourraient être, je ne sais pas, Sainte-Claire. Euh par exemple, ou Sainte-Catherine de Sienne, mais je ne suis pas sûr que chez un peintre avignonnais' ça ait beaucoup de sens de cette hypothèse. Saint claire peut-être, je ne sais pas. Si y a Saint-François, ça pourrait être Saint claire, Saint -Claire en face, ça ne serait pas complètement débile. Voilà. Bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur ces saintes. Et euh, <laughs> j'ai toujours pas repéré Saint-Pierre, c'est quand même assez fort. Bon, Laurent, il est forcément quelque part, il n'a pas pu sauter Saint-Pierre et Saint-Paul quand même. Je ne crois pas ça. Non. Bon écoutez, euh, on va dire que c'est moi qui ai de la merde dans les yeux. Alors, et ainsi de suite, item de la part Saint Jean-Baptiste, la Madeleine et les Attends, deux. Est-ce que Saint-Pierre, ça ne pourrait pas être celui justement qui a la couronne de pape, puisque Saint-Pierre est censé être le premier des papes euh, C'est possible, mais ça correspond mal à la configuration. Si tu vas en bas à droite, on a visiblement les quatre docteurs de, de l'Église, donc ça l'exclut. Ah, oui. Effectivement, là où tu n'as pas tort, c'est on a ici une assemblée qui, puisqu'elle est proche des femmes, ce qui est censé être le cas, euh, il est pape isolé. Sauf que clairement, pour avoir vu euh, Pierre, euh, c'est un choix iconographique vraiment très singulier hein, pour Pierre, hein, crois-moi. Oui. Mais pourquoi pas Parce que c'est pas l'usage, même si ce n'est pas le seul cas hein, de, que je vois de Pierre plutôt en pape que dépositaire des, de, des clés. Euh, parce que j'ai déjà vu ça dans un... Je crois que c'est le maître à l'œillet de Baden, un grand retable qui se trouve au musée de Genève. Non mes, soucis, mes souvenirs mes souvenirs sont... bons. Le maître à l'œillet de Baden. De Baden, mais non, Baden, la ville de Baden. Enfin, <laughs> l'œillet de Baden. L'œillet de Baden. Bale... Qui... Que... J'essayais de me faire la représentation non, non, mentale non. du tableau que ça pouvait être. Et d'un autre côté, j'ai un vague souvenir d'un tableau d'un maître... Euh... Je crois que c'est un maître italien où le revers d'un tableau euh, d'un retable consacré à euh, Saint Pierre le présente en trône. Voilà. C'est les deux occurrences où j'ai vraiment des images assez vives comme ça de, de Pierre avec cette euh, la, la, la triple couronne pontificale. Mais en fait, c'est pas fréquent. Euh, on... Très clairement, Pierre est beaucoup plus représenté enceinte dans une tenue modeste, euh, qui réfère plutôt à sa position parmi les apôtres, avec des clés que dans ses attributs pontificaux. C'est plus rare. Voilà. Bon. Oui, je dis ça. Hein. Item doit avoir en paradis, dessus dit de tout état du monde, à l'ordonnance du dit maître Enguerrand. Donc là, il doit y avoir dans le paradis, donc qui est là, quoi, en gros, tous les, euh, tous les états euh, du monde. Euh, item dessus le dit paradis doit être le ciel auquel sera le soleil et la lune selon la vie euh, du 10 mètre en guerre donc là on doit voir euh, au moins des présences symboliques hein, du, du ciel euh, du pardon du soleil et de la lune que je ne vois pas Alors pourquoi je vous montre tout ça avec autant d'insistance pourquoi ça vous ça me semblait important c'est que la question des relations entre la commande et, euh, et l'image, vous voyez bien comme c'est lâche en fait. En dehors du fait que à, à chaque fois, euh, on voit nos, nos, nos commanditaires qui disent « Bon bah ça, ce sera fait euh, à la discrétion de Maître Enguerrand ça, ça sera fait selon le choix de, de en guérand euh, comme le voudra en Enguerrand Dire euh, « le, Dans le ciel, on va trouver une partie, comme c'est dit tout de suite après, auquel se doit montrer une partie de la cité de Rome. » Bon, euh, on est d'accord qu'une partie de la cité de Rome, ça ne dit rien ni de cette partie, ni de la vision qu'on peut avoir de Rome, ni de quel endroit de Rome, ni, ni le degré d'allégorie, ni les couleurs, ni les formes, ni l'assemblage, ni le point de vue. En fait, ça ne dit rien. Dans la mesure où il est, il, il, il est tout à fait possible que ni Enguerrand, ni aucun des Chartreux ne soit allé à Rome. Ah, C'est possible, j'en sais rien. <laughs> Alors, les artistes allaient souvent à Rome quand même. C'est ah un, oui, c est c est un bien, chemin qui faisait très régulièrement. Après, euh, les petits chartreux de, de Villeneuve-les-Avignons, je ne sais pas. Je ne suis, je suis pas sûr. Alors, il faut quand même comprendre qu'on voyageait beaucoup, beaucoup au Moyen-Âge, donc ça prenait oui, un temps oui. fou. Mais on voyageait quand même énormément. Ça, ça C'est assez surprenant de voir que par quelques moyens que ce soit, on ne loupait pas une occasion de faire des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est assez extraordinaire et difficile à imaginer depuis euh, notre 21e siècle. Oui, l'idée, euh, l'idée de euh, de la personne du Moyen Âge qui euh, passe toute sa vie dans son village euh, et qui ignore ce qui se passe à, à de colline près. <laughs> mais on est très très largement revenu dessus. Oui, oui, oui. c'est une des fausses, euh... Bon, écoute, euh, je ne vois pas de traces de beaucoup de choses qui sont promises par le, le préfet. Est-ce assez... qu'il n'a pas essayé de, dessiner les sept collines de, de peindre pardon, les sept collines de Rome avec ces espèces de montagnes C'est possible. Je me demande. Je... C'est possible que ce soit ça de, de Rome qu'il nous donne euh, le plus clairement. Euh, après, de là à pouvoir affirmer de mon, mon propre poste d'observation qu'il s'agit bien de Rome, euh, c'est compliqué, hein, vraiment tout ça évidemment ça a l'air largement fantasmé. alors qu'est-ce qui est -ce qu il dit item du côté sénestre donc à gauche hein, de la dite à une partie de la muraille de Rome donc là où nous sommes et de l'autre côté son maison et boutique de toutes manières de gens donc sans doute ça mmh, ouais c'est pas plus clair que ça mais voilà ce serait ça alors on a beaucoup de détails parce que devant l'église de saint pierre de rome on est censé voir une pomme de pain en cuivre. Et de là, on descend par de grands escaliers vers une grande place donnant sur le pont Saint- Ange. Quand même, la demande est extrêmement précise. Ce qui ne veut pas dire qu'on ait exactement ce qu'on a demandé. Donc voilà. Euh, donc là, je suis qu'au au tiers du, euh, comment, du préfet, mais je pense qu'on a bien vu. En tout cas, que non seulement le préfet euh, est impuissant à décrire une, une, à décrire une image, mais il est même impuissant, visiblement, à convaincre un peintre de la représenter comme on lui demande, puisque Enguerrand semble avoir pris quand même de très grandes libertés. Alors, je vous mettrai ce préfet, évidemment, dans le Discord, hein, pour que vous sachiez euh, euh, dans les détails ce qui a été demandé à mettre Enguerrand. J'espère que ça vous Bien a le, intéressé. Le, le préfet. Euh... Toujours sur, cette, euh, euh, sur le fait qu'il ne soit pas possible de superposer un, un discours et une, et une image, le, le préfet n'a aucune euh, notion d'équilibre, d'échelle. Euh, 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 alors, il mentionne bien des, des emplacements, mais quand, quand il mentionne le fait qu'il faille euh, une, une, une pomme de pain, euh, Devant, enfin de, de, devant devant l'Église enfin, mm -hmm. euh, comment euh, c'est quelque chose qui peut, qui peut, qui peut s'écrire quand on n'a pas quand on qui ne peut que s'écrire puisqu'il n'est il n'est pas possible d'exiger de, 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 ça d'un tableau dont, euh, dont, on demand, dont, dont, on a, dont on a déjà demandé dont on a déjà demandé d'autres choses euh, en termes de de, de de volume en termes de euh, ou bien alors il s'imaginait euh, une Rome beaucoup plus grande qu'elle ne pouvait l'être. Enfin, c'est. Oui. <laughs> Alors, la question que pose Glitch, c'est qui le bonhomme en noir à, ba... à gauche Je viens de regarder. C'est une bouillie de pixels, donc je ne peux pas distinguer avec clarté les animaux qui sont là. Euh, qui sont fonds à, à mon avis, cruciaux pour comprendre de, de quoi et de qui il s'agit. Et dans l'état des choses, celles qui se présentent, ça pourrait aussi bien être Saint-Antoine, parce que visiblement, ce sont des cochons, mais la vie ne correspond pas vraiment, euh, comme ça pourrait tout simplement être un bouvier, c'est-à-dire un, un gardien d'animaux quelconque. J'en sais rien. Il faudrait que j'ai une très bonne copie, et que je prenne du temps, et que je vois si ça rentre en cohérence avec à la fois le préfet et la configuration inventée par Enguerrand, parce qu'il ne s'agit pas simplement de penser imprudemment et de divaguer, ce qui est, oui, une nécessité hein, devant un tableau, mais après tout, quand on fait une... Enfin, quand on propose une hypothèse, il faut qu'elle ait une raison d'émerger. Voilà. C'est quand même... On ne peut pas balancer n'importe quoi au petit bonheur juste parce que ça ressemble à quelque chose qui nous fait plaisir. Ça, ça n'a aucun sens, évidemment. Donc on va laisser tomber les interprétations des, des parties basses du tableau, pour la bonne raison que ben, on y voit euh, que dalle, quoi. <laughs> je ne peux pas vraiment vous dire. Je n'ai pas trouvé de meilleure reproduction. Alors si quelqu'un peut trouver une reproduction extrêmement précise du couronnement de la Vierge d'Enguerrand et donner un lien, mais tu vois un truc vraiment balèze, balèze, quoi, euh, qui fasse, je ne sais pas, euh, 15 000 pixels ou 20 000 pixels de large qu'on essaie d'y voir un peu clair, parce que c'est un tableau quand même très chargé. Alors, donc, on a parlé un peu de ça, la commande. J'espère que bon, c'est plus clair pour vous, ce qui se passe entre une commande et un tableau. Il serait au contraire surprenant qu'il n'y ait pas d'assimilation. Mais tout ceci reste très général. Et je vais maintenant essayer de décrire rapidement les caractéristiques du marché que Picasso rencontra vers 1910 en étudiant la manière dont le cadre institutionnel de l'époque agissait. Sur le troc proprement dit. Salut à toi, maman. Euh, un bouvier, c'est pas un gardien d'animaux quelconques, mais un gardien de bovins. Bah, pour avoir déjà entendu l'expression euh, cher Abelais de Bouvier des troncs, je sais que ça peut être un gardien de merde, par exemple. Donc euh, je sais pas, Suze. Peut-être, mais on peut imaginer des extensions. Le marché de Picasso, indice les choix. Donc, à la Renaissance, un peintre comme Piero de la Francesca travaillait très souvent en fonction d'une commande. Donc, on a pu voir ça ici, la commande, ce que c'est. Il produisait des objets définis en des termes. La plupart du temps, ces termes sont consignés dans des contrats en due forme. Vous pouvez pas avoir de meilleurs exemple. En revanche, la plupart des peintres qui travaillaient à Paris vers 1906-1910 peignaient des tableaux à leur convenance et ne se souciaient qu'ensuite de les mettre sur le marché. Alors, ça, c'est un changement radical. Qui est opéré bah déjà par des raisons économiques. Euh, ça veut dire que, par exemple, si vous suivez la carrière d'un peintre qui répond à la commande, au XVe siècle, par exemple, ou au XVIe, prenons Enguerrand, il ne peut pas peindre à sa guise parce qu'en en fait, il n'a même pas un accès financier. Aux pigments pour faire sa peinture. Il ne peut pas les acheter lui-même. S'il y a des pigments comme de la, machi, la, la, la malachite, du lapis-lazulide, l'azuride, des pigments coûteux, et il y en a beaucoup qui sont coûteux, c'est le commanditaire lui-même qui va acheminer, acheter les pigments et les fournir pour son atelier. Donc peindre à sa guise, pendant longtemps, ça n'a pas de sens. quoi. On peut euh, dessiner à sa guise dans son coin, à tes souhaits, et encore. Faut-il pouvoir dessiner sur un support lui-même disponible à faible coût En fait, le coût de tout rendrait compliqué. Donc, évidemment, il y a d'autres arguments. On peut dire, oui, mais de toute façon, ce n'est pas l'usage. De l'usage, je pense qu'il faut jamais trop extrapoler. Si on voit, par exemple, les carnets de Villard de Holencourt, qui sont des carnets du XIIIe siècle, on voit... Une grande liberté d'autonome, finalement, de production d'images de Villard. Il y a des choses qui sont, en quelque sorte, nécessitées. On comprend, en regardant les carnets de Villard de Hennecourt, qu'il instruit son entourage de la façon de faire telle ou telle chose, d'aborder tel ou tel problème mécanique pour l'architecture. Et il fait des études. Une étude de libellule qui est somptueuse, une étude de lion. Enfin, il s'intéresse aux choses qu'il représente librement. On a des carnets de croquis très détaillés de la vie quotidienne de Bosch. Donc, euh, oui, les artistes, de leur côté, ne se sont pas juste vissés à la commande avec une seule façon de faire les choses. Ils vivent pleinement leur art d'observation comme les artistes d'aujourd'hui. Ce n'est pas un truc contemporain. Par contre, faire de la peinture à son gré, alors là, non. À partir du 19e, il y a un truc qui va changer et qui va bouleverser l'histoire de la peinture. C'est une production industrielle de pigments et la peinture en tube. Et ça change tout. La peinture en tube, c'est carrément. Mais, une chose qui va permettre aux peintres de réaliser mieux ce qu'ils avaient déjà commencé à faire, hein, à les peindre dans la nature. Une fois encore, l'ordre technique, C'est pas apparaît la peinture en, tu en tube, hop, c'est l'impressionnisme. Non, pas du tout. On Peint dans la nature au 19e siècle et voire euh, fin 18e, parce qu'on s'y intéresse beaucoup et c'est chiant comme la pluie, c'est très compliqué, c'est un bordel à mettre en place terrible. On peut pas juste avec sa petite mallette sous le bras, son petit chevalet, faire quelque chose euh, parce que bah, c'est pas possible techniquement. Donc, euh, tout le matériel est compliqué à trimballer, mais on le fait quand même quand on a envie de le faire. Il y a des artistes pour qui c'est important et euh, qui commencent à avoir une pensée naturaliste. Hein, euh, c'est nouveau, mais c'est un héritage intellectuel du 18e, évidemment. Donc, c'est lié, on va dire, à une réalité intellectuelle, poétique, philosophique du 18e. Donc, la peinture, bah, elle se construit comme ça. Par contre, quand les industriels, voyant la possibilité de répondre à la demande des artistes par de la peinture en tube, le font, alors là, ça explose. Et effectivement, la peinture impressionniste peut exploser dans un tel contexte industriel. Et les artistes vont de plus en plus, pouvoir travailler donc à moindre coût et avec des matériaux plus faciles à trimballer, à travailler pour eux-mêmes. Donc ça compte pas mal hein, aussi, se mettre au travail en faisant des expérimentations, sans être euh, bah sans connaître l'issue de leur tableau, sans savoir si tel ou tel tableau va arriver quelque part. Ça, c'est une, une expérience de vie que connaît très bien Turner, par exemple. Turner a énormément plus produit qu'il ne lui a été demandé quoi que ce soit. C'est important d'avoir ça en tête. Une peinture largement antérieure à la question impressionniste. Euh, voilà. C'était souvent l'occasion pour eux de se débarrasser des toiles qu'ils avaient dans leur atelier. Mais dans, même dans ces conditions, ils devaient encore trouver un moyen de faire connaître leurs marchandises. Pour toucher les acteurs potentiels, les acheteurs, pardon, ils disposaient de différents moyens. Trois d'entre eux avaient une importance toute particulière. Il y avait d'abord les expositions publiques collectives qui s'inspiraient encore du modèle du XVIIIe siècle. Chaque année, il y avait ainsi le salon officiel pourvu d'un jury ou d'un comité de sélection. Mais la peinture qu'on y voyait n'intéressait pas des peintres comme Picasso. Donc évidemment. Euh, à ce moment-là, enfin, l'histoire des salons, vous la connaissez un peu, il y a eu euh, une histoire très très fructueuse euh, des salons, euh, puisque de toute façon, on a, on a beaucoup de comment, de relations de ces salons. On a euh, des, des écrits euh, sur les salons du 18e qui sont assez nombreux, que vous connaissez sans doute. Hein. Il y a les, les écrits de Diderot. Que vous connaissez tous les salons de Diderot qui sont assez célèbres. C'est tous les salons de, de 1759 à 71. Et donc il y en avait un tous les deux ans, donc 59, 61, 63, etc. Il faisait ça tous les dix ans. Donc les, on connaît bien les salons du 18e, fin de, à partir des années 60, donc, euh, par Diderot. Mais on connaît les salons de Baudelaire aussi, donc plus tardifs, du siècle suivant. Baudelaire qui a. Si je me souviens bien, euh, écrit des salons sur trois ou quatre salons dans les années 40 du 19e siècle. On connaît les salons, les écritures sur les salons de Goncourt et pour moi, par-dessus tout, euh, les salons de Eichmann. Euh, L'écriture dans. soit il y a des textes rassemblés sous le titre L'Art moderne, euh, je ne sais pas s'ils recoupent complètement ceux qui font l'objet de la publication sous le nom Certain, que ce soit Certain ou L'Art moderne. En tout cas, les textes de Heschmann, euh, je crois vous l'avoir déjà dit, hein, sont les plus lumineux, les plus visionnaires, les plus incroyablement euh, à même de, de, de mettre le nez dans l'intelligence et la modernité, la profusion et l'invention de, de son siècle, quoi. Et avec une acuité, euh, une sagacité euh, rare. Voilà. Donc. Euh... C'est ça, l'histoire des salons. Sauf qu'au 19e, bah, ça c'est tiole. Et globalement, les salons, c'est un ramassis de croûte du pompier. Euh, au moment où on parle, là c'est le salon officiel. Euh, c'est plus grand-chose. quoi. Donc évidemment, Picasso n'a rien à y foutre. -à en, en, en dehors du fait qu'a priori, ils s'y sont refusés, ces artistes-là. Mais de toute façon, je ne vois pas comment ils se sentiraient bien à leur place. Quoi. À partir de là, s'étaient développés deux salons non-officiels. Au printemps avait lieu le salon des, in des, pardon, le salon des indépendants, et je crois qu'on a déjà parlé hein, la dernière fois du salon des indépendants, donc on ne va pas y revenir, qui, bien qu'excluant tout jury, conservait un puissant comité qui veillait à la qualité de l'accrochage. Oui, on a vu ça, puisqu'on a vu Signac, je vous ai montré ça la dernière C'est pas au salon des indépendants, par exemple, qu'a été euh, exposé L'Ophélie. De... Euh... Ah c'est pas... Ophé Ophélia. Ah, c'est possible. Si, si, c'est possible. Ouais. Ça aurait tout à fait du pré raphaélite là. Non, euh, le, euh... le... Ah, je veux, euh, Le peintre qui a fait l'origine du monde. Courbet. Alors, Courbet, c'est encore... On va parler de Courbet euh, après, parce qu'il a créé... Euh... Comment euh, il a créé son propre salon. Et tu, je ah, pense ouais. que tu, euh, tu, penses au salon refuser C'est pas la même chose. Ah que le oui, sal... oui le salon refuser c'est ça que j'avais en tête. C'est pas la même chose. C'est le salon refuser ouais. euh, C'est encore autre chose. Euh, ce dernier salon était tout récent. Attends, pardon, j'oublie. Ta euh, ta j'ai sauté du coup mon truc. Comité qui veillait à la qualité de l'accrochage. signac et les néo impressionnistes y prédominaient. Donc ça, on l'avait vu la dernière fois. À l'automne venait le... Alors qu'est-ce qui venait à l'automne? Ben, le salon d'automne, enfin, Gabriel Oh là là Ce dernier salon était tout récent, puisqu'il était à Paris en 1903. Alors, si vous ne connaissez pas le salon d'automne, euh, il a effectivement été créé en 1903 euh, par un certain Franz Jourdain. Alors, je vais vous montrer l'endroit où il se trouve, parce que peut-être vous ne savez pas. Donc on va regarder ça ensemble. C'est un endroit de Paris qui est... Qui est visité par les amateurs tard, mais moins connu par les gens qui vont occasionnellement à Paris. Donc, euh, on va regarder. Euh, alors, il est où Il est où Il est où Ah, bah écoutez, c'est le bordel dans mes images. Donc, je vais regarder ça euh, plutôt par le. Voilà. là voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est le palais de l'industrie. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est le petit palais à Paris. Donc, c'est un endroit où il y a une collection permanente qui est en elle-même passionnante. Ouais, ils ont une, une série sous vitrine de pièces du 15e siècle, des bois sculptés géniaux. Donc il faut voir ça. Et il y a. Je ne suis pas du tout un amateur d'art nouveau ou d'art déco, je trouve ça plutôt à chier, mais leur collection est très belle. J'avoue qu'elle me scotche. Donc elle, elle est au rez-de-chaussée. Ils ont une belle collection de peintures, une calcographie. Enfin, ça vaut quand même le coup d'aller au petit palais. Et les expositions euh, temporaires sont de très bonne qualité. Donc voilà. Euh, alors, il y a une vidéo sur YouTube, dit Dr. Wack, qui dit que le personnage en noir, associé à la figure divine un peu au-dessus, effectivement, on voyait une figure de Dieu, est une représentation de l'apparition du buisson ardent, donc Moïse, avec cet étrange chapeau, et euh, qui dirige avec un bâton une espèce de houlette. Moi, euh... ouais, c'est. Écoute, il faut voir. Je. J'irai voir. Merci en tout cas, Dr. Wack. Mets le lien. Euh, J'irai regarder ça. Tu as vu passer Félix Valotin, tu veux dire Valoton peut-être Oui oui il y a eu du Valoton, on en parlera de Valoton un peu, je vais décider de vous montrer des trucs. Et donc, euh, qu'est-ce que je disais C'est réalisé par un certain euh, comment, euh, Franz Jourdain. Alors Jourdain je ne sais pas si vous savez qui c'est, c'est un architecte, euh, c'est un critique d'art du milieu 19e, début 20e. Il a travaillé sur plein de bâtiments à Paris. Euh, donc c'est un, comment dire, euh, je crois qu'il est belge et euh, il s'est fait naturaliser français. Et c'était le président du syndicat de la, de la critique d'art. Euh, J'ai choisi de vous montrer une petite architecture de, de Jourdain, que vous sachiez un petit peu ce qu'il a foutu, ce couillon. Il a fait par exemple ça... Alors, hop, voilà. Voilà, c'est le Théâtre des Nouveautés à Paris. J'ai peut-être même une photo du Théâtre des Nouveautés. Voilà à quoi ressemblait le Théâtre des Nouveautés en 1827. Euh... Ah bon La photo est datée de 1827. La photo existait aussitôt. Ah ben merde alors. Je croyais que c'était plus tardif, moi. Vous voyez Comme quoi. Hein Merci, docteur Wack. Euh, C'est sur cuivre, euh, Quentin. C'est une façon de nommer les gravures pointes sèches, euh, burin, euh, sur cuivre, calcographie. Euh, donc voilà, il a fait ça, Jourdain, et le salon d'automne, il l'a monté avec des potes à lui. Donc voilà, une des expositions du salon d'automne. Bon, ça, a une affiche tardive, mais je n'ai pas trouvé autre chose. Euh, il a fait ça avec des potes à lui. Donc, certains sont architectes. Hein. Euh, je pense que vous connaissez tous ça. Vous avez... Voilà, ça vous dit quelque chose, ça Évidemment, même si vous n'êtes pas parisien, vous avez été à Paris, vous avez sans doute vu ça. Et ça. Voilà. Donc, ça, ce sont les bouches de métro de euh, Guimard. Donc, euh, Jourdain a lancé donc, ce salon d'automne avec euh, Guimard et une dizaine de zozos, des, des copains à lui. Donc, architecte, mais pas que. Il y a aussi des peintres. Et effectivement, tu as vu Valoton, tu as l'œil euh, sur et Vuillard. Donc, ça, c'est Vuillard. J'adore Vuillard, il y en a beaucoup à Orsay. Donc c'est une peinture qui n'hésite pas à être très jetée, hein, très cacouillarde. Regardez-moi ça. Là c'est une peinture sur carton, il est pratiquement accru. Alors 26 les premières photos, d'accord. Bah, écoute, euh, merci d'animer, c'est gentil. Il ressemble au théâtre du Boulevard de Bonne Nouvelle. Bah, écoute, je ne connais pas assez bien Paris pour rentrer dans les détails et euh, m'y perdre texte, mais euh, ça peut être une des nombreuses réalisations de Jourdain. Hein, il a fait beaucoup de choses dans le cœur de Paris. Donc là, on est dans un très joli euh, Juillard. Voilà, un autre Juillard qui est dément. On dirait pratiquement une, une image de film de fantôme tellement la figure de gauche a l'air de, de se fondre avec la tapisserie. Je ne sais pas si tu connais, Gabriel, ce, ce film coréen où, où tu as une tapisserie à motifs fortement hantée, une histoire de, de jumelles et de ces, ces motifs dans la tapisserie se dégagent des formes angoissantes. Non, moi, ça m'évoque... Euh, le Père Noël est une ordure, la ah. scène où euh, le, jeu, le, le, le protagoniste met le gilet, le gilet immonde que lui a tricoté sa... Sa collègue, et où il est allongé sur le sofa, et il se confond avec le sofa. <laughs> oh, une serpillière. Non, c'est un gilet. Ah oui, il y a des trous plus grands pour les bras. Mon Dieu, comment je peux me souvenir des répliques d'un film que j'ai vu quand j'avais 15 ans. Quoi. Voilà, donc ça, c'est euh, Vuillard. Et je vous ai trouvé du Valoton aussi. Il est où, Valoton euh, ça c'est Flamin, qu'on s'en bat les steaks. Alors, parce que c'est pas le propos et c'est pas maintenant. Bah, il est où Valoton Ah, voilà. Ça c'est très beau. J'en ai pas beaucoup et c'est dommage, hein, parce que c'est un peintre... Bah, un peu négligé et assez fascinant. Donc vous voyez, mon Vuillard, il a une espèce de pâte déchiquetée, explosive, euh, atomisée, qui est vraiment très surprenante. Et valoton au contraire, c'est une peinture très lisse, presque angoissante dans le caractère sépulcral des formes naturelles qu'il qu qu met en, en, en place. Euh, il est plus proche hein, dans son approche de la peinture, de la peinture symboliste des Dabis. On voit bien le, cette espèce de, de, de luminosité spirituelle qui frappe la peinture, qui est vraiment très étonnante. Mais il a aussi ça, <laughs> c'est-à-dire qu'on a cette peinture complètement dingue, hein, qui est vraiment très très belle. Regardez ça, ça c'est mare hein, avec une pénétrante masse picturale dévorée par l'ombre. J'adore ça. Le, 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 le... Vraiment dévoré parce que c est, c est, cette avancée du lac. Ouais. Elle a... ouais, ouais. Il y a une quasi matérialité de la surface liquide qui, au lieu de cre creuser l'espace, a l'air de ramper sur lui. C'est génial. Ouais. Et à côté de ça, vous avez ça les nombreuses gravures sur bois, assez géniales de Valoton. Euh, donc, il a lui serait plein de bouquins, mais il avait aussi ce travail politique. Donc ça, c'est la charge. Eh ouais, on n'en sort pas. Bienvenue. Ça n'a pas bougé. Voilà. Les gilets jaunes de, 1900. Enfin de 1893, voilà. 1893, on démolit des gueules. Bah tiens. Comme c'est étonnant. Du cassage de gueules par des flics. R connu. Oui. Ah, ils y vont au sabre. Hein. C'est. Euh... Alors, Glitch, c'est parce qu'il passe 15 fois par an à la télé que tes congénères ont dû te gratifier de la répétition des répliques à chaque fois. Je sais pas, Glitch, mais en tout cas, c'est resté ferme. EMDT l'a réactualisé. Réactualisé quoi Le film Le Père Noël est une ordure en hypertexte, tu veux dire Je ne sais pas. C'est quoi EMDT Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est probablement l'acronyme d'une émission. Alors donc, ce salon d'automne. Donc créé, vous l'avez compris, par un architecte belge naturalisé français, Jourdain, donc un architecte qui est euh, né au milieu du 19e et mort dans les années 30 du 20e. Euh, le salon s'appelle le salon de l'automne, parce qu'il se déroule en automne, et il se déroule en automne pour ne pas tuiler avec les autres grands salons de Paris. Voilà. Comme il euh, y a le salon de la Société le Nationale. Bah, ils sont au printemps d'ailleurs je crois hein, le je crois que le salon de la euh, la SN SNBA la Société nationale des beaux arts euh, qui se trouve au Champ de Mars euh, dans un ancien pavillon de l'Expo universelle donc je crois que c'est au printemps il y a le salon des artistes français <laughs> j'adore le salon des artistes français ils, ils, ils rivalisent d'inventivité pour les noms de leurs salons. Ah, le Salon des Artistes Français, c'est celui qui a succédé à, au Salon de l'Académie des Beaux-Arts au Palais des Champs-Elysées. Je crois qu'il était plus ou moins en, base, en bisbille avec la Société Nationale des Beaux-Arts, ce qui leur a fait changer de nom. Enfin bref, je crois que c'est pour ça. Mais c'est deux salons très importants à cette époque. Donc, euh, il faut trouver un moyen de se placer. Le salon d'automne, c'est un moyen de se placer. Et ça tombe plutôt bien. Je vous ai parlé du fait qu'on allait peindre avec des petits tubes dans la nature. Eh bien, justement, on pouvait aller vendre au salon d'automne toutes les croûtes qu'on avait peintes pendant l'été qui avaient eu le temps de sécher. Et au salon d'automne, il n'y a pas que de la peinture. Il y a aussi euh, il y a des gravures, il y a de la sculpture, il y a des objets, il y a même de la photo. Ah, peut-être pas dès le début mais il y, y aura de la photo quoi. et c'est euh, l'expo enfin, le salon est, est euh, organisé par euh, association groupe de groupes d'artistes de types, d'écoles euh, des espaces d'unité représentative en fait, des tendances du moment et il existe toujours bah, comme je crois tous ces salons, hein. à ma connaissance ils existent encore tous donc voilà pour euh, l'espace de ce, de ce moment là euh, par ailleurs toi tu as évoqué ouais euh, comment euh... le salon euh... d'air fusé Ouais, c'est ça le salon mmh. d'air fusé. Le salon d'air fusé c'est euh... C'est plus ancien, c'est à la fin des années 40, au 19e siècle, hein, le salon de refusé. Et c'est. Euh, L'histoire, si tu la veux. Hein, le, le, ah oui, avec plaisir. Euh, à l'époque, le jury du salon officiel euh, parisien refusait à tour de bras les, les artistes un peu zarbis, et notamment les œuvres des modernes, évidemment, comme celle de Courbet. Donc euh, Courbet, qui était, euh, tout en doute bien, hyper apprécié de ses amis critiques et intellectuels, euh, mmh. comme Baudelaire, ils sont fous de rage. Euh, D'ailleurs, j'ai une idée. Euh, je vous J'avais pensé qu'on en parlerait peut-être du salon des refusés. Ah, j'ai un autre valenton que je ne vais pas montrer. Voilà, ça, c'est du valoton. <laughs> Ce type est dément. Dites-vous bien quand même qu'on est au 19e siècle. Enfin, euh, c'est n'est pas rien. Hein. Ce pas un truc qui a été chié l'année dernière. par un. Non, c'est un truc vraiment très singulier, la peinture de valoton. Euh, oui, à propos de, donc, de Courbet et du, euh, du salon des refusés, euh, allons-y. Quand tu veux. Voilà. Donc, Courbelle, le salon des refusés. Je dois avoir une, une image de son bordel. Euh, ouais, j'ai ça. Le salon des refusés. par contre, je n'ai pas une image de ce que lui a créé. Parce que c'est drôle. Alors, donc, ça, c'est le salon de l'industrie. C'est là où ça va se dérouler. Euh, donc, les potes de Courbet euh, gueulent avec lui. Ils sont fous de rage. Euh, tous ses amis et soutiens. Alors, les amis et soutiens de Courbet, il y en a quand même beaucoup. Euh, si vous voulez savoir qui sont les amis et soutiens de Courbet, on les voit tous plus ou moins là-dedans. Je pense que vous connaissez hein, tous et toutes ce tableau. Voilà. C'est l'atelier de Courbet. Et en fait, l'atelier de Courbet. C'est une espèce de grande composition allégorique, où vous voyez la populace à gauche, euh, la vie de l'atelier, éloge, euh, éloge, un éloge pardon, euh, du naturalisme. Enfin, chaque, chaque personnage a une espèce de, de, de fonction, si vous voulez, euh, euh, particulière. Ici, vous voyez euh, Baudelaire, on reconnaît sa petite boubouille, sa petite boule d'ange, à qui on donnerait le, le bon Dieu sans confession. C'est Charlot, Charlot Bobo. Et euh, pff, Laurent, arrête. Ça, ça va de moins en moins bien. Euh, à l'arrière-plan avec les petites lunettes, c'est qui C'est Proudhon. Il y a plein de gens donc, que vous pouvez reconnaître. Il y a Baudelaire qui vit sur sa table. Il y a le couple Sabatier. C'est euh, des collectionneurs et des militants fouriéristes de l'époque. Euh, donc Proudhon, je vous les montre à l'arrière. Il y a Fleury, euh, qui est allé au front pour défendre Courbet avec euh, Baudelaire, qui est un écrivain euh, des amis euh, de, euh, de Courbet. Il y a un compositeur qui est proche de lui. Euh, comme en Promayet, il y a des mécènes, et puis il y a des figures allégoriques là comme ça, c'est une espèce de petit couple qui est une espèce d'incarnation de, 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 de comment de l'amour libre, donc une espèce de baiser qui est donné comme ça. Bref, euh, qui sont l'amour sans entrave quoi, si vous voulez. Et euh, donc tous ces gens, ils sont derrière Courbet. Et donc, euh, il ne enfin, supporte pas l'idée qu'un mec pareil puisse être euh, éjecté. Et Courbet, euh, il, il avait déjà créé un espace à part euh, pendant le, le salon. Il avait monté un truc en bois à la con euh, qui a été construit par lui à partir du salon avec ses propres matériaux en marge. J'ai trouvé une page où on voit ça. on voit ça, euh, Pardon, il, il a appelé ça le. Comment le, le, euh, Je vous montre ça. C'est trop drôle. Il a appelé ça le pavillon du réalisme. Je pleu... Ah non, c'est vrai. Hein. Allez Attendez. Je vous montre le pavillon du réalisme de Courbet. Bon, qu'est-ce que ça me fait chier Pourquoi ça ne marche pas Oh, ça me casse les couilles. Est-ce que je veux... Oui, je veux ouvrir hein, ça. Voilà, voilà Nom de Dieu voilà, le pavillon du réalisme. Donc, il y a le salon et Courbet fabrique ça. L'exposition voilà, Courbet. Courbet ne s'était vu accepter que onze œuvres. Aussi construit-il à côté du palais un pavillon de bois qualifié de pavillon du réalisme pour y exposer notamment l'atelier du peintre, le truc que vous venez de voir. Hein, c'est pour ça que je vous l'ai choisi, avec une quarantaine d'autres tableaux. Donc, le réalisme, c'est Courbet. Je vous mets le, le, la page là. Voilà. Ici. Ça, vous pourrez aller voir ça. Je pense que c'est très intéressant. On parle du scandale du salon. On parle aussi du soutien de Courbet par, par ses amis. Et euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que les, les refus au salon officiel vont se multiplier. En fait. L'année la, où, où c'est ouvert le salon des refusés, les deux tiers de trucs reçus par le salon officiel avaient été refusés. Je ne sais pas si tu imagines, ils, ils recevaient quelque chose comme 5000 pièces. Quoi, donc ça en fait oui. euh, 3000. 3 non, on n'en veut pas. Oui. On n'en veut pas. Donc au début, ça avait juste des trucs faits chez des gens, il y aura un premier salon privé qui va d'artistes qui avaient été refusés, qui va à la fin des années 50, donc 19e, 1850, qui va dérouler chez des peintres dans les espaces privés et puis au bout d'un moment, les artistes vont euh, écrire à l'empereur, à Napoléon III. Ah oui, ils vont lui écrire un courrier à propos c de ah, là, ça. Oui, c'est cette époque-là, oui. <laughs> non mais c'est important de pouvoir superposer l'histoire politique à, à tout ça et savoir à qui. Ah, oui, ben bah, quand même. Donc, je vous mets l'adresse oui. du truc parce que ça va vous en parler ça. Et c'est pas inintéressant. Donc voilà. Donc, euh, la création du salon des fusé euh, qui va se donner au palais de l'industrie, bah, elle est décrite par le menu ici. Et euh, le, le salon des fusé va exister bah, parce que Napoléon III, quand des les entend chouiner, euh, va accepter qu'ils envahissent. Donc ça, le palais de l'industrie, je pas trop ah, le... Voilà, voilà, le et voilà le tableau auquel je pensais. Donc, c'était pas Ophélia, c'était Olympia et c'était pas Courbet, c'était Manet. Ah oui, mais comment veux-tu que je te je étais, suive Je m'étais hein. ah complètement pris les pieds dans, dans, dans le tapis, toi. Là. Ah, ah mais ouais. ah vraiment, dans mon, dans mon petit tapis euh, cérébral, j'ai. D'accord, d'accord, d'accord. Donc euh, oui, parce que moi, l'Ophélia que je connais, c'est quoi C'est Burn bah, Jones, je celle... crois. Oui, euh, c'est un oui, qui, qui est un tableau pré-Raphaélite, ah, oui, oui. un des un des connus. D'accord, d'accord, d'accord. Donc bon, euh, voilà. Donc ça, ce que vous voyez, c'est le palais de l'industrie, et c'est là que sera ouvert euh, le fameux salon d'air fusé en 63 et qui va ouvrir euh, un peu avant le, le salon officiel, quoi. Bon, alors évidemment, à l'époque, là, 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 oui, il y a l'Olympia de Manet notamment, ça avait être un zbeul. De toute façon, il y aura plusieurs sbeul Manet. À chaque fois que Manet montre un truc, ça fout un scandale euh, pas possible. Mais d'une manière générale, euh, vous imaginez qu'un tel regroupement d'artistes qui représente l'avant-garde de cette époque, donc des années 50 de 19e, Manet en tête, ça va être accueilli par euh, bah, exaspération, rejet, rire, beaucoup évidemment. Donc. Euh, la coutume jamais interrompue du dégoût de l'art moderne qui va plus ou moins prendre ici son envol avec les arrière-grands-parents de Franck Lepage. Voilà. C'est oui, le, le, un peu le ça. Euh, voilà. C'est pas le déjeuner sur l'herbe, Quentin, il y a eu le déjeuner, il y a eu l'Olympia, tout... les scandales Manet en fait, je crois que le balcon a été... Enfin voilà, c'est... Salut à toi, G Day Guild Entertainment TV. Euh... Chaque toile de Manet a été l'occasion au salon d'y refuser, donc un petit peu d'exaspération de la part d'un public de... J'en foutre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc voilà, là je crois qu'on a fait un peu le tour des salons. On a vu le salon d'automne, le salon des indépendants, on l'avait vu la dernière fois, le salon des refusés. Donc je pense qu'on voit un peu à quoi, enfin à ce qui se passe à, à ce moment-là. Euh, ce dernier salon était tout récent, il était apparu en 1903. Matisse et les Fauves, il y avait une certaine influence, mais le jury en place refusa une partie des toiles que Braque avait présentées en 1908. Là, ils sont pas intéressés par les prémices de l'arcubiste du fait malgré leur refus du goût officiel et leur volonté de s'ouvrir à la nouvelle peinture du moment que ces expositions dissidentes reproduisaient largement les structures des salons officiels notamment dans leur caractère institutionnel. Donc vous voyez que même dans les marges, il y a des marges des marges. Il y a des euh... Il y a possibilité, c'est une bonne, bonne raison, on en a parlé longuement avec elle quand on a parlé de Marcel Duchamp, mais Marcel Duchamp s'est en fait refusé par ses propres, euh, son propre entourage intellectuel et artistique, euh, comment euh, sa toile du nu euh, descend dans l'escalier. Eh bien, ça a complètement changé sa carrière, son rapport euh, au monde artistique de son époque, et euh, bah, la suite, vous la connaissez. Et si vous la connaissez pas, regardez le live consacré à Duchamp euh, sur la chaîne. Donc, ça veut dire que même... Euh, dans cette soustraction du monde qui semble être capable de se redonner des nouvelles forces pour exister contre les forces institutionnelles en présente, eh bien, il n'y a pas de garantie pour autant d'une espèce de collégialité euh, générale. On retrouve en fait des, des mouvements euh, intérieurs de, de résistance à la nouveauté, c'est-à-dire que tout créateur, toute créatrice est une menace pour lui-même d'institution. Et euh, tôt ou tard peut voir euh, se solidifier ses certitudes et ses angles de vue malgré sa prétendue ouverture d'esprit euh, euh, au départ. Voilà. C'est bon euh, de garder ça en tête que euh, les salons indépendants ont refusé eux aussi certains artistes comme euh, Picasso euh, ou Brac ou euh, Duchamp. On témoigne par exemple l'insistance avec laquelle les organisateurs soulignent euh, l'origine lointaine de leur action. Le critique Roger Marx expose clairement leurs objectifs dans son introduction au catalogue du Salon d'automne de l'année 1906 qui allait s'avérer particulièrement productive. Donc on va lire le petit texte de Roger Marthe. Roger Marc, je vous en ai parlé la dernière fois, donc je vous remets, je vous resitue rapidement. C'est un chroniqueur, c'est un critique d'art. Il est présent à cette époque dans toutes les revues qui sont importantes, comme il y a la Gazette des Beaux-Arts, The Studio, enfin il y en a plein d'autres. Il va lui-même en fonder une, je vous avais parlé de ça, euh, qui va être importante, la revue L'Image. Donc il est connu, entre autres, euh, défense de la modernité, euh, pour sa défense des arts appliqués, donc ça on fait une sorte de William Morris à la française. William Morris, on en a aussi beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Donc c'est un homme de la même période à peu près. Quoi. Euh, je crois que c'est plus tardif que Morris. Hein. Lui il est naît dans les années 60 du 19e et il meurt au début du 20e siècle. C'était un collectionneur. C'était le rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts à partir d'un certain moment. Et euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire de Roger Marx. Voilà ce qu'il écrit. La cour de Louis XIV s'accommodait de voir assemblées, chaque deux ans, les tableaux et pièces de sculpture des membres de l'Académie. Les étroites limites de la curiosité et de la production n'exigeaient point d'avantage. Dès les successeurs du grand roi s'ouvre l'ère des expositions dissidentes. Exposition de l'Académie de Saint-Luc, exposition du Colisée, sans compter les passionnantes expositions de la jeunesse. Oh, il y a une longue histoire de, de la dissidence artistique dès l'instant où, bah, où se crée de l'institution, se crée aussi de la contre-institution qui n'est souvent qu'une construction institutionnelle parallèle. Le XIXe siècle est jalonné jusqu'à son terme par des manifestations individuelles ou collectives affectant parfois un caractère nettement protestataire, telle celle qui se produisit en 1863, le Salon des Refusés, bah, on vient d'en parler en détail. Sous le couvert de l'État, plus tard en 1890, s'instituera en face du salon Biséculaire le Salon de la Société nationale ou Salon des Indépendants. On en a parlé la dernière fois. Et voici que depuis 1903, les doubles assises de mai trouvent dans le Salon d'automne une suite inattendue, bientôt jugée logique et normale. Ces libres allures leur approchent du Salon des Indépendants ou encore des expositions impressionnistes de glorieuses mémoire. mais le programme paraît plus vaste. Et les éléments constitutifs sont plus variés à raison de l'ambition évidente de faire la somme des initiatives, d'où qu'elles viennent, en quelque sens qu'elles soient dirigées. On peut y suivre l'essor des derniers venus, dont le labeur n'apparaît en cours de l'an que disséminé, morcelé, fragmenté, donc peut-être pas tous les nouveaux venus. Hein. On y goûte le talent inédit dans la verdeur parfois un peu acre de ses prémices. On s'y édifie au long... Sur ce que Duranty appelait naguère les tendances de la nouvelle peinture. Donc, comme le dit Roger Marx, ces contre-manifestations contre étaient une véritable institution. Elles avaient une histoire respectable et se sentaient investies d'une mission nationale. Je vous rappelle quand même que le Salon des Refusés a obtenu le palais de l'industrie de l'empereur, donc Napoléon III comme les salons officiels, elles avaient conscience d'offrir à la nation le spectacle de la production artistique de l'année, même si elles défendaient cette fois-ci la nouvelle peinture. Et ça, c'est une chose qu'on a peut-être du mal à se mettre en tête, c'est qu'il fait souvent aucun doute à part pour dada, bien entendu. <laughs> évidemment que pour ces jeunes artistes, que euh, s'ils sont au service d'une vision neuve de l'art, ça n'en est pas moins la vision euh, avec son caractère national, c'est-à-dire comme incarnation d'un souffle. Ce n'est pas pour rien, si vous voulez, que les futuristes sont devenus fascistes. C'est parce qu'ils avaient réellement un sentiment national d'être en train d'inventer un courant puissant qui était pour eux une représentation une représentation collective euh, sous la forme d'un mouvement particulier, mais qui euh, euh, détenait les, les, les fondamentaux d'une certaine idée de la nation, du, du monde, de l'histoire, etc. Ça peut paraître très bizarre, mais ça va à contrario finalement des façons dont on se représenterait aujourd'hui la singularité artistique. On a du mal à l'imaginer comme une vision nationale. Enfin, c'est assez compliqué quand même. Mais bon, on ne peut pas ôter ça. Il y a des exceptions notables comme Dada. Bon, évidemment, après guerre, tout ça euh, partir un petit peu en couille. Euh, enfin, là, ça ne fera plus partie des rêves artistiques, même si ça pourra toujours faire partie de la volonté nationale de rêver pour les arts une destination de ceux-ci afin de glorification de l'État. Euh, on en est toujours là. Enfin, les, les nations se disputent sur le territoire, sur le marché de l'art, euh, euh, tous les caractères de l'excellence en vantant les mérites de tel ou tel truc euh, pour bien montrer que ce sont des nations dynamiques à la pointe de la création. Euh, patati, patata et tout chi si coïncide. <laughs> Patin, couffin, directement. C'était donc bien des institutions qui incarnaient une très vieille forme de conscience artistique ancrée dans une culture collective. Il y avait aussi, même si leur présence ne constitue pas un fait nouveau, les marchands de tableaux. Donc là, on en a pas mal parlé. On a parlé du Ramp Ruel, de Vollard, de Kahnweiler. Il existait entre eux des différences aussi nettes qu'entre les salons, donc entre les différents acteurs de cette scène. Un petit nombre de marchands proposaient certains aspects de la peinture nouvelle à une clientèle qui se voulait résolument progressiste. Parmi elles, un certain nombre d'étrangers qui habitaient ou séjournaient simplement en France, comme le Russe, Serge Stoukine, on en a parlé la dernière fois, Sergei Stoukine, je ne sais pas comment le prononcer parce que C-H-T-C-H-O-U-K-I-N-E, c'est compliqué pour moi, je dis Stoukine. Oui, on va, on, va, on va se mettre d'accord sur cette prononciation probablement inexacte. Et... Bon, voilà. Peut-être même insultante. Peut-être insultante. Shtoukine, c'est possible que ça va dire un très gros mot en russe et je, <laughs> je, je m'excuse auprès de la famille de M. Shtoukine et de tous ses descendants. Il est né dans les années 50 hein, à, à Moscou. On en a parlé rapidement la dernière fois parce que. Pour une bonne raison, c'est que je ne sais pas grand-chose de lui. Voilà, c'est une, une grosse fortune, une grande fortune moscovite. Euh, C'était une figure centrale de la grande société de Moscou et qui est devenu tardivement dans sa vie un collectionneur d'art, mais en, comme collectionneur euh, qui se déclare sur le tard, il a assez vite franchi les barrières du temps pour aller plutôt vers les avant-gardes et il, a, il avait tendance à acquérir des œuvres plutôt très audacieuses pour son époque. Donc. Donc, ça a été un des premiers collectionneurs de Cézanne, de Matisse, de Gauguin et de Picasso. Euh, donc, Stuckin, ou les Américains Léo et Gertrude Stein prenaient une importance démesurée parce qu'ils achetaient beaucoup. Hein, Gertrude Stein est Particulièrement cher à mon cœur, parce que collectionneuse, certes, elle l'était avec son frangin. Euh, bon, son frangin, c'est parti en sucette, parce que comme Gertrude était, euh, comment, était lesbienne et son frangin voyait ça d'un sale œil, ça a marqué une coupure radicale entre eux. Mais pendant les premières années de on va dire, son apprentissage à Gertrude en tant que collectionneuse d'art, c'est avec son frère qu'elle a fait ça. C'est une américaine. Elle est née à la fin du 19e. Elle est morte dans les années 40-50. Euh, en France, euh, parce qu'elle euh, a passé la plus grande partie de sa vie avec ses frangins. Donc il euh, y a Léo, dont il est question là, hein, Léo Stein, mais il y a un autre frère, euh, Michael. Ils sont venus en France et euh, ils ont vécu le plus longtemps de euh, leur vie. Et euh, pourquoi elle est chère Parce que c'est une poétesse, c'est une écrivaine géniale, vraiment. Euh, elle était complètement fascinée par certains aspects de l'écriture de la folie qu'elle rencontrait dans les, les productions euh, euh, de la folie, donc de, de fous et de folles psychiatrisées. C'est une, une des premières à s'être penchée sur la singularité euh, poétique, intellectuelle de la production sous l'emprise de certaines formes de folie, de psychose. Et elle s'est intéressée aux euh, formes contemporaines de la psychiatrie, de la psychologie de son époque. Donc elle, ce qui fait qu'elle a fait des études de médecine. Donc elle a à mon avis, était un peu orientée dans son rapport à l'écriture au début de sa vie, aux formes très singulières de sa poésie, par cette expérience-là. puisqu'elle qu'elle va développer, je vous encourage vraiment à lire Einstein, c'est sublime. Euh, elle a une poésie qui développe une espèce de maniaquerie du lieu commun, qu'elle vide par l'épuisement de la répétition de tout sens, jusqu'à devenir des espèces d'éponges de sens nouveaux, un peu vertigineux, euh, avec un goût pour la ritournelle, des hoquets okay obsessifs euh, verbaux. On peut même y voir euh, un côté cubiste, la, une espèce d'atomisme plastique, les facettes décomposées du cubisme. Euh, et elle a influencé un nombre considérable de poètes contemporains, de robots jusqu'à nos jours. Hein. Elle était très liée à la vie artistique de Montparnasse. Elle a défendu le cubisme, elle a défendu notamment Picasso, elle a commencé à collectionner assez jeune Matisse, Picasso, et elle avait fait de son appart une espèce de salon, comme c'était souvent la coutume à l'époque. C'était le salon de la rue Fleurus. Et très vite, elle va rencontrer donc celle qui va devenir sa compagne pour toute la vie, Alice euh, Alistoclas. Elles vont vivre ensemble une histoire d'amour tout à fait incroyable, <laughs> avec une complicité intellectuelle continue, inouïe. D'ailleurs, parmi les œuvres très connues de Gertrude Stein, il y a. L'autobiographie Toklas. Alors, elle est très connue, ce, ce livre est connu surtout parce qu'elle y raconte des tas de choses sur sa fréquentation des milieux intellectuels de cette époque. Et donc, ça en fait un document euh, précieux. Puis surtout, c'est un petit peu plus simple à lire que les, toutes les œuvres euh, assez, de poésie assez savantes et probablement extrêmement bizarres, je pense, pour les lecteurs de son de, 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 enfin, qui étaient ses contemporains. Euh, évidemment, vous vous doutez bien que le fait d'être lesbienne et juive, bon, ça va rendre compliqué sa vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle, elle est se. So <laughs> planquer. Oui, bah tiens, elle est allée se planquer en ce livre caché dans un petit bled. Et vous pouvez lire d'elle en, en français beaucoup de choses, en fait. Il y a une trentaine de titres, je crois, qui ont été traduits, dont la fameuse euh, autobiographie d'Alistoclas, que je vous invite à lire. Mais vous pouvez lire, mais elle a fait des choses pour les gosses aussi. Elle a écrit Le monde des rond, qui est super. Elle a écrit l'Autobiographie de tout le monde. Elle a écrit l'histoire géographique de l'Amérique. Elle a écrit un polar, qui, qui est hautement chelou, je ne vous le cache pas. Ah. Qui s'appelle Le sang sur le sol de la salle à manger, c'est très drôle. Euh, elle a écrit surtout, pour moi, d'innombrables poèmes euh, géniaux, mais en fait, toute son œuvre hein, est touchée par euh, la forme d'écriture poétique qui la caractérise. On trouve ça euh, chez Corti. Et euh, sachez, pour comprendre euh, l'importance de cette euh, merveilleuse euh, écrivaine, qu'un abruti comme Enthoven euh, a, a déclaré que son œuvre avait atrocement mal vieilli ce qui de la part d'une vieille desquamation du 19e tombée dans une latte de plancher bourgeois et réhydratée par la fontaine à merde du 20e siècle est un compliment. Voilà. Ah oui, ah oui, oui comme euh, si Enthoven si l'aime pas ça il peut euh, Ah. Il y a forcément <laughs> bien Antoven qui trouve que quelque chose a vieilli c'est quand même extrêmement drôle. Ouais, mais... de, de, de la part d'une tique réhydratée, comme tu veux C'est vraiment ça. La tique momifiée euh, réhydratée par la rosée. Euh... La rosée merdique du 20ème, ouais. ouais. C'est super drôle, quoi. C'est le seul être humain que je connaisse qui soit mort avant d'être né. Donc, euh, franchement... Euh... Alors, alors qu'est-ce que je disais euh... En 1907, Daniel Henri Kahnweiler s'était lancé à son tour dans le commerce de l'art moderne. Les débuts de ce descendant d'une famille de marchands de denrées exotiques qui avaient reçu au départ une formation d'agent de change furent modestes. Ils avaient commencé à constituer son stock en allant au salon des indépendants et en achetant des tableaux de Dorin et Flamingue. Alors, Dorin et Flamingue, si vous n'avez plus trop en tête, on en a vu la dernière fois, donc je ne me suis pas trop fait je vous remets les mêmes. Parce que j'en suis pas fan, ça a un peu tendance à me gonfler. Non. Je vous montre quand même, parce que vous avez le droit d'aimer ça, hein, je ne vais pas vous en dégoûter. Ce n'est pas parce que t'aimes pas qu'il faut en dégoûter les autres. <laughs> ça, c'est Flaminque. Voilà. Bon. Peut-être que je ne les aime pas parce que c'est des vieux cons conservateurs aussi. Hein. Euh... Flaminque, donc, voilà. Femme avec un yinch. Ah, J'aime bien le yinch, ceci dit. Hein. Je dois dire. Euh... Tu, tu, en fait, tu, tu, tu l'aimes bien parce qu'il a l'air d'être pas, passé au travers d'une tondeuse à gazon. C'est vrai, il est ti-deux et contrefait et il a l'air moisi. Je l'aime. donc Et ça, c'est Derain. Donc on voit bien ce que Derain peut devoir à Signac, par exemple, sur ce genre de truc. Bon, c'est des peintures euh, pas ouf. Enfin, bon, Derain euh, Flamin, je trouve pas ça très excitant, je vous dire. Et puis en même temps, en plus, tu nous montres une marine, ce qui est quand même aussi un des sujets les plus bassinants qui soit dans la peinture. Tu veux dire que les marines sont des sujets bateaux, c'est ça que tu essaies de nous dire Oh, oh merde <rire> <rire> Pourquoi le message de l'ardurap a, a été supprimé Ah oui Parce qu'il a écrit le mot chien, c'est un mot interdit, salut l'ardurap euh, <laughs> Qui avait dit... C'est un canard, oui, voilà, il, est a, ça. A, il, a, il a Désolé, l'ardurap. deux animaux. En fait. L'ardurap a été euh, vivement sanctionné par le wisebot le plus stalinien de tout le Twitch Game. Excuse-moi. Bienvenue à bord quand même. Oui. C'est ça. Ce chien, c'est un sacré canard. Ouais. <laughs> Euh, Qu'est-ce que je disais d'autre Je vous ai montré donc qu'est de Reims. Kahnweiler se réclamait cependant de l'exemple de deux grands marchands d'art moderne, donc plus anciens, qui avaient collectionné les impressionnistes, on en a déjà parlé, Durand-Ruel et Vollard. Paul Durand-Ruel, qui avait pris la suite d'une entreprise familiale établie depuis fort longtemps, avait surtout été le premier marchand des impressionnistes. Ambroise Vollard n'avait pour tout bagage que ses quelques années d'études en droit. Il n'en avait pas moins été le marchand de Cézanne et de beaucoup d'autres. Et il avait exposé le travail de Picasso dès 1900. Dans ces années-là, Vollard et après lui Kahnweiler s'orientaient de plus en plus vers des signatures de contrats au terme desquelles le peintre acceptait de céder la presque totalité de sa production, souvent à des prix fixés en fonction de la dimension des toiles. D'une manière qui serait fastidieuse de détailler, la forme de l'institution reflétait donc des pratiques comparables à celles du commerce d'autres biens, et plus lointainement, une structure de type économique. La troisième composante de ce marché est la grande presse culturelle française. Je vous ai parlé beaucoup de l'action de Marx, mais oui, la, la, la presse dans le marché de l'art à cette époque a une fonction fondamentale. Cette presse, dont le passé est lui aussi déjà long, enregistre à son tour des faits de société qui touchent toute la France. On y voit bien, par exemple, la force et l'étendue de la culture orale de l'époque. Des goûts très différents pouvaient s'y exprimer. La France du 18e avait vu se développer parfois jusqu'à l'hypertrophie le genre littéraire des comptes rendus d'exposition. On en parlait tout à l'heure et hein, je vous ai évoqué euh, Diderot, euh, Baudelaire, euh, Ismance. Hein. En 1906-1910, des revues illustrées comme les Arts donnaient des comptes rendus des salons, officiels ou pas. Il existait aussi une presse d'avant-garde très consciente d'elle-même. Parmi ses représentants les plus actifs, le plus connu est certainement... Guillaume Apollinaire. Moi, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qui est Guillaume Apollinaire. Apollinaire disait qu'il croyait par principe à la défense du nouveau. Et en plus d'une occasion, il joua le rôle d'un véritable impresario auprès de peintres qui avaient choisi cette voie. Alors, ça peut sembler complètement arbitraire. Beaucoup hein, de gens qui apprécient très moyennement euh, les formes du contemporain euh, s'imaginent qu'en ayant... Euh, Désigné euh, comme, euh, comment, comme obsession euh, absurde celle du nouveau euh, chez les euh, amateurs d'art, ils avaient là euh, mille doigts sur quelque chose euh, qui avait du sens, comme si en gros cette obsession du nouveau était en elle-même euh, indéfendable. Quoi. Alors, qu'on garde bien en tête quand même que euh, la question du nouveau n'est pas qu'une question d'objet. C'est clairement artistiquement une question de trajet. Quand j'insiste à vous dire live après live, à quel point la redéfinition de la notion art passe par les œuvres, je ne fais que vous rappeler que ce qui fait l'histoire de l'art, ça n'est ni l'histoire, ni l'art comme notion et comme catégorie, ni euh, les euh, propriétés euh, techniques ou sociales, ou euh, ni la chaîne de subordination euh, de tel courant à euh, tel autre courant de pensée, mais bien les œuvres elles-mêmes comme choses matérielles témoignant d'une expérience de vie singulière qui change la, la, la notion de art, qui change son sens, en fait, qui change clairement sa définition. Les œuvres redéfinissent inlassablement le champ art, et en fond, avant d'être un champ d'interrogation constant du sujet en tant que sujet sur son expérience de vie, d'une de, euh, série d'activités sur la société et le monde en tant que position critique sur la société et le monde, les œuvres sont avant tout critiques de la catégorie à laquelle elles appartiennent, à savoir la catégorie art. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui veut dire que la question du nouveau, elle travaille ça tout le temps. Elle travaille quoi comme questionnement La puissance critique, tout simplement. Conserver intacte la tension d'une puissance critique. Et aussi, c'est une notion qui est consciente de la société des œuvres d'art entre elles c'est-à-dire de ce qui se joue entre elles, des rapports de force critiques de une, des unes aux autres. Donc évidemment, cette question, elle est importante. Pour Apollinaire, elle est a fortiori importante que lui rabat la question de la nouveauté hein, sur la nouveauté euh, technique, euh, sociale de son siècle. À Apollinaire, comme beaucoup d'intellectuels des années... Euh, 10 à 20, euh, comme le seront les, les, les futuristes, comme va l'être Fernand Léger, est euh, extrêmement touché par le réalisme, mais au sens où l'entendait Courbet, au sens où l'entendait pardon une capacité de l'art à rendre compte de la modernité totale. Modernité sociale, modernité technique, modernité industrielle, modernité politique. Il faut, faut pas non plus perdre de vue que euh, le... Euh, mettre l'accent sur le, sur le nouveau, l'importance sur le nouveau, elle est jamais aveugle sur le fait, bah, comme, tu, comme tu as dit, que le, euh, le, la nouveauté compte comme, euh, comme trajet et que il y a la, la réalité toujours admise que le, 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 résultat peut, euh, 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 le résultat peut ne pas être à la hauteur du trajet. Oui. oui, oui, bien sûr. Et euh, disons que la question du résultat comme résultat, elle est, je dirais, annexe euh, par rapport à celle de ce trajet lui-même. Effectivement, le trajet, c'est l'œuvre. L'œuvre, la chose qui en résulte, qui n'est rien d'autre que testimonial. Elle porte témoignage pour cette histoire. Ça ne veut pas dire qu'elle est dénuée en elle d'intérêt pour une bonne raison que une œuvre. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais peut être pensé comme un sujet. Elle subjective inlassablement partout où elle est. C'est-à-dire elle nous change. Elle nous change profondément. Les œuvres se changent elles-mêmes entre elles quand elles cohabitent. Elles deviennent les opérateurs de signifiance entre elles. Et c'est extrêmement important de les comprendre comme telles. Donc, avec une vitalité qui leur est propre, mais qui n'est pas à proprement parler, euh, juste gagée sur. Le rapport euh, de production, euh, comme on pourrait dire, ponctuel, qui l'a fait exister comme œuvre et qui lui donne tout son sens pour, euh, enfin, dans, dans son cadre d'apparition sociale et historique. C'est-à-dire qu'elle a une seconde vie, bon, ça je ne vous apprends rien, hein, je pense que vous euh, savez très bien ce que ça veut dire, euh, en tant qu'un sujet nouveau, dans, une fois qu'elle est parmi, parmi nous, parmi les humains. Alors, pour répondre à l'art durable qui le, le discours sur l'œuvre est plus important que l'œuvre elle-même, euh, plus important, non. Et. Euh, déjà le discours n'existe pas, c'est qu'une œuvre est ouverte à tous les discours. Voilà, c'est important parler des œuvres, c'est chouette, c'est important, ça les grandit, ça nous grandit avec elles, ça fait partie de notre curiosité. Euh, les œuvres sont, ont toujours été faites pour qu'on en discourt. Hein, je vous ai souvent parlé euh, de l'art grec euh, et de la fonction euh, de, comment, des tableaux mobiles sur bois dans la philosophie, sous, dans la stoa, la façon dont on pouvait dialoguer avec les œuvres, réfléchir sur elles, les prendre en exemple, en, en espèce d'exemple moraux. Euh, enfin, les œuvres d'art ont toujours été faites pour discourir. Et, parce qu'elles-mêmes sont des productions discourantes d'une certaine façon. Elles font partie en tout cas des opérations euh, qui appartiennent au gigantesque champ. Euh, euh, de, de la signifiance. Elle participe à cette grande construction euh, comment, de la, du sens qui appartient au domaine du langage, même si elle n'est pas euh, soumise à, au même fonctionnement que le langage énonciatif, verbal, euh, celui qui, qui, qui s'expose et qui fonctionne par la langue. C'est autre chose, c'est un autre paradigme de, de la construction du sens. Euh, les discours... Sur l'œuvre, voudrais dire qu'il y a un discours, un bon discours, un mauvais discours, dont l'art durable, pas du tout. Je veux dire par là que les œuvres ne cessent de nous surprendre, de déjouer notre capacité à parler d'elles, et mieux encore, euh, nous n'arrêtons pas, évidemment, euh, de nous tromper sur leur sens, euh, et c'est normal. Puisque leur sens n'est pas fermé, nous ne pouvons pas clôturer finalement le, le sens des œuvres. Et d'autre part, nous n'avons que des moyens assez faibles finalement quand on parle des œuvres d'image, par exemple, hein, de la peinture, ou... nous avons des moyens très faibles de euh, comment dire, de trouver des euh, un cadre adéquat. Pour euh, rendre compte de nos expériences avec elles. Alors, on en a plein. On a l'histoire, on a l'esthétique, on, on a la philosophie, on a la critique. Il y a plein de façons hein, de, de discourir. Et euh, elles ne sont pas plus légitimes les unes que les autres. Elles se. Comment dire Elles se co-fécondent, elles se fécondent mutuellement. Et il n'y a pas de raison de les arrêter. Alors, du coup, si le discours sur l'œuvre peut être considéré comme plus important, l'importance, on pourrait dire qu'elle est juste spatio-temporelle. C'est-à-dire qu'à partir d'une œuvre, le discours est infini. Voilà, ça, quelque chose à partir d'elle va s'ouvrir infiniment, qui fait partie du plaisir de vivre avec elle, sans jamais oublier que euh, le but, ce n'est pas de clôturer le sens des œuvres, mais plutôt de participer à leur sens. En parlant, et euh, de grandir en leur compagnie, intellectuellement, poétiquement, etc. Mais évidemment, il y a un seuil au-delà duquel les œuvres nous invitent à nous taire. Ça fait partie aussi des relations qu'on entretient avec les œuvres, c'est aller jusqu'au moment où elles nous acculent à nous taire. Et ça fait. Je veux dire, il n'y a pas une position plus juste qu'une autre, position du discours, position du silence. Je pense que les, les deux participent de la richesse, hein, de l'expérience qu'on vit avec les œuvres d'art. Ouais, C'est et ça va plus loin que juste donner son, donner son interprétation. C'est euh, parce que si tu parles d'interprétation, tu parles de euh, d'essayer d'extraire euh, d'essayer d'extraire le, euh, le sens d'une œuvre. Euh, ça va ça va beaucoup plus loin que ça, de, le fait de de de, de de parler des œuvres et enfin de, de, de ben déjà d'en parler euh, d'en parler de de soi à soi euh, d'en parler et puis d'en parler avec avec ses proches d'en parler euh, euh, elles existent dans elles existent dans le discours elles existent aussi dans le dialogue et ça mais ça va beaucoup plus loin que ça va beaucoup plus loin que l'interprétation euh, ça va, ça va euh, quand quand tu essayes de mettre le, quand tu essaies de mettre le doigt sur ce qui dans un tableau te touche et qui peut parfois être, euh, qui peut parfois être nébuleux, qui peut, euh, qui peut avoir un, ce côté insaisissable, qui peut être un des moments qui, qui t'amène à, à te taire. Euh, tu n'es pas dans l'interprétation. Enfin, je pense pas que ce soit de l'ordre de, de, de l'interprétation à ce moment-là. À ce moment-là, tu es, es dans... Euh, ah. dans quelque chose de beaucoup plus... de, de beaucoup plus intime. D'essayer de déterminer est quel est le, le point de contact qu'il y a entre... Euh, ton expérience pour parler d'une manière très générale, ton expérience et ce que te propose ce que te propose cette œuvre, ce que te propose bah, ce tableau, puisque là, on est, on est en train de parler de, de peinture, mais c'est évidemment pas euh, euh, réduit à la peinture. Oui, bien entendu. Il y a, a là-dedans plusieurs plans. Si on parle d'interprétation, ça veut dire qu'on on suppose qu'une œuvre d'art est une collection de signes soumise à la possibilité d'être déchiffrée. Euh... Donc, ça voudrait dire un dispositif organisé, anticipable et régulier. Bon, tu te doutes bien qu'il n'en est rien, en fait, parce que chaque œuvre picturale, par exemple, porte en elle-même sa propre façon de disposer son rapport au sens et qui ne sera pas du tout applicable au tableau et ou à l'artiste suivant. Je me suis retrouvé dans une situation claire de ce genre, en une espèce de confusion finalement, comme si tout appartenait plus ou moins au régime J'irai au régime de signes auquel on est le plus habitué, celui en ce moment dans lequel nous nous donnons, euh, Gabriel et moi, le discours verbal. Euh, et on aurait tendance un peu fâcheusement à supposer que bah, tout, plus ou moins, quoi. Tu vois, peut bouiller cette grille de rapport, donc grille d'interprétation. En laissant de côté le fait qu'il ne me semble pas que le langage humain euh, soit un problème de communication du tout, je ne crois pas, je crois qu'on fait tout à fait autre chose avec ça, mais on ne va pas revenir euh, sur ce détail. Ce que veut dire que la, la fois où j'ai été confronté à ça de façon claire, c'était dans une expo d'art euh, contemporain. On venait de finir euh, un montage. Euh, et il y avait une série de rencontres euh, après, donc des interventions publiques, donc dans un centre d'art euh, contemporain. Et. Euh... Un jeune homme intervient, par, je ne vais pas dire son nom, qui était musicien, mais qui s'intéressait beaucoup aux arts plastiques, et qui commençait à nous parler de la communication et euh, du rapport à la communication. Il avait choisi comme euh, tutelle intellectuelle Restani. Bon, pour moi, Restani était un fumiste et un escroc intellectuel total, donc ce n'était pas très bien parti. Et Restani dit, tout artiste est un communicateur, toute œuvre d'art est une communication. Et euh, bon, comme tu le sais, une communication, c'est un transport euh, de sens d'un émetteur à un récepteur, euh, dont on considère que tout ce qui n'appartient pas au transport de sens est parasite ou bruit. Euh, donc en gros, une communication, ça marche. Voilà. C'est ça le principe de la communication, ça fonctionne. Je dis, ah, d'accord, tu es un artiste un communicateur, et puis une œuvre est une communication. Mais très bien, on vient de finir un montage, viens avec nous. Et puis il y avait 20 œuvres. Quoi. Je dis, bah, ça communique quoi ça bah, il ne répondait pas, il dit bah, Qu'est-ce que ça communique bah, je sais, Comment ça, tu sais pas Ça communique ou ça communique pas Tu ne communique pas à moitié. Soit cette chose communique, soit elle ne communique pas. Est-ce est qu'elle communique euh, Oui. Ah, d'accord. Bah, qu'est-ce qu'elle communique Je ne sais pas. Bah, elle ne communique pas, donc. Et l'autre, là, à côté, qu'est-ce qu'elle communique ben, je ne sais pas. Donc, tu ne sais pas. Donc, ça ne communique pas. Donc, de quoi on parle On fait des bruits avec notre bouche. On fait semblant d'avoir quelque chose à dire sur la peinture. La vérité, c'est que non, une œuvre d'art n'est pas une œuvre de communication. Il faut arrêter de dire des conneries. Restani se fout de notre gueule. Ça a l'air très profond. En fait, c'est parfaitement idiot. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que ça ne fonctionne pas du tout. Ce n'est pas un rapport de fonctionnement. Voilà. Et quand tu... Il n'y a qu'à regarder les œuvres d'art euh, qui se donnent pour fonction de communiquer. C'est-à-dire, tu prends... Euh... Tous euh, les euh, les peintures allégoriques de la Révolution, euh, euh, les, euh, les peintures de propagande euh, nazie, qui sont donc des œuvres qui s'efforcent de communiquer. Euh, c'est enfin, moche, c'est moche et c'est chiant. Et puis en plus ça ne marche pas. Parce que... Voilà, en en oui. <laughs> C'est-à-dire que... C'est derrière que, au-delà de la question, tu as raison. Hein, C'est que même comme euh, le pari, le pari critique dont on parlait et, et l'ampleur euh, de, ce, de cette euh, construction historique qu'est l'art par là sont évidemment abattus et, et explosent à cet endroit-là. Mais même dans les formes plus anciennes, plus savantes et excitantes d'une un, volonté. Euh, on va dire de communication, même si le terme à l'époque n'aurait jamais été employé, au XVIIe siècle, la peinture rhétorique euh, des grands peintres du XVIIe, des peintres du grand siècle de Louis XIV, elle est évidente. Pourquoi Parce que mmh, clairement, oui. les modèles intellectuels de l'époque, c'est des modèles de discours, c'est des modèles rhétoriques. On pense qu'on peut dire des trucs avec les tableaux. C'est très drôle, parce que évidemment, tout ce qui fait la peinture de Champagne, d'une part, c'est tout ce qui déborde largement la rhétorique des mains, mais en plus, cette rhétorique des mains, elle est incompréhensible. C'est-à-dire que les seuls moyens par lesquels on peut pénétrer la peinture de Champagne, c'est d'attendre de lui qu'il nous éclaire sur sa rhétorique des mains ou sur son entourage intellectuel. Donc c'est un échec complet, il n'y a pas de transposition faite puisqu'il faut recourir à la matrice et euh, d'autre part, il y a un dépassement, un débordement de sens qui, qui fait exploser tout ça. Mais Champagne, comme beaucoup d'artistes de cette époque, est aveugle à lui-même. C'est-à-dire... Aveugle à ce dépassement. Quand on voit un Lebrun, par exemple, euh, fondateur de l'Académie française, enfin de l'Académie des Beaux-Arts, euh, à cette époque, euh, penser qu'il n'est pas coloriste du tout, qu'il est dans l'ordre de la guerre qui se joue entre dessin et peinture, qu'il est du côté du dessin, donc du côté intellectuel, et pas du tout un coloriste, et, et regarder la mort, la mort de Caton par lui, mais qui est un chef-d'œuvre de coloriste, c'est à mourir de rire. Mais en fait, il ne voit pas ce qu'il fait. quoi. Et, et Champagne se pense aussi comme un réteur. Sa peinture est d'une beauté quasi flamande euh, d'un point de vue chromatique euh, avec une richesse et une vigueur euh... certes c'est pas la, la, le, le chatoiement euh, rubénien de l'époque mais il mais y a une vraie richesse euh, de la colorie, il y a une explosion des lumières, en gros il est débordé par lui-même il est dépassé par tout ça quoi. donc c'est intéressant de voir que jamais ça ne fonctionne en fait les rêves de communication par quelques bouts de la, la trame historique comprennent ce fantasme euh, où oh, on en ah, oui, Guillaume Apollinaire, donc, qui défend le nouveau. Oh, dis donc, on a dérivé de ouf <laughs> Sur cette oh, chaîne Putain, comment on a pu dire, c'est comme ça Moi, eh ouais, sur cette chaîne. Hein. Ah, donc, Apollinaire, hein, qui défend la défense du nouveau, joue le rôle d'un véritable imprésario auprès des peintres qui avaient choisi cette voie. Donc, la voie de la nouveauté. Ah, ce qui est très drôle, parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque la nouveauté n'est pas advenue. Donc prendre la voie de la nouveauté, c'est prendre la voix de l'inconnu, on est d'accord. Donc je ne vois pas comment on peut dire qu'on prend la voix, ou alors on prend la mer, tu vois, c'est. On prend toutes les voix, quoi, mais on n'a pas de voix. La voix de la nouveauté, c'est une drôle d'expression. Elle est là, je vais la chercher. Bah non, on ne la voit pas, par principe. Le terme si peu heureux de cubisme, qui, comme beaucoup d'appellations stylistiques, reprend par dérision un jugement péjoratif. Celui-ci visé au départ, en 1908, les cubes de Braque, est entré dans le langage courant grâce à lui, un peu comme les fauves hein. Les fauves c'est pareil. Oui, ça, oui. mmh. Comme les impressionnistes. Euh... Oui, c'est ça. Et chaque fois, en as un qui se fout de leur gueule. Il dit, Pas grave. Retournement du stigmate. Yeah! <laughs> Or, c'est là un exemple parfait de vision, de situation où le langage vient faire obstacle à la perception visuelle. Apollinaire essaya de transcrire les intentions des peintres euh, nouveaux dans des termes hésitants, mais pleins d'une ardeur communicative. Il publia différentes listes d'amis cubistes et il inventa bientôt toute une série d'ismes de remplacement. <laughs> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Son attirance pour la nouvelle peinture, c'est Braque qui disait ça. Hein. Braque disait de lui, son attirance pour la nouvelle peinture venait de sa sympathie pour Picasso, moi-même, quelques autres personnages, mais il ressentait aussi une certaine fierté à l'idée de participer à quelque chose de nouveau. <laughs> Ce qu'il écrivait sur notre art là, était « guère pénétrant. Je... Oh, le, oh, le, oh le tacle Il est... quoi Il faut bien le lire. Hein je, je crois qu'il pigeait pas grand chose à ce qu'on foutait en fait. Quoi. Ce qu'il écrivait sur notre art n'était guère pénétrant. Je crains que nous n'ayons encouragé Apollinaire à écrire sur nous de cette manière, à seule fin d'obtenir qu'une partie au moins du public s'habitue à voir nos noms. Alors cette habitude est restée est habitude est restée dans le monde de l'art. Chez les jeunes artistes euh, débutants, il n'est pas rare de demander pour son catalogue une signature à un écrivain un peu en vue pour qu'il fasse un petit texte pour son catalogue. Et croyez-moi, ça continue hein, là dans le contemporain. Hein, on va demander à tel poète, euh, surtout tel poète, c'est devenu c'est surtout des poètes, de faire un petit texte pour un catalogue d'art contemporain. Et en général, ils n'y comprennent rien. Ces textes sont absolument pathétiques. Il y a un très joli texte que je vous lirai peut-être un jour qui est extrêmement drôle d'Umberto Eco sur les textes de catalogue d'art contemporain. Et je pense que c'est un des textes les plus bidonnants d'Umberto Eco où il crée une espèce de typologie du rédacteur de catalogue d'art contemporain. Euh, euh, le poétique, l'intellectuel, etc. Et toutes les formes d'approche qui sont censées donner consistance à des textes généralement complètement creux et parfaitement inutiles. Et je pense qu'on était déjà là-dedans, quoi. C'était pourtant Apollinaire qui avait présenté Braque à Picasso. Ah, oh, il est ingrat, Braque. Ceci décrit à grands traits le marché que Picasso décida d'affronter. Par certains côtés, il n'y avait rien là-dedans de très nouveau. Au XVIIIe siècle, Chardin, par exemple, avait choisi d'exposer par le biais du Salon officiel, qui n'était pas encore totalement fermé aux innovations artistiques. Là, je vous ai montré ce qu'il avait choisi, si j'ai bien compris. Parce qu'il y a une gravure qu'on peut retrouver, donc euh, je pense que c'est de ça dont il va être question. On retrouve la gravure, elle est là. C'est très drôle, c'est une gravure d'interprétation. La voici. Et comme vous le savez, euh, les gravures d'interprétation, étant en faites d'après les tableaux, il n'est pas rare que euh, là, les graveurs, pour faire leur carton, n'aient pas retourné leur calque. Donc, il n'est pas rare que les gravures d'interprétation soient à l'envers. Donc voilà la gravure d'interprétation que voici, qui est en noir et blanc. Ce qui va quand même vous rappeler un truc fondamental, hein, c'est que pendant longtemps, et encore parfois aujourd'hui, les historiens d'art n'ont pas travaillé sur autre chose que des documents en noir et blanc pour parler de peinture. Ça explique beaucoup de trous dans la raquette intellectuelle de l'histoire de <laughs> l'art. Donc ça, c'est la gravure avec laquelle ont travaillé de nombreux historiens. Bon, en tout cas, bon, ce n'est pas son but. Hein. Le but, c'est de diffuser euh, le tableau. Et voilà. Le tableau de Chardin. Donc il vaut incroyablement pour sa couleur. Le dessin, en fait, on s'en bat un peu les couilles. Et, euh, et l'art de la peinture chez Chardin, c'est un art de la volupté minuscule. C'est un peintre génial ici. Donc voilà, je pense que le, le tableau dont il va être question, euh, ça va être ça, qui est là. Sinon, pour, vous, pour ceux et celles qui connaissent pas Chardin, je vais vous montrer un de mes tableaux favoris. Mais bon, à mon avis, vous le connaissez. Vous l'avez déjà vu, vous avez fait Ah mais oui, on le connaît !» Je pense. Enfin, peut-être pas avec cette petite voix grotesque, mais vous allez le faire quand même. Euh, oui, je l'ai mis Où je l'ai mis Lolo, t'as encore pas bien rangé. Voilà, ça c'est Chardin. C'est genius. Voilà. « Ah bah oui, je connais <laughs> !» <laughs> bah ben oui! <laughs> ah, Docteur Weck connaît euh, cette chronique géniale. Donc, voilà. Voilà, je vous mets face à la raie. Une raie, des huîtres, un chat. Voilà. Alors. Ah, donc il était. Euh, Chardin avait exposé par le biais du salon officiel qui n'était pas encore totalement fermé aux innovations artistiques. Pour y accéder, il avait étudié très tôt à l'Académie de Saint-Luc qui était moins à l'âme de Roger Marx, une organisation dissidente qu'un exemple du marché secondaire. Pendant presque 20 ans, il fut tapissier, comprenant qu'il était chargé de l'accrochage du salon. Il conserva cette fonction à travers les hauts et les bas, succès. À la différence de Fragonard, par exemple, qui à un moment donné choisit de ne compter que sur lui-même et de vendre directement à une clientèle établie. Comme quoi, vous voyez, ces, ces relations tendues euh, avec, euh, avec le, les salons, elles ne sont pas toutes neuves. Là. On parle quand même de très grands peintres du XVIIIe qui les incarnent pratiquement. Chardin, Fragonard, enfin, quand on pense au XVIIIe siècle, à qui on pense en premier On pense à ces gens-là. On pense à Bateau, on pense à Fragonard, euh, on pense à Chardin, euh, et voilà. Et, et ben non, c déjà, il y avait déjà des difficultés pour la construction institutionnelle. Bon, allez comment aller regarder à la hauteur de de, de, ce, de, de leur travail. Chardin ne peignait pas toujours sur commande. Comme Picasso, il prenait parfois l'initiative de son travail. Mais ses toiles lui servaient souvent de modèle pour des copies dont il existe, dans certains cas, plusieurs exemplaires, qu'il exécutait sur demande. Sa production originale est relativement faible sur la durée de sa carrière, puisqu'elle tourne autour de 200 compositions nouvelles. Bon, je vous encourage à aller voir hein, la salle des Chardins au Louvre. C'est une expérience incroyable, vraiment. C'est des tout petits tableaux, en plus. C'est vraiment à dimension humaine. Donc, on peut s'y abîmer complètement, quoi. S'y abandonner. En revanche, il fit beaucoup de copies. La presse culturelle, déjà puissante, proposait de nombreux comptes rendus de salon. Je vous ai trouvé un truc marrant pour vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ces trucs-là. Euh, Lolo, où est-ce que t'as foutu ton bazar Allons bon. Pourquoi j'ai fermé ça Il ne fallait pas que je fasse ça. Je vais vous trouver ça. Voilà, le préfet d'Angers, Mais qu'est-ce que je fais oh, Ça m'agace, ça. Excusez-moi, il y a un petit problème de. Le préfet d'Angers, a des célèbres tableaux de. Oui, oui, on va pas revenir là. Voilà, ça y est, je l'ai. Et le salon officiel. Voilà, ça, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça pouvait ressembler. Bon, ça n'a rien à voir, ça. Je vais trouver un petit. Voilà, ça, c'est un petit fascicule qui montre un peu quelle forme ça pouvait prendre. Voilà. Ah mais... Oh c'est chiant. Voilà. C'est acrobate qui est un peu casse-couille. Voilà, regardez ça. C'est ce truc-là qui a un très chouette document que je vous foutrais sur, euh, sur le Discord exam euh, euh, également. C'est le jugement d'un amateur sur l'exposition de tableau. On est typiquement euh, dans, ces, euh, dans ces rapports. Hein. Donc là, si je comprends bien ce qui est écrit dessous, c'est écrit 1753, c'est ça euh... hein euh... Je crois que c'est ça. Oui. Ouais, 1753. J'ai jamais été très doué pour lire les chiffres romains. Donc c'est une lettre, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été publiée. C'était la lettre, c'est juste une forme littéraire, ça vous voulez. Jugement d'un amateur sur l'exposition de tableaux, dont euh, la cause réelle, le fait qu'elle fût effectivement adressée à quelqu'un, n'est qu'un moment de son existence littéraire. Donc voilà, beaucoup de livres de philo qui ont d'abord été des lettres à des, à des puissants. Donc là, vous avez typiquement un compte rendu assez long hein, qui fait, je crois, 80 pages. Qui est un compte-rendu de ce qui se passe. Là, on voit qu'il est question de Von Loo, euh, un peintre assez génial, euh, qui est décrit ici. Alors, souvent, hein, les, les comptes rendus sont un peu décevants si vous cherchez des réflexions profondes sur la peinture. C'est euh, extrêmement factuel. La plupart du temps, on commence par décrire un peu l'histoire du tableau rapidement. Puis, on le décrit. On s'y euh, émerveille de tel ou tel euh, endroit euh, particulièrement bien peint, comme on disait, euh, saisissant. Puis voilà, ça avait s'arrêter là. Quoi. On peut faire quelques contrepoints avec des comparaisons avec d'autres artistes, avec d'autres tableaux. Et c'est tout. Donc si vous lisez les, les salons, de même de Diderot, vous avez toutes les chances de trouver ça au bout du compte un tout petit peu emmerdant. Quand même. Mais bon. Je voulais quand même vous montrer ça, hein, vous montrer quelle, quelle forme ça pouvait prendre et l'ampleur que ça pouvait avoir, quoi. Ah, Je vais peut-être vous remettre devant le Chardin, qui est quand même vachement plus intéressant. Voilà. Mais il me semble qu'à l'époque de Chardin, la structure du marché donnait un rôle plus important aux gravures qu'aux compte-rendus. Donc ça, c'est la gravure que je vous ai montrée. En fait. Voilà, la gravure du chardin va beaucoup plus compter pour diffuser d'une certaine manière euh, les œuvres d'art que les comptes rendus parce que effectivement si les comptes rendus eux-mêmes sont surtout descriptifs vous comprendrez assez bien que bah, dans ce cas-là euh, s'il s'agit que de décrire une œuvre il vaut mieux en avoir une reproduction même imparfaite comme une gravure d'interprétation que euh, un compte rendu lui-même que, que, que la description verbale Comme presque toutes les grandes places de marché, le Paris de 1906-1910 présentait une grande complexité. Ce point est important car Picasso bénéficiait dès lors d'une large marge de choix. À l'intérieur de telle ou telle option, il pouvait s'appuyer sur toute une série d'attentes dont nous avons déjà souligné le caractère générique. Ceci lui laissait encore une grande marge de manœuvre pour développer les directives qui découlaient de la forme de troc qu'il avait retenue. En retour, son propre travail contribuait à former des nouvelles attentes ou à remodeler celles qui existaient déjà. En effet, ces attentes génériques sont liées à une histoire de l'œuvre de Picasso et sont liées à une histoire, pardon. Et l'œuvre de Picasso, elle a changé cette histoire en l'enrichissant de nouvelles références. Donc, vous comprenez ce qui se passe. Hein C'est que pendant un certain temps, en gros, les artistes vivent presque toujours par rapport au moment de leur production des grands tristes moments de trop tard, c'est-à-dire d'un décalage énorme entre l'actualité brûlante de leur propre rapport à la question de la nouveauté, par exemple, et de l'invention, et euh, l'inintérêt euh, à peine poli qu'ils provoquent autour d'eux. Sauf que d'une manière ou d'une autre, dans une telle scène, celle qui nous est décrite, ils peuvent exister socialement. Ils ne sont pas complètement dans les marges des marges des marges, comme on peut l'être aujourd'hui, par exemple. Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, leur pouvoir de contamination existe. Et même si parfois la percolation est lente, ils changent tout autour d'eux beaucoup de choses. Ils changent évidemment le regard sur leur œuvre, mais ils changent avec les autres œuvres euh, quelque chose de leur devenir. Parce que si une œuvre s'avère particulièrement percutante et nouvelle, au moment où quelqu'un mettra le doigt sur cette nouveauté, toutes les autres autour de cette œuvre auront l'air d'un seul coup affadji plus médiocres, et elles vont en subir les conséquences. Soit elles vont devoir travailler en elles-mêmes pour euh, comprendre ce qui fait leur faiblesse, et changer elles aussi, donc euh, les artistes vont pour ces raisons vont, hein, mutuellement se contaminer, soit euh, elles vont batailler dans d'autres euh, formes pour euh, construire un front une espèce d'agonistique du style, un territoire de combat où euh, s'affrontent hein, des pensées différentes de la peinture. Et dans ce cas-là, eh bien, euh, ce sera saisissable, Alors, soit comme des vulgaires querelles d'ancien et de moderne, dans ce cas-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, soit des choses plus puissantes, comme euh, une vraie euh, constellation d'approches de, hein, de la question de la nouveauté. Il existe cependant un autre type de directive plus difficile à saisir, car le peintre puise aussi un certain nombre d'indications dans la structure du marché. La situation est complexe et pas facile à décrire. Picasso opère ainsi dans ce marché un choix particulièrement frappant, en décidant d'ignorer les salons dissidents. Le simple fait que son nom ne soit pas mentionné dans leur catalogue en dit long sur ses intentions du moment. Alors j'ai trouvé une image du catalogue dans le bouquin de de donc je vais bah, tout simplement vous la scanner. Enfin c'est ce que j'ai fait. J'ai scanné voilà le salon. Que voici. Hop là. Donc voilà, on a la liste là de, de ceux qui sont présents. Catalogue des ouvrages de l'association. Donc c'est le Salon d'automne 1906. Voilà, donc vous voyez qu'il y a. Hein. Vous avez Petit, Ledoux, euh, Richaud. Donc voilà. Fernand Piet, Pimienta. Donc il n'y a pas de Picasso. Voilà. Picard, Ledoux. Il n'y a pas. Donc, on est au salon d'automne de 1906. Une déclaration nette et franche ne nous en apprendrait guère plus que ça. Pour, pour lui, c'est carrément une déclaration de coupure. Quoi. Son absence de ce salon-là, où, où tout semblerait... Euh, enfin, laissez imaginer qu'il y ait place, quoi. Et non. Ils ont qu'à respecter les gestes barrières comme le douanier Rousseau. <laughs> What an incredible carambou <laughs> Ça faisait longtemps. <laughs> Aujourd'hui, le travail des peintres n'est plus lié au rythme de ces manifestations collectives quand elles existent encore. Enfin, ça dépend. Hein, les Documentas, euh, les grandes fiacs, euh, ça compte quand même aujourd'hui. Et l'exposition personnelle chez le marchand est devenue de nos jours quelque chose de si courant qu'il est nécessaire de souligner que le geste de Picasso est loin d'être neutre. En ne participant pas une seule fois à des manifestations qui accueillaient pourtant les meilleurs représentants de la nouvelle peinture, Picasso se mettait dans une position tout à fait à part. Braque on n'est cité que lui, il expose encore en 1908. Et Ramon Pichot, ou Pichot donc vous voyez là, on le voit sur le, le catalogue, on avait regardé euh, euh, des images la dernière fois, mais je crois que j'ai ai conservé dans le dossier, que vous revoyez un petit peu à quoi ça ressemble, je crois que c'est ça, hop, voilà. Donc ça peut être ça, cette espèce de portrait au pastel jeté comme une espèce de, de sous de gars, c'est pas nul, hein. je vais pas non plus chipoter, bon, c'est pas passionnant. Et ça peut être ça, une peinture un peu croûteuse, euh, très saturée de couleurs, euh, qui ne sait pas trop où elle est, mais bon, c'est pas mauvais, hein. mais bon, c'est pas ma tasse de tiroir va dire. À côté duquel Picasso de es Viscuré est justement l'ami barcelonais, en compagnie duquel il avait séjourné à Cadakes durant l'été 1907, si riche en découvertes. Oh, mais qui que v'là c'est Intergalactique, salut Intergalactique, bienvenue le RAID, eh bien, écoutez on va vous accueillir comme il se doit, j'imagine que vous êtes chez, en train de regarder un magnifique nanar, je ne sais pas dans quelle période vous êtes euh, ces temps-ci en termes de nanar, super le susu, merci pour ton follow. Donc ce soir ce qu'on fait c'est qu'on continue le travail qu'on a entamé depuis deux, deux épisodes pour l'instant hein, avec, euh, avec Gabriel, on est en train de lire Forme de l'intention de Michael Baxendal qui est un livre assez passionnant sur... Euh, une question qui est pratiquement insoluble hein, dans le rapport aux œuvres d'art, c'est la prétendue intention trouvable euh, qui serait la cause d'une œuvre et cause sur laquelle on aurait les moyens, euh, d'une manière ou d'une autre, de foutre le doigt. Période mentale, combat. Il en Ah, vous en avez fait, vu le 2. Euh... Ah oui, bien, effectivement. <laughs> Il y en a eu un deuxième. Il y en a plus que deux. Hein. Oui, bah écoutez, euh, ouais, ça ouais. doit être des sacrées soirées. Bah, ici, bon, c'est un petit peu plus sérieux, mais. Installez-vous, je suppose qu'après un bon mortal combat, euh, pénétrez dans l'histoire de Paris et de l'art de Parisiens en, en, autour de 1906-1910. Ça va vous changer un petit peu d'air. J'espère que ça va vous intéresser. Là, on était en, en train d'examiner les raisons qui, qui font que Picasso a une position vraiment. Très particulière à ce moment-là, il se retranche complètement euh, de la vie intellectuelle, enfin pas de la vie intellectuelle, non, de, on va dire de la vie institutionnelle des œuvres. En ne participant pas au salon dissident de cette époque, c'est notamment le Salon d'automne dont on a parlé un petit peu et dont probablement Baxendal va nous dire quelques trucs, va nous donner quelques éclaircissements sur les raisons de ce refus. Cette mise à l'écart, est-ce que ça veut dire aussi comme, euh, enfin quel lien ça établit de façon claire avec la vision? que Picasso a de euh, sa mission picturale, artistique, intellectuelle euh, à ce moment-là. Bah, euh, si quelqu'un peut faire un SO pour la chaîne passionnante d'Intergalactique et ses euh, merveilleux euh, choix de euh, soirée nanar, hein, c'est bien euh, Suzo Clint, un petit SO euh, serait vraiment bienvenu. Bon, en tout cas, installez-vous bien. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre euh, compagnie. On va se replonger, si vous voulez bien, dans la cure de bac Et euh, c'est parti. Euh... Donc euh, on en est là, il devait figurer, donc on parle de, de Pichot ou Pichot, qui était donc l'ami avec lequel il était en 1907 à Cadacas. Donc la baie de Cadaqués, vous en avez sûrement déjà entendu parler, hein, puisqu'elle a été beaucoup peinte euh, par les peintres, elle est rendue célèbre surtout par euh, cet ahuride Dali, qui parle beaucoup de Cadacas où il a vécu. Donc c'est devenu une espèce de, de pôle imaginaire de l'histoire de l'art du début du XXe siècle. Ah tu l'as, j'ai pas vu le S.O passer, Sufi. Si, a bah, euh, bien, euh, ah merci, tout Bravo, super. Euh, le portrait de Ken Weiler vint tout de suite après. Bah oui. Donc on le retourne à ce portrait que vous le revoyez un petit peu parce qu'il est quand même assez central dans cette étude. C'est lui qui a motivé le, le désir de, de Bacquendal de choisir euh, Picasso comme objet pour cette, euh, ce travail de recherche. Dès le moment où Picasso est à Paris en 1900, il fait une petite vente à la marchande Berthe Weil et passe un modeste accord avec le marchand de dessins. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie Voilà. Excusez-moi, je fais une bêtise. Voilà. Voilà. Avec. Un modeste accord avec le marchand de dessin Petrus Manak, donc un, un des nombreux collectionneurs et vendeurs hein, de, de, sur la scène à ce moment-là. En 1901, il expose chez Vollard, donc si on l'avait compris, qui est Volard. Puis, il y a la bande dessinée, tout en ironie et en fantaisie de 1902. L'année s'achève avec l'appel du grand Durand-Ruel qui lui donne beaucoup d'argent. Il ne conçoit sa relation au public qu'à travers l'intermédiaire des marchands. Un peu plus tard, le relais est pris par des clients qui ont su se frayer un chemin jusqu'à l'atelier du peintre, puis bien sûr par le journalisme culturel tel que l'exerce par, par exemple Apollinaire. Donc on est un peu dans une configuration proche de celle que Baxandal évoquait avec euh, le fra, fragonard de la fin. Une espèce de volonté de créer un, un rapport immédiat, un point de contact, euh, pas du tout euh, avec une construction de soi institutionnelle, avec une scène publique dans laquelle euh, il serait euh, finalement un des éléments d'un courant plus vaste que lui, dans lequel il apparaîtrait finalement, mais bien euh, la construction de soi dans un, un tout autre chose qui, est, qui rend nécessaire pour euh, approcher la peinture de Picasso bah, une, une certaine proximité, euh, ses marchands ou euh, lui-même. le chemin avait été difficile et l'on ne peut certainement pas parler ici de stratégie commerciale le comportement de picasso est lié à d'autres préoccupations on ne peut pas parler de stratégie commerciale puisque vous pouvez imaginer que ça lui facilite pas du tout la vie pensez enfin, qu'au contraire ça la lui complique assez considérablement les salons ne sont pas sans avantages pour les jeunes peintres de cette époque ils rendent plus immédiatement visible une peinture et on peut imaginer que s'y promènent pas que le public des badauds mais aussi des collectionneurs vers 1906, après quelques années de grande pauvreté, il était sur le point de s'établir grâce à Vollard notamment, mais aussi grâce aux ventes de dessins que lui avait permis de faire le courageux, ça c'est Weiler qui dit ça, hein, Clovis Sago, qu'il avait mis en contact avec une partie du public progressiste, dont nous parlions plus haut. Le Picasso de 1903-1906, par exemple, avait quelques acquéreurs. Or, c'est précisément le moment où, donc 1903-1906, hein, avec les études préparatoires pour les Demoiselles d'Avignon et les changements stylistiques qui en découlent en 1907, il rejette brutalement ce modeste soutien. Alors, ça, euh, donc on, va, on va revoir euh, cette, comment cette période est caractérisée. On a les, euh, les fameux croquis euh, de cette période qui sont là. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est les croquis préparatoires. C'est la période où il travaille à la réalisation de ces fameuses euh, célébrissimes Demoiselles d'Avignon. Et euh, donc qu'est-ce qu'il fait Il s'aliène à la fois un client comme Léo Stein et dans une mesure non négligeable, Voilà lui-même. Bon, bien sûr, Picasso se brouille pas complètement avec Voilà, puisque ces derniers exposent encore certaines de ses toiles en 1910-1911. Mais son marchand le plus convaincu durant sa période cubiste fut certainement Kahnweiler. Donc en gros, il... il resserre énormément le cercle qui permet de l'atteindre. Pourquoi C'est une drôle de stratégie quand même. Oui, parce que, donc, qu'on retrace, il, il, a, il, est, il est passé par une période d'extrême pauvreté, il commence à percer et il, 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 il resserre la voilure. C'est ça. Il décide de, de ne pas participer à ce qui pourrait lui permettre une vie plus simple, avec un accès euh, plus immédiat, plus large à son travail. Et il coupe les ponts avec des gens qui le collectionnaient, qui appréciaient son travail et qui le vendaient parfois. Donc ça, c'est étonnant quand même. Donc il coupe avec Léo Stein, donc le frangin de Gertrude. Bon, il restera le pote de Gertrude, par contre. Euh, mais voilà, par exemple, il prend ses distances alors qu'il lui était, euh, comment, dévoué. Et je pense euh, au sens financier, plutôt utile. Hein. Mais bon, il ne fait pas ça, hein. il laisse Ramon Pichot, elle est tout seul au salon hein. et voilà. La signification de ces stratégies d'évitement de l'exposition collective apparaît un peu mieux lorsqu'on examine la position des cubistes mineurs Albert Gleizes, Jean Metzinger, Robert Delaunay et d'autres, tous adeptes des contre-salons. Et là, on comprend mieux. Un on comprend ce que c'est que la dignité pour Picasso. Enfin, une dignité au sens vraiment le, le plus noble de ce terme. Il y a une dignité de l'œuvre et il n'est pas question que quelque chose soit vu, je pense, hein, perçu de son travail, susceptible de mélanger les torchons avec les serviettes. C'est-à-dire une profondeur de vue et de la recherche chez Picasso, euh, une vision aussi ouverte de ses perspectives qui ne peut pas se satisfaire euh, des catégories qui sont en train de naître en ce moment des descendants du cubisme, c'est-à-dire au fond de ses propres descendants. Voilà ce qu de quoi on parle, comme merde. On parle de glaise Medzinger, de Alors Glaze et Medzinger, il y a rien à en dire, c'est catastrophe. Donc ça c'est glaise donc c'est des cochonneries décoratives sans nom. Ce sont des gens très bêtes aussi, et très imbus d'eux-mêmes. Alors Glaze est un, un crétin lunaire de la pire espèce, un théoricien euh, catastrophique. Donc voilà, ça c'est glaise, c'est des pauvres barbouillages sans existence, complètement niais. Donc c'est quelqu'un qui va appliquer stupidement une série de recettes auxquelles il ne comprend rien et qui va pourtant prétendre incarner une réforme, voire même une réforme plus ou moins scientifisante hein, euh, du cubisme. Et euh, voilà, ça c'est Metzinger. On ne peut pas mieux produire des choses ridicules. Euh, quand je dis exemple, quoi, il ne reste rien. De l'expérience cubiste, qu'une pauvre manière de faire, un pauvre décoratisme dont absolument dépourvu de sens. Je dirais même que l'espèce de caractère ridiculement littéral de cette espèce de peau d'étain, de, qui, qui prend très au sérieux l'idée que le cubisme sert à montrer euh, des choses, des objets sous plusieurs aspects différents, on dirait presque une blague en <laughs> termes oui euh, c'est que... ça on dirait une parodie du cubisme c'est ça on dirait une parodie en fait Glaze et Metzinger on dirait presque toujours ou Metzinger je sais pas comment on prononce et je m'en fous on dirait une blague en fait on dirait une parodie absolue euh, du, du cubisme c'est des artistes misérables en fait vraiment et effectivement quand, quand tu, tu parlais plutôt du fait que euh, une œuvre même une fois qu'elle peut euh, qu'elle peut sembler Achevée, elle continue à avoir une, une vie et à se modifier du fait des, du voisinage. Ouais. Et on peut comprendre que euh, Picasso se disant euh, voilà qui vont être mes voisins au moment de cette exposition. Voilà, voilà à quoi on. Oui, d'un point, point de vue visuel, euh, ça peut. On peut entendre que ce soit quelque chose contre quoi il s'arc-boute. Mais clairement, euh, merci pour ton follow, Mac Angelus. Il n'est pas question qu'on laisse supposer pour lui que ces pitres ont une vision partagée avec lui, qu'ils ont un objectif commun. Regardez cette merde, franchement. Hein. Bon, ça, c'est Metzinger encore. Il n'est pas question pour Picasso que, que, que quelqu'un puisse rentrer dans une salle où on se dise, ces gens travaillent ensemble à une même vision de la... Euh, non. Donc clairement, le mec qui fait cette merde n'a pas la même vision de l'art que le type qui fait ça. Ça n'est pas possible en fait. <laughs> Il y a un moment où, en termes d'ambition, de vision, d'intelligence de la peinture et d'audace aussi, ça, ça ne peut pas cohabiter avec ça. Voilà, c'est juste pas popo. Voilà. Donc on va mieux comprendre peut-être tout ça. Et Delaunay. Bah, Delaunay, je vous en ai montré un peu. C'est probablement le moins tartouille du lot. Euh... Alors. Est-ce que j'en ai mis un peu Je vous montre un peu de lait c'est pas foufou. Hein. Mais disons qu'au moins, il va chercher d'autres trucs. Euh, notamment, je pense que la, la rencontre, enfin, je pense, on pense, je ne suis pas seul dans mon slip à penser ce genre de choses, mais que la rencontre avec son épouse, avec sa compagne Sonia n'est pas pour rien dans euh, l'enrichissement considérable de son champ de vision et de sa perception de la peinture. Ils peignent beaucoup ensemble, tous les deux, et puis ils ont aussi une œuvre côte à côte. Euh, donc, ça, c'est Delaunay, dans des moments où il cherche quelque chose comme une vibration euh, de la couleur un peu particulière, il n'est pas le seul à chercher dans cette direction euh, à ce moment-là. On voit bien euh, tout, tout le lien qui peut exister dans cette espèce. De, de côté euh, vibratoire de, de la couleur, des choses que recherche clés par exemple d'un point de vue quasi théorique, ou ce que peuvent rechercher pour euh, le, des, des recherches enfin des, mm, des, des mouvements de fond dynamiques qui hantent la question picturale à ce moment-là, l'idée du mouvement, euh, l'idée d'une cinétique de la peinture qu'on peut trouver chez les, chez les futuristes. Après bon il y a ça, euh, je m'abstiens de toute forme de commentaires sur ces pièces euh, là, il y en a plusieurs. Qui, sont, bah, les, qui ont rendu euh, enfin, qui rendent encore aujourd'hui le travail de Delaunay célèbre, je pense qu'il n'y a rien à en dire, on s'en fout complètement. Et ça, voilà. Donc ça, ça se rapproche un peu plus des trucs qu'il pouvait faire avec sa femme, Sonia. Voilà, qui est plus douée, hein, indéniablement. J'en ai pas appris parce que c'est pas le sujet du bouquin, donc moi je vous montre les auteurs cités par le bouquin. Mais euh, à, de mon avis, le travail de Sonia Delaunay est vachement plus euh, important. Docteur Wag dit rien sur Robert. Très très drôle, docteur Wag. <laughs> euh, putain, je vois que nous avons beaucoup de références communes. Par <laughs> moment, ouais. Quand même. Alors, voilà euh, ce qu'on peut en dire. En un sens, c'est à eux que convient l'appellation de cubiste plutôt qu'à Baraque et Picasso. Ils ressentaient eux le besoin d'appartenir à un mouvement de groupe doté d'un programme bien établi. Ainsi écrit Glaise. C'est à partir de ce moment, en octobre de 1910, donc moment précis où Picasso travaille sur le portrait de Kahnweiler, donc on va remettre le portrait de Kahnweiler pour qu'on ait vraiment une fois de plus en tête l'objet principal de, de ce texte. Voilà. C'est à partir de ce moment que nous nous découvrîmes sérieusement les uns les autres. L'intérêt de nous fréquenter, d'échanger des idées, de faire bloc, nous a paru impérieux. Il suffit de dire ce programme. Sur un plan social, Picasso et Braque contribuaient pour moitié à l'entreprise, mais l'échange d'idées se faisait sans eux. Picasso répond par des dérobades. On citait plus haut, défense de parler aux pilotes, il n'y a pas de pied dans la nature. Aux questions de Mexinger qui demandait ce que devaient faire les cubistes à propos de ceci ou de cela. Toujours selon Glaise, nous devions être groupés, c'était l'avis de tous. Bon, apparemment c'était l'avis ni de Braque ni de Picasso, en tout cas pas forcément groupé euh, avec n'importe quel ahuri, pas ces, cette bande de zozo. Tous c'est trop dire en 1910. Les cubistes mineurs montèrent une sorte de coup aux indépendants en transgressant le principe de l'accrochage individuel et en prenant possession de la salle 41 pour en faire une salle cubiste. Ni Picasso ni Braque n'étaient là. <laughs> En 1912, Glaze et Metzinger, ou Metzinger, hein, publièrent un bouquin, Du Cubisme, où Picasso tient un peu de place. Et une exposition du groupe, La Section d'Or, fut organisée à la galerie de la Boétie. Alors, je vais vous montrer le petit bouquin, euh, le, le Cubisme, et puis je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette section d'Or, hein, qui n'a pas énormément d'intérêt, mais bon, peu importe. Comme il en est question, que vous sachiez un petit peu de quoi on cause. Donc, le bouquin en question de Glaze et Metzinger, c'est ça. Merci pour le follow, Eileen O'Learn. <coughs> donc voilà de quoi il est question. Donc ça, c'est ce petit fascicule qui parle pratiquement pas de Picasso, et qui prétend donc rendre compte de ce que serait le cubisme. Alors évidemment, il y a ambiguïté. Il s'agit de donner un nom à quelque chose, de s'approprier ce nom. Les fondateurs, finalement, de cette... Euh, comment on pourrait dire ça De ce champ de recherche sur la forme, ou plutôt sur le type de relation... Qu'un peintre dans un espace-plan peut entretenir avec le monde des choses sensibles qui sont dans l'espace, évidemment, un questionnement central quand on veut échapper à l'illusionnisme de la perspective, comme le veulent les, les, euh, comment les, les peintres Picasso et Braque, ou comme le veut Cézanne. Ça, Pour autant. C'est un détail, mais je trouve quand même très étrange le fait d'avoir choisi de mettre cubisme entre guillemets. Ben, je crois que c'est là aussi tout le jeu merci pour le follow Napka tout le jeu et la complexité de cette situation comme vous pouvez l'imaginer c'est qu'à la fois ce terme, bon, il faut se l'arroger pour lui donner un sens, puisqu'il est né d'une Mais il faut le finir, Il de... y, y, y a le côté définitionnel qui peut. Il y a ça. ça. Mais d'un côté, il devrait, tu as raison, être affirmé ici. S'il y avait vraiment réappropriation oui. du stigmate, elle n'a pas besoin de ces guillemets. Donc il y a tout un jeu bizarre euh, qui se voudrait sur la couverture même, un, un espace, si tu veux, en aména... aménageant la chèvre et le chou du sens. Quoi. Et il euh, faut bien comprendre que. Picasso et Braque sont les objets de cette désignation au moment où le terme est injurieux. Et l'installation du terme à titre personnel et réapproprié, elle se fait aussi sans eux. Donc c'est très drôle parce que au fondamentalement... Les vrais cubismes, enfin le cubisme qu'on pourrait dire analytique, on a plus ou moins appelé comme ça le, le cubisme, on l'a répertorié historiquement dans euh, des moments différents de son histoire, hein, entre un cubisme dit euh, analytique, donc décompositionnel des objets, et puis un cubisme euh, synthétique, euh, les deux périodes euh, suivant, un cubisme qui n'est pas un cubisme, enfin, un cubisme qui n'a pas encore été insulté. <laughs> Et qui est juste un césanisme, c'est-à-dire des gens qui vont sarc au travail de Cézanne, à la théorie césagienne, puisque Cézanne écrit sur la peinture, il a des choses à dire sur la peinture, même s'il le fait le plus souvent dans des courriers, euh, il y décrit son projet euh, théorique quand même. Hein. Et Picasso et Braque bossent là-dessus. On pourrait dire que ils se prennent euh, le mot cubisme, ils s'en foutent parce qu'ils ont d'autres chiens à peigner. Euh, ce mot devient quelque chose d'autre par le désir finalement d'une réappropriation du stigmate. Il s'agit de ça, comme ça s'est fait pour les fauvistes ou les impressionnistes. Ça devient une sorte d'usage dans les milieux artistiques de faire comme ça. Et ce qui semble s'en emparer, évidemment, c'est les couillons de la dernière heure, hein, comme d'habitude. Comme c'est presque toujours le cas dans l'histoire de l'art. Hein. C'est euh, Glaise et Mitzinger, donc, qui vont essayer de composer cette somme que je n'ai pas lue. Euh, et que je ne vais pas lire parce que je m'en bats complètement les couilles de ce que c'est... Et parce comptes. que nous sommes mortels et notre temps ici-bas est limité. Exactement. J'ai un peu autre chose à branler de ma vie que de lire les conneries de Glaive et Metzinger, qui étaient très probablement nuls en 1912 et qui ont toutes les chances de l'être en 2023, à mon avis. Voilà. Et donc en 1912, Gilles et mitzenger publie Du Cubisme, où Picasso tient un peu de place, et une exposition du groupe, La Section d'Or, fut organisée à la Galerie de la Boétie. Donc c'est ça, la, euh, la Section d'Or... Euh, à laquelle collabore Guillaume Apollinaire, il est même tout au... Exactement, exactement. Oui. Voilà, la Section d'Or, c'est... Euh, comment Je peux vous dire un petit peu si vous voulez. C'est euh, au début des années 10 que ça apparaît, enfin que le terme va apparaître, plus ou moins, je crois. Hein. Alors pour le terme section d'or, je pense qu'il il doit, il doit vous parler un petit peu. Il renvoie directement à, à cette chose mythico-mystique qu'on appelle le, le nombre d'or. Au début des années 10, euh, c'est un groupe qui se réunit autour de Jacques Villon. Jacques Villon, il y a trois frangins, il y a Marcel Duchamp, il y a Duchamp Villon et il y a Villon. Jacques Villon. Alors, je ne sais plus comment ils s'appelle Duchamp Villon, quel est son prénom, mais si quelqu'un dans le chat veut chercher. Euh, donc euh, Jacques Villon est un peintre honorable, les, tous sont peintres. Hein, au départ, Duchamp, n'oubliez pas, il commence par la peinture. Hein, euh, et ils se réunissent dans l'atelier de Jacques Villon. Voilà, Qu'est-ce que tu dis, Glitch 111 ans de continuité cacaïque, on te quoi être salué en un sens. C'est vrai, tu as raison. Ils sont très influencés, les gens de la section d'heure, vous voyez qui sont. Là, il y a Apollinaire, Roger Allard, Gabriel Buffet, René Blum, Adolf Blassler, Marc Brésil, Max Gott, Olivier Houkade, Max Jacob, Muret, Néral, Prince, Rénal, pardon, Roanard, Pierre Reverdy qui est resté... En tout cas, les poètes et écrivains, visiblement sont restés célèbres. Hein. Max Jacob et Reverdy euh, et Apollinaire. L'autre bande de Zozo, je ne vois pas qui c'est. C'est euh, a... bon, des collaborateurs du... Du numéro spécial consacré à la section d'or, à l'exposition de la section d'or. Euh, et donc ces gens euh, qui sont euh, sous l'influence cubiste, puis euh, à l'époque c'est pas grand monde, hein, c'est Braque, c'est euh, Picasso, c'est Juan Gris, euh, qui est déjà lui-même plus faible que les deux autres, enfin Gris c'est quand même gentiment décoratif. Euh, et la, la section d'or décline une sorte de cubisme qui est teinté à la fois d'une sorte de mystique du nombre d'or, hein, donc le fameux nombre d'or ou la section dorée. Qui... Une proportion, si vous voulez, c'est un, un rapport géométrique qui a été découvert assez tôt dans l'Antiquité. C'est un vrai rapport géométrique, c'est une relation entre des termes géométriques et, euh, qui a une puissance, une fonction qui, de, qui peut servir dans, dans des, euh, des calculs. Donc, elle découverte dans l'Antiquité. C'est la base, par exemple, de construction de certaines figures régulières. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas rien, ce n'est pas juste un fantasme. Ça sert à fabriquer euh, euh, des pentagones, des, des certains types de spirales qu'on appelle les spirales euh, logarithmiques. Mais euh, évidemment, on la délire beaucoup. Parce qu'elle est antique, parce qu'elle est numéraire, et que le numéraire aboutit très vite à la numérologie. Donc, euh, tatati tatata, et on la suppose peu à peu être au cœur d'à peu près. Tout ce qui se construit et qui fait rêver les imbéciles, donc euh, les pyramides et les cathédrales en premier lieu, ça c'est sûr, vous pouvez l'imaginer. Toutes sont fantasmées comme étant bâties sur la section d'or. Alors on la voit à ce moment-là à partir d'Istavia absolument partout. Oui, il y a même eu euh, euh, beaucoup de fantasmes sur le fait que le nombre d'or apparaîtrait aussi euh, dans la... Euh, en, en biologie, dans euh, la... La formation, des, euh, la formation des coquillages, la répartition des graines au cœur du tronçon, c'est euh, faux. Voilà. <laughs> oui, c'est ça, on lui ça suppose. Ça ne marche pas, mais ça, ça, a été, ça a été un fantasme très très présent pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on en trouve des traces. C'est aussi effectivement un, un fantasme réaliste. Donc le, le fait que ce soit un fantasme réaliste euh, va produire effectivement des théories pseudo-scientifiques assez navrantes sur le nombre d'or, et on la voit partout, même là où elle n'a servi à rien. Par exemple, les architectes de la Renaissance, a priori, ne s'en servaient pas, même si euh, le, le nombre était connu, étudié. Et vous pouvez l'imaginer, vous connaissez un peu l'esprit des euh, humanistes florentins. Ça ne pouvait que exciter leur goût pour euh, l'ésotérisme. Mais pour autant, bah, les architectes ne s'en servaient pas. Mais on n'a pas hésité, évidemment, à le voir partout chez eux. Bon, euh, le désintérêt graduel du nombre d'or dans le domaine des mathématiques. S'est donc converti, en quelque sorte, hein, dans ceux de l'art, la, ou euh, voire de la philosophie, sous la forme de mythologisations euh, diverses et douteuses. Euh, certains oseaux même, n'ont pas hésité à en faire la clé de la beauté. Si je me souviens bien, mais je me trompe peut-être, hein, le modulor de Le Corbusier emprunte euh, sa construction à la section d'or. Vérifiez, je dis peut-être une sottise, donc euh, quand même, avant qu'il dise une connerie, euh, regardez. Euh... Certains vont même en faire le socle de théories raciales. Magie! Bon, bref, euh, la section d'or, euh, là, ce, cette section d'or-là, ce groupe d'artistes-là, va se construire dans une forme d'opposition, si vous voulez, au cubisme de l'origine, même si euh, tous les fondateurs sont pas forcément des ahuris, ça va surtout attirer les seconds couteaux un peu fatigants du post-cubisme. Il y a un certain lot, alors j'ai pas pris d'image de lot, dis donc mais qui est particulièrement à chier et qui est très très présente dans cette histoire. Je crois il est, euh, bah, vous le mettez. Bon, vous avez vu du Metzinger et euh, bah, imaginez Lod, vous avez vu du Marcoussi la dernière fois. Bon, Marcoussi et Lod, je ne vous en ai pas montré. Je vous ai montré Glaise et Metzinger mais c'est euh, ni meilleur ni pire, ça n'a aucun intérêt. C'est des gens qui vont traquer. imaginez du Metzinger mais peint par une statue de sel, c'est ça <laughs> C'est un peu ça. Voilà. <laughs> Euh, D'accord, merci euh, Suisse d'avoir réussi, c'est gentil. Euh, on peut dire qu'avec le temps, le nombre d'or dort, c'est ça. Il a fini par faire ça, par aller se coucher chauffe, Je pense que <coughs> sur les chaînes ésotériques à la marmole Bambi euh, de YouTube, là, à mon avis, il y en a plein de conneries. Oh le... oui, oui, oui. Euh, J'en suis sûr. Euh, il, il, ne dort, il ne dort que d'un œil. <laughs> le, voilà. le il serait temps qu'on la batte à coup de pelle au fond d'un parking. Oui. Mais, euh... mais ça, ça ne va pas, on n'y arrivera pas. Elle est insaisissable. Elle renaît de ses tout le temps à la section d'or. Donc là, les gens de la section d'or vont traquer euh, aussi une espèce de. une chimère totale, mais la martingale architectonique, en gros. C'est ça, je crois. La martingale architectonique des tracés régulateurs de la peinture qui serait censés détenir la formule de la composition parfaite. Voilà. le beau. De beau. Et ils vont faire leur propre salon euh, en 1912. Euh, et voilà. Comme on en parlait à l'instant, et ça s'est organisé à la galerie de la Boétie. Et j'ai raccroché les tableaux. Vous savez où on est. Maintenant, ça a été long. Euh, mais c'est bien qu'on sache de quoi on parle. Parce que là, on parle plein de, de, plein de salons, de choses de ce genre. Et euh, c'est bien de savoir avec précision, au fond. Parce qu'on est assez. C'est des périodes, finalement, qui nous sommes très familières et très connus, puisque c'est des mots très communs, finalement, le cubisme, euh, le, les salons des indépendants, etc. Mais, mais regardez avec précision quand ça naît, comment ça apparaît, qui le fait, quels effets ça ben, c'est bien, c'est important. Alors, ces deux formes de comportement liées à deux secteurs différents du marché semblent renvoyer implicitement à deux inflexions de la directive, donc la notion de directive, quoi. En guise de préliminaire, on pourrait dire, même si les choses ne sont pas si simples, que dans la mêlée des contre-salons, l'un des moyens naturels de manifester sa présence ou de se maintenir sur la scène était de marquer son appartenance à une catégorie, à un groupe, en se ralliant de préférence à un groupe dont on pourrait parler en tant que tel. Et s'exprimer ainsi n'est qu'une manière de reconnaître que le marché pense à travers des représentations génériques. En tout cas, à cette époque, c'est certain. Alors, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais ça va être tout au long du XXe siècle incroyablement vrai. Et ça veut dire que qui mène sa carrière très solitairement aura bien des difficultés à exister pendant très longtemps. Un narcissiste comme Réquichot, qui est un génialissime, par sa solitude absolue, se tenant à l'écart de tous les mouvements qui lui sont contemporains, ben, il en a chié des bulles. Euh, et c'est pas le seul, en fait, c'est assez fréquent. Euh, les autres ont compris tout l'intérêt qu'ils avaient à former des groupes, même les plus arbitraires du monde. D'ailleurs, un groupe comme les Nouveaux Réalistes en France, ça n'a aucun putain de sens. Enfin, la cohabitation dans le même groupe de Raymond, de, de Villeglé, euh, de Yves Klein, de Tinguely et Nicky de c'est franchement n'importe quoi. Mais ça les a rendus incroyablement visibles et ça a fait exister puissamment chacune de ces œuvres. Au fond, personne ne croit très sérieusement à ce mouvement, mais ça rend lisible des déplacements, des organisations, etc. L'instinct qui pousse les cubistes mineurs à se serrer les coudes, si on peut dire, se manifeste en fait quelques années avant qu'ils ne deviennent cubistes. Alors comme s'ils avaient une conscience de leur profonde minorité. <laughs> on a un témoignage un peu absurde qui sera pour nous l'occasion de nous pencher une dernière fois sur le salon d'automne de 1906. Et c'est Delaunay Robert 420, portrait de M. Jean Metzinger, peinture. Suivi de Metzinger Jean 1191 Portrait de M. Robert Delaunay Peinture appartient à M. Robert Delaunay. <laughs> Donc c'est deux couillons centre-portrait. Et voilà ce que ça donne. Des portraits de merde, je ne vous le cache pas. Donc voilà le portrait de Metzinger par Delaunay. Il n'y a pas de mots. Il y a une espèce d'arbitraire qui règne, qui désespérément essaie de de garder euh, la conscience du portrait avec toute son autorité académique chiante et qui qui patouille d'une fausse mosaïque picturale pour quand même donner un caractère moderne à tout ça un peu de frais. Ça ne marche pas du tout. Personne n'y croit. Mmh. <laughs> C'est vraiment pathétique. C'est vraiment... Il n'y a pas de sens, en fait, à cette production. Donc ça, c'est euh, metzinger par Delaunay. Et j'ai pas trouvé, parce qu'en fait, la toile est perdue, personne ne sait où elle est, le portrait de Delaunay par euh, metzinger, Mais il existe un catalogue euh, de l'époque avec cette reproduction en noir et blanc. Donc c'est tout ce que j'ai pu vous trouver. C'est pareil, ce portrait est d'un académisme évident. Et on voit bien les grosses touches. On imagine à peu près les mêmes couleurs que ça. Oui, oui les, 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 les deux ont... Et de faire de la de, de la mosaïque. Ben oui, c'est comme si j'avais rien compris aux leçons de Signac ou de sera C'était juste une espèce de manière absurde de faire les choses, une vieille recette épuisée. C'est même infligant. pas un exercice de style en plus, c'est vraiment ça. <laughs> c'est prosterne. Oui. C'est tellement bête, c'est tellement laid, c'est tellement rien. Voilà. Euh, Ryu nous dit je vous trouvais un peu dur, j'étais avant de voir ça. Tu viens d'arriver, visiblement, Ryu, parce que tout à l'heure, on a regardé des toiles de glaise et ou mézinger, et franchement ça faisait pleurer les, le, du sang, quoi. Donc Delaunay, avec son désir exubérant de s'affirmer, représente un exemple déjà plus complexe. Tiraillé entre les directives du groupe et le sentiment manifeste qu'un grand artiste ne saurait avoir d'égal, il n'était qu'à moitié enclin à suivre le type de groupement que Glaze et Metzinger proposaient pour les cubistes. Vers 1912, tout au moins, il met au point un dérivé qui va lui permettre d'affirmer sa différence. <laughs> et c'est pour marquer ces distinctions que Apollinaire forge le terme d'orphisme. Non, je vous jure. Hein. Alors. Bon, on va éclairer un peu parce que ça peut vous sembler bizarre. Mais... Donc basé plus ou moins sur l'histoire euh, d'Orphée, euh, l'Orphisme, c'est un courant religieux, on va dire, du 5e siècle avant l'ère chrétienne. Enfin, même si euh, l'Orphisme n'était pas propre, on parlait d'une vraie religion au sens où il semble pas qu'il existait des communautés religieuses constituées euh, telles qu'elles, enfin comme telles, comme comité or, orphique, quoi, dans l'Antiquité grecque. Et aussi de contestation sociale. C'est vraiment une forme d'éducation et de construction qui est plutôt dans les marges de cette société. Et on connaît leur fils par des témoignages plus ou moins dispersés dans le temps, hein, qui sont donc difficiles à connaître précisément, et très notamment parce qu'il impliquait un, un retranchement dans les marges de la vie sociale. Alors on trouve leur fils qui est décrit les premières fois, enfin euh, on a des premiers textes qui... qui, qui dont on dispose, qui parle de leur fils, bien ceux d'Hérodote, qui a décrit ça comme une espèce de, comment, comme une coutume égyptienne un groupe religieux avec visiblement des, des règles euh, comment euh, des règles vestimentaires complexes qui portaient sur euh, la constitution de ces vêtements en laine ou en lin selon les moments de leur vie moi j'ai pas bien compris je vous avoue bon c'est un mouvement ésotérique qui est basé sur une initiation donc hein, comme tout mouvement ésotérique euh, la révélation de mystères l'initiation à ces mystères les mystères orphiques et de ces rites-là, eh euh, en fait, on euh, ne sait juste rien. Voilà. Ou presque, presque rien. Voilà. Euh, on sait qu vaguement qu'ils étaient végétariens, ou du moins on le déduit euh, des textes qui en parlent, des textes euh, soit de Théophrase, soit de Plaston, euh, je ne sais plus trop. Euh, parce que les deux en ont parlé, mais je ne sais plus où, desquels on déduit hein, qu'ils étaient euh, végétariens. Euh, il me semble que Platon, c'est plutôt des mystères d'Eloysis qui parlent, non Je crois qu'il qu de... est. Dans mes souvenirs, il parle des, des mystères orphiques. Oui, euh... oui. Ah. <laughs> voilà. Euh, mais dans les textes euh, qui font mention de ces gens, euh, clairement, c'est dans des termes la plupart du temps discréditants. Ils les décrivent euh, les uns et les autres comme des sortes de moines euh, itinérants douteux, euh, Clodo un peu charlatan, qui proposent des rites de purification chelou, euh, qui fourguent des amulettes qui sont censés offrir une aide eschatologique pour trouver son chemin dans l'au-delà. Et c'est confirmé par un truc qu'on a trouvé. On a trouvé un, un des documents de la littérature orphique, enfin façon de parler, littérature, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais qui est clair là-dessus, c'est des petites tablettes hein, qui ont été trouvées euh, euh, en Grèce. Je sais plus où est en Crète et je sais plus où non plus. Euh, Qu'on appelle les lamelles d'or. Voilà. Donc euh, ces lamelles sont enterrées avec les, les initiés en hein, orphiques et elles sont gravées de formules qui donnaient à ces initiés les, les mots de passe <laughs> pour l'au-delà. Donc euh, excusez-moi. Le ce c'est pas vraiment les gothiques de l'époque. C'est plus, c'est plus les gens qui vont acheter des cristaux. Ah, c'est plus ça. De hein. C'est oui. des Raéliens de l'époque, un peu, non Oui. <laughs> Ils ont des petits, des petits modes d'emploi comme ça. Donc, euh, l'âme se présente sur la, la plaquette comme euh, l'âme d'un fils de la terre et du ciel étoilé. Ah oh, mon Dieu. Oui, c'est des Raéliens. Hein. <laughs> et, et donc, l'âme demande aux divinités de l'enfer de lui donner à, à boire de l'eau, de l'eau qui coule, du lac de mémoire, de l'eau de vie dont l'accès est garanti par une vie de pureté, selon évidemment la discipline orphique euh, du salut. Euh, et la plaquette indique où il doit tourner à droite pour trouver la source et éviter d'aller à gauche, qui serait la direction du, <laughs> du l'été, le fleuve de l'oubli, l'eau de mort, qui le conduira à une éternité de boue glacée <laughs> Pardon. Le est Espadon. Je répète, le mot de passe est Espadon. Ah, c'est quoi le mot de passe dans la plateforme déjà C'est le nom d'un dessert, mais je ne sais plus lequel. Un film d'horreur tout à fait stupéfiant. Donc l'orphisme, bon, ça n'a rien à voir avec tout ça, même si ça vient puiser là-dedans à cause d'un poème d'Apollinaire. Euh, un poème qui s'appelle Orphée, donc c'est lui qui va donner le nom à ce mouvement. Et si on en croit les orphistes, enfin le mouvement orphique du deux années 10 qui se développe là, ce serait l'évolution quasi logique, la, la suite logique et la, la forme que devrait prendre la, la consécution impressionnisme, fauvisme, cubisme. quoi. Ça doit conduire à ça, une espèce de, de mystique abstractive qui est pétri d'une espèce de spiritualité plutôt vaseuse, euh, sans doute pour se détacher de la tendance tardive du cubisme à se penser en termes quasi scientifiques hein, avec les autres zozos. Euh, c'est vrai, c'est hein, une espèce de grammaticalisation en gros, des différentes phases historiques du cubisme dont je vous parlais tout à l'heure, analytique, synthétique, etc. Vous voyez comment ça fonctionnait. Hein, donc le cubisme synthétique visait une espèce de synthèse des volumes pour réinjecter une relation moins ludique, et plus ontologisante aux objets qui sont peints, qui sont représentés. Ça donne le ridicule pichet d'étain que vous avez vu tout à l'heure sans doute. Euh, période qui elle se dégageait du cubisme analytique d'avant, et puis qui lui-même se dégageait euh, du césanisme en gros. Voilà, voilà. Donc le cubisme analytique qui décompose les volumes comme une boule disco. Bref, euh, l'orphisme, ça expose une espèce de mise à plat complète de tout ça. Et plutôt hanté par une vision, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Delaunay, par une pensée dynamiste, euh, vibratoire, lumineuse, assez proche hein, des expériences futuristes, finalement, sur bien des points. Et en fait, le, dans le cœur de tout ça, c'est ça qu'il faut comprendre, <laughs> c'est ça qui est drôle. Euh, c'est un micro-mouvement, aussi bien dans le temps que dans l'ampleur, parce que c'est qui C'est les Delaunay. En fait, l'orphisme, c'est un delonisme. <laughs> c'est ça, ça qui est drôle, en fait. Excusez-moi, j'ironise, mais tout de même, c'est assez grotesque. Et quand on parlait d'apollinaire comme un trousseur d'isme, euh, quand même, oui. Voilà, marrant, le soufisme aussi serait lié étymologiquement au en fait de porter des vêtements de laine, dit Dr. Wack. Ah Sont-ce des orphistes Alors, où j'en suis. La situation semble la suivante. Pour surnager dans la cohue des contre-salons, on pouvait se rallier à un groupe dont on parlerait en tant que tel. Mais on pouvait aussi s'affirmer comme un individu de talent et nager dans la ligne d'eau des marchands. Cette présentation est cependant trop brutale et il faut tout de suite faire deux restrictions importantes. En premier lieu, on ne peut pas dire que les cubistes optèrent pour une stratégie de groupe et que Picasso préféra un comportement individualiste, parce que c'était là des manières intelligentes d'aborder les marchés, les salons, le monde des marchands, dans lesquels ils étaient plongés. Il serait plus juste de dire qu'ils se tournèrent vers des secteurs du marché, où, étant donné la conception qu'ils avaient de l'art et d'eux-mêmes, ils pouvaient avoir leur place. Et ils acceptèrent certains éléments structurels liés à des directives, qui par ailleurs venaient probablement étayer ce qu'ils pensaient déjà. Réciprocité commande. Ils peuvent faire semblant de croire à un certain moment en gros hein, aux mots d'ordre qui constituent l'existence plus ou moins arbitrairement formée de euh, ces groupes, c'est-à-dire de formations repérables euh, institutionnalisantes. Quoi. En second lieu, même si la structure du marché imposait un certain nombre de directives à Picasso, celui-ci pouvait les interpréter euh, de différentes manières ou suivent telle ou telle de leurs inflexions, il n'y avait pas un sens déterminé d'avance, il fallait au contraire qu'interviennent d'autres facteurs, ce qui nous ramène à Apollinaire, ou du moins au rôle central que Apollinaire joua dans le domaine de la presse culturelle qui pouvait intéresser Picasso. Alors, je vais vous montrer la tronche d'Apollinaire et le... je vais été vous chercher le portrait d'Apollinaire que... Comment... que Michael Baxendal a choisi euh, pour illustrer son bouquin lui-même, donc c'est un portrait d'Apollinaire par Marcoussi. C'est pas ouf, mais bon, moi, c'est Baxandal qui a choisi ça, ça donne ça. Bon, c'est pas, il y a beaucoup de zigouigouille, il y a beaucoup de dans tout ça, a un certain manque de retenue, mais bon, ça va. La partie inférieure me plaît bien. En fait. Il y a quelque chose là-dedans qui est pas mal. Je ne pas trop où il y a quoi. espèce de vie sans fin d'Archimède. Bon, bref, on s'en fout. Je lance ce qui a été écrit là parce qu'il dit, enfin, il y a, des, euh, il y a euh, pourrissement, ou bon, euh, de vie, d'accord. Pourrissement, ou de vie. Et là, Guillaume Apollinaire. Et là, tu veux dire Alors là, c'est écrit, 30 euh, textes d'Apollinaire, je suppose qu'il a choisi. Un jour, un jour, je m'attendrai moi-même. moi oui, je suppose que c'est ça. Je me dirai Guillaume, et tu, il est temps que tu viennes. Ah oui, d'accord. Bon bah c'est ça. C'est un texte que Guillaume s'écrit à lui-même. C'est fou ce qu'on sème hein, dans ce. Tous ces gens s'aiment vraiment beaucoup. Alerte au je ne sais quoi, dit Dr. Wack. Oh, comme c'est fourbe. <laughs> je me suis beaucoup moqué du je ne sais quoi du Père Bourg avec... Avec euh, comment Andalis, quand on était en train de lire le euh, texte sur la hymnise, mmh. on a lu les, les échanges d'Arist et Eugène hein, chez les jésuites Bourg qui parlent inlassablement euh, du je ne sais quoi de la langue française, mmh. Mmh. qui ont ferait le génie cristallin, sauf que c'est je ne sais quoi, donc plutôt opaque pour du cristal. Hein. Les témoignages qu'ont laissé Picasso, Braque et Kahnweiler par la suite montrent qu'ils considéraient Apollinaire comme un piètre critique d'art. <laughs> Il apprend pour son C'est vrai qu'ils sont nuls hein. Moi, j'ai lu des textes, mais c'est tellement bête, c'est tellement poulet, tellement grotesque. Enfin, vraiment, hein. Apollinaire sur l'art, c'est pathétique, ça sert à rien. Ces textes ne vous apporteront absolument rien sur les artistes dont ils parlent, et ils sont mais boursouflés de chiantissimes ringardises. C'est dingue, hein. c'est dingue, dingue, dingue. Donc, ces textes sur Picasso nous frappent aujourd'hui par leur emphase et leur peu de clairvoyance. Mais lorsqu'on quitte le cadre du marché pour examiner la situation du troc en 1906-1910, on s'aperçoit que ce n'est pas en tant que critique d'art qu'Apollinaire est intéressant. Son véritable rôle se situe quelque part entre celui d'un idéologue et celui d'un moraliste, et c'est là qu'il est réellement important. Si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut dire On voit apparaître des concrétions sociales euh, qui sont des mouvements artistiques, des groupes de peintres, des groupes d'artistes. Euh, il se trouve que quand quelque chose apparaît dans un champ de vision, il n'est pas nécessairement perceptible du seul fait d'apparaître. Il faut que certaines conditions soient là pour qu'il soit perçu. Donc, par exemple, Lavoisier ne verra pas de corps céleste tomber parce que ça ne participe pas à son plan d'organisation du monde. Et donc, il faut peut-être des instruments d'optique spécifiques à chaque fois. Il y a des choses qui peuvent devenir instruments d'optique et une institution charnelle donc en gros un personnage connu, reconnu pour certaines vertus, ou à qui on accorde du crédit, une parole qu'il porte, ou, ou qui a une place symbolique particulière, peut devenir cet instrument d'optique. Et par contact, en fait, tout ce qui va graviter autour de cet instrument d'optique sera perçu ou compris à travers lui. Voilà ce que je comprends de la proposition. Euh... Hmm. Que fait Picasso lorsqu'il se tourne vers l'univers d'Apollinaire Hein Qu'est-ce qu'il fait Il va vers un ensemble d'idées très larges, aux racines culturelles et sociales profondes et complexes qu'Apollinaire, entre autres, s'est avec brio. Malgré leur caractère très général, ces postulats sont clairs. Ils disent, par exemple, et pour résumer, que l'art est un jeu sérieux. Que l'artiste traite par excellence de nos manières de percevoir et d'expérimenter les choses. Qu'un bon artiste est celui qui sait renouveler ses matières de voir manière de voir, qu'il représente dès lors une source de liberté et de renouvellement personnel pour le spectateur qui accepte de se laisser guider malgré toutes les difficultés. Que ceci nous est démontré non seulement par un petit nombre d'artistes appartenant à un passé récent, mais aussi par tout un ensemble de faits généraux et de valeurs fondamentales. Qu'un bon artiste doit savoir en tirer la leçon sans pour autant s'y tenir. Qu'un bon artiste, c'est une voie nouvelle, personnelle. Euh, Kouvis dit qu'il a assez ressemblance portable. Oui, en fait, oui, oui, plutôt. Hein. Enfin, vraiment, pour qui connaît la bouille d'Apollinaire, il a raison, Kouvis, c'est vrai. Euh, il a été beaucoup, beaucoup portraituré par son entourage. Il existe des dizaines de portraits cubistes, euh, tendances cubistes euh, d'Apollinaire. Dans la mesure où ces énoncés se rattachent à toute une série de faits économiques et sociaux, donc sont d'ordre euh, idéologique, si vous voulez, hein. on peut se demander jusqu'où on peut tenter de défaire cet écheveau. Comme pour le pont du Force, on va pas revenir là-dessus, hein, la réponse dépend d'abord du système de référence choisi, la peinture ou l'histoire sociale, et de la manière bien particulière qu'a chacun d'apprécier les mobiles d'une action. Si nos inférences sont guidées par autre chose qu'un pur déterminant, c'est des choses dont on a bien pu rendre compte avec le dernier live qu'on a fait ensemble, qui était euh, consacré au Palazzo Schifanoia et à, à l'étude qu'on a fait euh, comment, euh, à Bivarburg. C'est intéressant de voir qu'on est en train de regarder un cycle de fresques sur les murs du Palazzo Schifanoia et euh, Warburg prend un fil, un fil spéculatif, qui celui lui. On pourrait dire qu'il est thématique d'un des aspects de ce cycle de fresques, donc en l'occurrence la présence euh, de l'astrologie euh, euh, au XVe siècle à la cour de Borgodeste, et notamment là, mais aussi plus largement dans le XVe siècle euh, italien à ce moment-là, et une série de formes manifestes qui sont incompréhensibles si on ne décide pas de produire, de creuser le long couloir des siècles, pour voir si elles n'ont pas une cause, non pas dans l'histoire des images seules, mais dans l'histoire des images et des descriptions. De l'astrologie comme discipline antique. Et donc, depuis l'Antiquité, il va tracer comme ça un parcours extrêmement brillant et très, très euh, rigoureux, et je dirais quasi exhaustif dans les différentes manifestations qui traversent les siècles, de deux, trois éléments très simples, donc la, la structure de décan, euh, telle qu'elle va apparaître, euh, apparaître dans l'astrolabe d'Arato, dans ses phénomènes, euh, pardon, et dont. Euh, dans certaines formules, euh, vont devenir des objets plastiques importants, euh, des, euh, des objets de dévotion ou des diagrammes de représentation de ceux avec une iconographie très lente qui se met en place et de façon très assurée, qui vont se perpétuer à travers des usages pendant des siècles et des siècles, mais qui peuvent être suivis comme une espèce d'enquête extrêmement précise et euh, clairement intelligible. Et ce qui est marrant, c'est quand il a fini ce travail, ce que l'on voit le plus, en dehors de, du merveilleux moment qu'on a passé en compagnie de Barbeau, c'est tout ce qui reste à voir et qui n'est pas là. En gros, nous n'avons connu une expertise particulière de ce qui se passe là que par un fil tout petit, 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 petit. Mais des fils, il mmh. y en a quelques millions d'autres. C'est cette lecture qui est vraie ne justifie pas la totalité du regard euh, sur ces fresques qui est encore ouvert à l'infini. On pourrait choisir euh, une histoire euh, matérielle et chimique des pigments. Et ce serait une histoire vraie, et juste qui partirait peut-être, par exemple, des, euh, des travaux de Pline l'Ancien sur les, les, les pierres que l'on faisait voyager euh, depuis l'Asie mineure jusqu'en Grèce euh, pour peindre à, à, à l'époque de Appel et la critique qu'en fait Pline, à l'époque romaine, et euh, le, la façon dont ça va servir de base pour euh, et, et établir des sortes de théories des couleurs et de recherches matérielles sur les couleurs au Moyen-Âge, jusqu'à oui, jusqu oui, des, des, des supports. Une histoire des mathématiques pourrait aussi servir à la peinture parce qu'il y, y a eu énormément de points de, de tentative de faire des points de rencontre entre les deux. Enfin, y, oui, c'est. Euh... Ces fraîches peuvent être pénétrées par un nombre de fils directeurs inouïs et qui ne seront pas plus ou moins vrais les uns que les autres, hein, on est d'accord. Donc, euh, ce qui est chouette, c'est que le sentiment légitime d'une certaine vérité qui vient d'être approchée euh, de la, la forme matérielle n'est qu'un minuscule aspect du fait que euh, chaque œuvre d'art est aussi une condensation considérable qui ne peut pas être suivie en tous ces points et en tous ces termes, certains sont perdus à jamais, mais qui ouvre en tout cas à la spéculation et le plaisir euh, inouï de l'investigation, qui font partie de la joie, de la joie immédiate, de la contemplation. Il y aurait mille aspects inépuisables. Et tout va dépendre évidemment de, de l'intérêt qu'on porte à la forme de cause, on va dire. Il y a les causes et il y a les formes de cause. C'est ce qu'il dit quand, euh, quand il dit que des, nos inférences sont guidées par autre chose qu'un pur euh, déterminisme économique. Nous serons amenés à nous interroger sur la pertinence de notre propre activité critique par rapport de, au type de peinture qui nous intéresse. Est-il utile, par exemple, dans ce cas, de saisir les implications politiques des schémas mis en œuvre par Apollinaire alors ça, quand on fait de la recherche, c'est super drôle parce que... En fait, ce qui se passe, je pense que Warburg était la première victime de ce genre de truc, mais c'est une victime enthousiaste et je suis moi-même une victime enthousiaste de ça. Quand je fais une recherche sur tel ou tel tableau, il y a un moment où ça va trop loin. Oui. Chaque <laughs> fois, ça, oui. ça ouais, va trop loin. C'est un, euh, un aspect de la recherche elle-même. Juste ça. À un moment, tu, tu commences à t'intéresser à, euh, à la, <laughs> la aux au, au bestiaires médiévaux alors que tu étais parti sur, <laughs> sur Combat Qu'est-ce qu que, qu que je fais là Il eh, y a et un y a moment, moment ouais. où tu lèves le nez du bouquin et tu fais. je Comment je suis arrivé, -ce arrivé dans là cet endroit-là et comment je suis arrivé à m'intéresser à la botanique alors qu'au départ, j'étais simplement en train d'étudier une tapisserie flamande du 15e siècle Ah oui, c'est vrai, c'est vrai parce qu'on y représente ici à cet endroit un entrelac de ce type de fleurs que je ne connais pas, mais pourquoi je suis en train de m'intéresser à la sexualité des plantes Parce que c'est trop tard, parce que c'est comme ça que la recherche fonctionne en fait. Moi, je me suis retrouvé à lire Guillaume d'Occam, euh, qui est un philosophe médiéval, euh, un théologien, euh, juste à cause de la peinture. Ça n'a aucun putain de rapport au départ, mais en fait, si, tôt ou tard, le fait de chercher, ça vous amène dans des endroits bizarres, et puis euh, ben voilà, on peut pas vraiment y échapper, je crois que c'est euh, comme ça. C est, c est, euh, euh, et puis en même temps, y échapper, ce serait, ce serait passer à côté d'un des de ce qui est pour moi un des grands plaisirs de la recherche. Alors vous voulez Aussi. savoir Oui, évidemment, ouais. Si on peut faire des sondages sur ce chat, oui, on peut, mais euh, là, j'aimerais bien. Ça ne marche pas. <laughs> si, si, désormais, ça marche, j'en ai déjà fait un. Mais est-ce oh. que. Ouais. Ça, ça a fonctionné une fois. On avait fait un test, c'était pas mal. Mais là, il faut, ça veut dire qu'il faut le construire. Euh, ça me prend un peu de temps et je suis pas encore très leste avec cet objet. Je préfère qu'on se livre à ça quand je fais un live dessin. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. On peut perdre un quart d'heure à bricoler avec plaisir. Mais là, sur la ressemblance de Apollinaire avec Oscar Wilde, ça va me faire perdre un quart d'heure alors qu'il bon, est déjà un peu tard et on voudrait avancer un petit peu. Je suis désolé. Hein. Je suis profondément décevant. Je sais je vous déçois. Je sais, je sais. Donc est-ce que ce serait la peine Où est-ce qu'on va arrêter en fait la recherche euh, Est-ce qu'on va s'intéresser aux implications politiques des chemins mis en œuvre par Apollinaire À quel endroit on va arrêter de creuser cest à dire à quel endroit on va décider que ça a un rapport ou pas avec ce qu'on est en train de faire C'est compliqué, hein. De savoir comment voilà, et Anne Weiler aurait évalué... Euh, d'autres produits manufacturés de connaître les différences qui pouvaient exister entre en termes de classe sociale entre picasso et braque d'une part mais Jinger et delaunay de l'autre de ou le contexte socio-économique dans lequel évoluait gertrude stein aucune de ces questions ne posant après tout de problèmes insurmontables dans le cas présent ou disons dans celui de chardin je ne crois pas que ces éléments pourraient véritablement nous aider à traiter des aspects intentionnel de la peinture puisque c'est vraiment euh, euh, de ça dont il est question dans ce livre. Quand même. Mais si nous nous intéressions par exemple à la joie de vivre de Matisse ou à Watteau, je pense que c'est le genre de questions que nous devrions nous poser. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer euh, la joie de vivre de Matisse. Que voici. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas regardé d'image ensemble. Alors voici un Matisse un peu jeune. Hein, donc moi je je ne suis pas encore fou de sa peinture là. Il y a quelque chose de balbutiant, mais c'est assez chouette. Et d'autant que vous voyez là, le motif central, là, à l'arrière-plan. Vous allez reconnaître un truc qui vous est très familier. Eh oui, un des tableaux les plus célèbres de Matisse. La danse est là, dans l'arrière-plan. Euh, en fait, euh, si vous regardez un petit peu certaines décompositions euh, fractales, pratiquement, vous avez l'œuvre de Matisse dans un seul tableau qui va se déplier. C'est pratiquement une collection de tableaux de Matisse. Il ah, y, y a plein de trouvailles picturales qui sont intéressantes dans ce tableau, même si ce bon, n'est pas, pas encore le grand Matisse euh, qui suit. Donc voilà Matisse, voilà, le, la joie de vivre. Hein. Et voici notre grand bateau, le plat plus célèbre de ces toiles, que vous avez sans doute déjà vu et revu, qui est l'embarquement pour Citer, qui par bien des aspects <laughs> n'est pas très éloigné au fond de, de notre Matisse. Regardez ça, les envolées de Pucci. Euh, regardez cette envolée de Pouty, hop, avec cet avant-plan tout à fait curieux de, de procession joyeuse. Une pastorale amoureuse. On regarde ces poutilles. Eh, on revient là-dessus. Elle est, elle est, elle est vraie, elle est fascinante <laughs> cette dégringolade d'enjeux. <laughs> <laughs> oh euh, on prononce vato, bah, je crois, hein, Dr. Wach, j'ai euh, appris comme ça, moi. Vato. Il y a les watu watu et il y a vato. Voilà, ça n'a aucun rapport. Hein. Euh, les indices que le monde des marchands fournissait sur la structure du marché ne prenaient tout leur sens que lorsqu'ils rejoignaient des notions telles que celles que nous avons évoquées en dernier lieu. Un bon artiste, c'est d'abord un individu. Picasso croyait très probablement aux valeurs défendues par Apollinaire, bien avant d'avoir entendu parler de ce dernier ou même d'avoir visité Paris. Mais la plume d'Apollinaire leur donnait un peu plus de force et un peu plus d'éclat. Rien de tel pour être fortifié dans ses sentiments que d'entendre quelqu'un qu'on aime les exprimer avec élégance, avec une élégance pour le coup un peu forcée, mais qui correspond aussi à une époque. Si ça, c'est que si aujourd'hui ces textes nous paraissaient énormément surannés, on n'en voit évidemment que les défauts, on peut supposer qu'ils n'étaient pas forcément. Enfin, on a bien compris que tous le pensaient mauvais critique d'art, mais ça ne veut pas dire qu'ils jugeaient euh, pour autant qu'il était médiocre et oui, C'est ça. Ils pensaient que sur l'art, il n'avait pas grand-chose à dire, mais la forme peut-être leur semblait bonne à cette époque. Certes, en termes de critique d'art, les textes d'Apollinaire ne sont pas convaincants. Mais dès qu'on pense en termes de troc, on se souvient qu'ils sont lus par un homme ayant lui-même une vision aiguë de la peinture. On comprend qu'ils jouent un rôle dont il n'est ni possible ni même nécessaire de mesurer l'importance. Donc là, c'est un autre aspect que la place prismatique que pourrait prendre Apollinaire depuis la société pour voir à travers les groupes dont je parle. C'est la trace réflexive que prend Apollinaire pour ces groupes eux-mêmes qui y reconnaissent des vertus dont ils se parent et s'aiment teinter. Sans forcément, imaginez ça, oui, comme... Euh, une façon par lui de jouir finalement d'autres choses, mais simplement de se retrouver en lui quelque chose et d'une jouissance par contact, cette fois-ci, euh, de pur gain, si vous voulez, de pur gain immédiat, pas, euh, avec un regard qui serait pas un regard utilitaire posé sur Apollinaire, au sens où il leur serait utile socialement, comme on, on a des utilités dans la vie mondaine, pour se faire bien voir, pour entrer dans certains endroits. Il y a cet aspect, mais il y a aussi l'autre, puissamment symbolique, qui est les, les vertus dont on hérite au contact de, de cet opérateur-là, l'opérateur opérateur Apollinaire. Pour dire les choses autrement, à partir du moment où Picasso établissait un rapport entre les textes d'Apollinaire et sa propre perception de la peinture de Cézanne, ces considérations devaient prendre un sens beaucoup plus précis. De façon générale, nous dirons donc que lorsqu'un marché de l'art atteint un développement suffisant, sa complexité même permet au peintre de choisir entre différentes directives d'ordre générique que son propre travail peut par la suite modifier. Mais il faut ajouter que ce type de marché est encore quelque chose de beaucoup trop simple pour traduire exactement ou pour contenir cette forme d'échange plus large que constitue le troc. Une partie de la signification du marché dépend, et ce qui se passe là n'est pas forcément très clair, d'indications fournies par des faits structurels plutôt que par des attentes exprimées. Ces indications reflètent des faits qui renvoient à un modèle économique, même si la relation n'est pas toujours immédiate, immédiate ou exacte. Pour qu'elle fasse véritablement sens, il faut qu'elle soit en relation avec une idée. Or, même des idées très larges prennent une signification plus précise lorsqu'elles sont considérées dans un contexte pictural tout à fait spécifique. Le général rejoignant alors le particulier. Et peut-être est-ce l'occasion de rappeler qu'on ne décrit jamais que ce qu'on pense d'un tableau. Donc ça c'était un postulat intéressant, le Vacindale au début du bouquin. On ne décrit pas le tableau, mais on décrit ce qu'on pense d'un tableau. Et non le tableau ou les événements mentaux qui ont pu se dérouler dans l'esprit du peintre, qui sont évidemment... Encore plus inaccessible, vous l'imaginez, que le fait donné qu'est cette condition d'apparition matérielle appelée tableau. Cette manifestation testimoniale d'un trajet pictural. Voilà, voilà, voilà. Ben là, on vient de clôturer le chapitre 5. Je pensais vous lire le 6 ce soir, <laughs> mais je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que on, ça fait un moment qu'on est ensemble. Je crois que ça fait 4 oui. heures. Ça, ça fait 4, ça 4, heures. 4 heures. Voilà. Oui. Et je pense que 4 heures, c'est bien, parce que trop d'idées en même temps, là ça pourrait euh, être assez embrouillé. Euh, voilà, ça fait que j'ai un peu d'iconographie prévue pour la prochaine fois déjà, donc ça, c'est bien. Et puis, euh, ben, on verra par la suite hein, vers quoi on va. J'espère que ça vous a intéressé, tout ça. C'était vachement bien. C'était bien. J'en <laughs> ah suis ravi. Et j'ai un gros rhume, oui. <laughs> Il a un sacré rhume, dis donc. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc tu peux pas nous lire d'a dans de telles conditions, je vois pas je, comment. Je on... peux essayer de vous lire Da mais ça va, je vais vous lire d'a avec 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 le népris, le népris, le film de Godard. <laughs> oh putain, c'est nul Ah, c'était. Ah, nul ça. Ah, hein hein, tu ça t'a <laughs> plu. Je, hein. <laughs> quelle misère, quelle honte, quelle indignité. C'est un petit chapitre de Da. C'est un petit chapitre de Da Petit chapitre de DAS. Eh ben ça tombera très bien. Alors On envoie le Da. Alors, content de cette découverte. Vous avez la suite quand bah, Je pense dimanche prochain à Elinolian. Et, et euh, le premier volet a été podcasté sur la chaîne YouTube qui va ici avec, euh, avec, la, comment, euh, avec la chaîne Twitch. Merci pour le follow, Schwartzman. Euh, Donc n'hésitez pas à aller voir euh, et surtout oui, faites, <laughs> faites tous et toutes comme Schwartzman, euh, Suivez la chaîne parce que euh, en fait, à part le, le rendez-vous du dimanche soir, c'est plutôt informel ici. On ne sait jamais trop quand je vais faire un live et euh, c'est compliqué d'être prévenu à l'avance. Donc je, je vous invite plutôt, euh, à part les notifications, quoi, vous ne saurez pas mon programme, je ne le suis pas. Enfin bref, il ne faut pas trop compter là-dessus. Et donc, Gabriel va nous lire un petit bout de Da, ce qui est une coutume hein, pour nos lives communs, <laughs> c'est de s'achever dans la lecture de Harocourt. Alors, euh, pour, les, pour les nouveaux Da, le premier homme est un roman de Edmond Harocourt, que vous ne connaissez pas, mais que vous connaissez pour cette phrase unique d'un de ses poèmes, Partir, c'est mourir un peu, c'est de lui. À part ça, euh, à peu près complètement oublié. Et la lecture de euh, Da nous font comprendre. Non, <laughs> c'est tellement pas vrai, tellement injuste. Non, non, il est... non, non c'est un précurseur, c'est un précurseur de bien des choses regrettables. Edmond araucourt <laughs> mais c'est définitivement un précurseur. Euh, donc Da, le premier homme, euh, Danda, le premier homme, Edmond Recours, essaie de s'imaginer quelles ont été les, les expériences et les découvertes du premier homme. Alors au chapitre précédent, chapitre 26, Da avait découvert la massue. <laughs> C'était un grand moment, croyez-moi. C'était un grand moment. Et, et je, je le rappelle parce que euh, c'est mentionné au début du chapitre 27, le premier pacte. Est-ce que Dale est pas en train d'inventer le contrat social Si. Alors, bah, ah, Allons-y, allons-y. Si, bien sûr, il va nous faire ça. Capable, cap <laughs> Cette cap. précieuse découverte, donc, la massue, cette précieuse découverte remontait au jour de son adolescence. Elle précéda de plusieurs années la rencontre de Hock. La massue avait donc été sa première compagne. <laughs> ah, c'est le métal, Jacquette <laughs> <laughs> La Massue avait donc été sa première compagne. Il l'aimait. Elle le flattait. Il était fier d'elle, comme d'un insigne par lequel il se distinguait des quadrupèdes. Et il s'admirait en elle, comme si elle eût été un prolongement de lui. Il savait néanmoins se rappeler qu'elle n'était ni lui ni à lui, et reconnaître quel secours cette étrangère lui apportait dans la bataille. Habitué très, dès longtemps à prêter aux choses des mobiles pareils aux siens, et une volonté de lui nuire ou de le servir, il les méconnaissait ici moins que partout ailleurs. Il avait le sentiment bien net de recevoir une aide consentie et fidèle. Cette arme, qui ne le trahissait jamais aux instants difficiles, ne fut point un outil ni même une servante, mais plutôt l'allié. Au moment d'aller au combat, il l'étreignait du poing, comme on serre la main d'un ami en la secouant d'un coup brusque. Et mentalement, il, babus... il balbutiait des conjurations afin de lui donner courage et de renouveler leur pacte. Après la bataille, il la caressait à la manière. De... <laughs> What non Merci de cette image mentale Edmond. Je ne veux pas Trop sympa Après la bataille, il la caressait à la manière d'un chasseur qui passe la paume sur le dos de son chien pour le complimenter. C'était presque un remerciement. Plus elle avait frappé fort, plus il éprouvait pour elle d'estime, d'attachement, de confiance et peut-être de gratitude. Il ne la quittait ni pour manger, ni pour dormir. C'est vraiment full metal jacket. Ah oui. euh, J'attends avec impatience le moment où Da va inventer le sex-story. Euh, euh... Oui, parce qu'à un moment, il va falloir consumer cette. Euh... <laughs> Il y, y, y a une tension érotique qui est insoutenable, là. Il ne la quittait ni pour manger ni pour dormir. Quand elle n'était pas à son point durant la halte, elle reposait à son côté à portée de la main. Pendant son sommeil dans l'arbre, il la gardait sur sa poitrine. Cet ami de la première heure n'apportait donc pas seulement le bénéfice de son utilité matérielle, elle fournissait en outre celui d'un enseignement social, qui semble avoir été le premier de tous. C'est à elle, en effet, qu'échut le rôle d'initier l'homme à l'idée d'une coopération et de lui montrer le profit. Bien avant qu'il s'associa à son semblable, et même à sa femelle, une branche cassée lui révélait la possibilité d'unir sa force à d'autres forces. Ainsi se préparait en lui la notion qui déterminera la supériorité mécanique et morale des hommes, et qui assurera leur triomphe sur le globe, puisque grâce à elle, ils sauront asservir et dévaster le monde ah. en exploitant pour leur usage les bêtes, oui. les plantes et les entrailles même de la terre. J'aime beaucoup le sens que supériorité morale vient de prendre tout d'un coup. Oui. <laughs> <laughs> oh mon dieu Mais quelle mine C'est qu'il est, qu est ce bon ça au cours Il est incroyable ah, Quelle quel générosité Mais vraiment hein, c'est un roman du générosité mmh. C'est vrai qu'il faut pas se moquer C'est un roman d'une générosité Folle à chaque, à Cha chaque chapitre Jamais déçu Oh là là. Jamais déçu. Et le prochain s'appelle le moulinet. Je, je suis... C'est <laughs> ça, j'ai un queue qui remue. Moi, je, <laughs> comme un petit chien, j'attends avec impatience le moment où, où, où il va faire des moulinets. Alors avec quoi je... Tout est open là. On sent bien un, un monde qui s'ouvre à nous de possibilités. Euh, chez Da, tout est possible. Écoutez, euh, j'espère que vous avez passé un, un bon <laughs> moment jusqu'au bout. Euh, Merci à Gabriel d'être avec nous. Moi, je vous envoie à raider chez Écharpe, qui est en ligne là. Eh bien, écoutez, c'est le moment. Je crois avoir jamais raidé Écharpe. Donc c'est cool. Voilà. Et il va nous parler de la massue de Deus sur la moitié du livre. C'est vrai, il est bien parti pour faire une série de chapitres juste sur une massue. J'avoue que c'est quand même assez drôle, quoi. T'as failli t'étouffer, mais c'est un beau bon moment. Ben oui, avec la massue, évidemment, Suze, avec la massue. De quoi pourrait-il s'agir d'autre? Salut, Lucie, je t'embrasse. Et comme le disait justement Suze, c'est aussi l'inventeur de l'évopsie. On merci à recours, C'est quand même pas rien. Et hop, j'envoie le raid chez Sharp. Donc normalement, dans quelques secondes, vous serez conduit là-bas. Conduisez-vous bien, soyez gentils, hein, soyez dis des... Bonjour voilà, bah Mouchez votre nez et toutes ces <laughs> sortes de choses. Puis je vous dis à très bientôt. Normalement, c'est mardi avec la, Leibniz et Andalys pour la suite du boulot sur langue et langage à l'époque de l'encyclopédie. Voilà. Euh, J'espère que ça a fonctionné. Et le raid est lancé. Le raid est parti. Ah bah super